Deuxième morceau, on est prêt. Comment ça va, vous? Hum, bande de belles personnes. 8h39, on est tombé du lit, mais pour de bonnes raisons que je vais vous expliquer dans un instant, puisque nous avons rendez-vous ce matin. Je règle le micro, la lumière, l'image, le café, tout ça en même temps, puisque nous recevons ce matin, à partir de 10h, le journal West France. C'est notre nouveau rendez-vous du vendredi. Il y a un petit micro qui débat, d'ailleurs, c'est celui de West France ici. Paf, je le range, on fait tout en même temps. Euh, notamment, poster le petit message sur x/twitter ce matin pour annoncer ce rendez-vous. Je, re je le relis avec vous. Je vois des bisous de Bangkok euh, qui nous mettent bien. T'as la chance. C'est une belle ville, Bangkok. Euh, Diosama TV qui vit sa meilleure vie, peut-être, je l'espère, là-bas. Je le relis avec vous. Donc, s'il si, y a des fautes, ce sera de votre faute. Euh, de votre responsabilité, vous serez poursuivi en justice pour cela. Le tweet de ce matin euh, va partir dans quelques secondes. C'est parti pour la matinée, etienne. Ok, On lit les journaux ensemble. Et à partir de 10h, c'est pour ça que j'ai pris tôt ce matin, c'est pour vous lire euh, plein d'articles avant. Je reçois le journal Ouest France avec Stéphane Vernet et Cyril Petit. Pour répondre à vos questions sur le journalisme, les médias, l'info. On a un petit visuel qui va bien. On cite Ouest France, on cite euh, l'Alliance euh, pour la presse, hein, qui est l'association euh, qui réunit euh, tous ces euh, journaux. Euh, ok, on est pas mal. Ok, c'est parti. S'il y a des erreurs, c'est de votre faute, puisque vous n'avez rien dit. Voilà. <laughs> on est OK. Ok, c'est super, on est bien. Ah, comment ça va, vous On va se débarrasser de cette, cette casquette dont on n'a pas besoin. Nous ne sommes pas en mode gaming. Nous sommes en mode info ce matin. Un petit test, on continue les tests. L'image est OK, je me vois, le son est OK, je m'entends. Est-ce que vous me voyez Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous êtes de bonne humeur Est-ce que vous êtes avide d'actualité On va faire un test. Vous tapez point d'exclamation promo dans le chat. Bim, boum. Et vous avez une promotion. Attention. Il faut avoir 25 ans moins de 25 ans pour s'abonner gratuitement à Ouest-France. Bam, c'est parti. Euh, Wallmu a été le plus rapide. Regardez, code promo pour Ouest-France, journal gratuit de 15 à 25 ans. Vous avez 15 ans, vous avez 10 ans d'abonnement gratuit à Ouest-France. La version numérique de Ouest-France, vous recevez le journal en PDF sur votre tablette, sur votre ordinateur. Voilà, pendant 10 ans. Voilà, euh, c'est cool ça. Voilà. Par contre, j'ai plus de 25 ans, bah ça bon, Je vais promo. Voilà, il y a, je m'y attendais, Serial Gamer, et pour ceux qui ont plus de 30 ans, eh ben, j'ai pas. Eh ben, j'ai pas. Mais euh, ouais, bah, il, est trop, il est trop vieux, Lilou Rennaise, là, je suis trop vieille. Rennaise, en plus. Ouais, C'est pas mal, en vrai. Hein. Parce qu'en en fait, euh, les deux journaux avec qui on a déjà euh, échangé ces deux dernières semaines, donc euh, L'Opinion la semaine dernière et Libération Avant, sont venus avec des petits cadeaux, des petites promos euh, sympas. Euh, <coughs> un mois d'abonnement euh, gratuit. Sans engagement, sans carte bleue, rien du tout. voilà. Euh, J'ai demandé à nos amis de West France, parce que c'est pas une obligation, s'ils avaient un petit cadeau à nous faire. Et ils nous ont dit, ben, on a un truc qui est plutôt sympa, nous, euh, nos jeunes lecteurs. En fait, c'est gratuit. Littéralement, pendant 10 ans. Mais vous êtes trop vieux, c'est fou ça. C'est une communauté de... Tain, euh... Je vais rebâtir cette communauté, quoi. Les Ehpadiens. Tout le monde à l'Ehpad. Allez il y a Tazer qui me dit Attends, là j'ai 18 ans, donc j'ai 7 ans gratos. Ouais. Tu as 7 ans, Ouest-France, tous les jours, le journal en PDF, avec l'édition que tu veux, l'édition locale que tu veux en plus, parce qu'il y a différents départements, différentes, euh, différentes villes. Moi j'ai choisi, <coughs> par exemple, l'édition de Rennes. Voilà. Et si on inscrit ses enfants, ben, euh, si, si, si c'est ton enfant qui s'inscrit et qu'il a entre 15 et 25 ans, c'est parti. quoi C'est pas mal, hein Julo, je suis dans les clous au niveau H, génial. Voilà, il n'y a pas que il oui, y a pas que des gens qui me regardent depuis euh, euh, les pattes de beau soleil dans le Var ce matin. Voilà. Euh, Samuel qui nous traite de vieux, c'est les pattes qui se foutent des retraités. phosphène c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est quoi cette toux là Samuel, un petit café. Donc vous voyez, donc ce matin effectivement, euh, c'est notre partenariat avec l'Alliance de la presse, qui est une association, association qui réunit. Les, les grands journaux nationaux et, et régionaux. Donc, c'est des. Je crois qu'on est sur près de 300 titres. Hein. Voilà. Vous savez que moi, je suis un amoureux de la presse écrite, notamment la presse écrite quotidienne. Je vous la lis tous les matins dès que je peux la presse nationale. Et je suis aussi un grand amoureux de la presse euh, régionale. Et euh, on a eu deux rendez-vous déjà dans le cadre de ce partenariat avec donc Libération. On s'est régalé avec euh, l'Opinion la semaine dernière. Voilà, et cette semaine, eh bien, notre premier rendez-vous avec la PQR, comme le dit MG7F. Petit jargon de journaliste, PQR, presse quotidienne régionale. Et euh, notre invité n'est pas le plus petit de ces journaux de PQR, parce que c'est le plus grand journal français par le tirage. Il n'y a pas un journal français qui est, euh, qui est plus euh, lu, qui est plus vendu qu'au West france Tout quotidien confondu. Euh, régionaux et nationaux. Dans les gros tirages nationaux en France, vous avez notamment Le Monde et le Figaro. L'Ouest France, on ira voir les chiffres si vous voulez, c'est est, est plus. plus. On est au-delà de, au de 600 000 exemplaires tous les jours. Donc c'est un succès d'édition qui ne se, qui se dément pas au fil des années. Euh, pour quelles raisons Justement, on posera la question à mes invités. Donc je vais recevoir ce matin, c'est écrit en bas, à partir de 10h, Cyril Petit d'abord et Stéphane Vernet, qui sont rédacteurs en chef délégués. Ouest-France, voilà qui viennent nous voir ce matin. On va. Ils vont, parce que moi je suis en, je suis en, je suis en repos. C'est pas moi qui ai bosser ce matin. Ils vont répondre à vos questions sur les médias, sur Ouest-France, sur la spécificité de west france Pourquoi ce succès déjà euh, Les médias, le journalisme, la enfin, toutes les questions que vous, euh, que vous souhaitez poser sur ce métier. Euh, eh bien, vous, ils sont là pour répondre à vos questions. Et puis toutes les semaines, tous les vendredis, on aura un rendez-vous comme ça. Avec des journalistes, des rédacteurs en chef, des directeurs de publication, etc., des responsables des grands quotidiens nationaux et régionaux français, tous les vendredis pour répondre à vos questions sur l'actu. Voilà, J'essaie de, de, comment dire, devrait vers plus de transparence euh, dans le travail des médias. Je pense qu'un des, un des défauts des médias, notamment de la presse écrite, pas seulement, c'est peut-être le manque de transparence sur la manière dont on travaille, et qui parfois fait euh, naître des, 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 comment, des idées reçues. Euh, et je pense qu'il a des il, y a, voilà, il faut qu'on se montre plus faut qu'on explique plus faut qu'on réponde aux questions faut qu'on qu accepte aussi de se soumettre à la contradiction il y a peut-être un entre soi journalistique on est, on est heureux on aime faire ce métier on l'adore parfois on veut le faire depuis qu'on est tout petit on est très heureux on est entre nous en rédaction là dans un petit dans, dans ce qui peut à un moment ressembler à un microcosme même si beaucoup de journalistes sont sur le terrain et peut-être qu'il faut sortir un petit peu... Et aller plus encore, certains le font depuis longtemps, plus encore vers les lecteurs, vers les citoyens. L'outil le, numérique, notamment Twitch, peut nous permettre de faire cela. Voilà. Donc, euh, quand j'habitais Rennes, me dit Béni la crevette j'avais bossé pendant l'été au service téléphonie de leur jeu, le Gros-Lot Ouest-France. Mais je me rappelle ça. On avait bien, et je, je me rappelle de ça. Voilà. Et alors, du coup, euh, ça commence à 10h. Qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai lu les journaux pour vous ce matin, et notamment Ouest-France, bien sûr, pour vous faire une revue de presse avant. bah ben oui. Ce n'est pas parce que je reçois des invités que je ne vous lis pas les journaux. Donc je vais vous donner l'essentiel. On a Lorraine Provo dans le chat. MMJ7F me dit que Lorraine, euh, directrice adjointe de la rédaction de Libération, qui était avec nous il y a 15 jours, euh, qui nous a parlé avec passion de son métier et de son journal, est avec nous. Lorraine, coucou. Trop bien. Il nous où le pseudo de Lorraine. Kirikou est en colère ce matin parce qu'il n'a pas pris son café. Les médias n'informent plus. Ils désinforme plutôt. Euh, tu es au bon endroit. Pose tes questions, Kirikou. Voilà. Mais plutôt que asséner des, des choses comme ça, pose-nous des questions. On va essayer de répondre à tes questions. Et on va essayer de te réconcilier, si possible, avec euh, notre métier. Et si on n'y arrive pas, tant pis. Tiens, prends un petit café. c'est pas un souci de dire le café hier. Lorraine est là. Mais oui, j'écoute un petit peu avant la conf' de rédac du matin chez les B, conférence de rédaction, moment très important dans la rédaction. Les journalistes se réunissent et ils discutent de ce qu'il faut mettre dans le journal, dans le JT, à l'antenne, sur le papier. Je peux vous dire qu'on s'engueule, qu'on n'est jamais d'accord entre nous. Au sein même d'une rédaction, il y a beaucoup de débats, un, un point que vous n'imaginez pas d'ailleurs, puisque eh bien, en fait, on n'est pas d'accord, chaque, chaque journaliste, sur ce qu'il faut mettre dans le journal, comment il faut le traiter. Voilà. Les débats que, que les citoyens ont entre eux, on, on les a entre nous, ça ne se voit pas. Et je pense d'ailleurs qu'il faut que... C'est quelque chose qu'on doit exposer, qu'on doit montrer que ce travail, c'est un travail de collective, d'échange, de discussion, et que si globalement on est à peu près d'accord dans une rédaction sur la ligne éditoriale, sur là où on veut aller, ou le regard qu'on veut porter sur le monde euh, au, au quotidien, il y a énormément d'échanges, et parfois euh, vifs, au sein d'une rédaction, et ça se passe en général en conférence de rédaction. Lorraine s'apprête à euh, participer à celle du matin, à Libération. Euh, bon. Les amis, d'abord vous, comment ça va On va accélérer ce matin normalement l'intro elle dure 30 minutes, là elle va durer 15 minutes. Donc, je vous laisse me dire comment ça va et je vous fais le petit sommaire pour que ceux qui n'ont pas euh, une heure et demie à me consacrer pour leur vue de presse là aient quand même l'essentiel de l'actu. Alors, ça va super me dit Abruti. <laughs> C'est quoi ce pseudo <laughs> Merci Pauline pour le 29e mois d'abonnement. Merci Etienne pour le 2e mois d'abonnement. Merci The Voyager pour les Beats. Merci Zerka pour le 4e mois. Rocktali, merci pour le 30e mois. Floriana, je pas vu tous ces subs pour le 5e mois. Nanetoua pour le Prime. Palomae, 27 pour le 6e mois. Monsieur Biganon pour le 4e mois. Damos pour le 14e mois. Mais j'avais pas vu ça. Seashox pour le Prime. Un nouveau mug. Oui. Donis vient de prendre son 30e mois d'abonnement. Consécutif, on ne peut pas faire plus. Les subs avaient, ont été ouverts euh, il y a 30 mois. La chaîne est un peu plus ancienne, mais les subs ouverts il y a 30 mois. On ne peut pas être au-delà de 30 mois. Et pour fêter ça, on a un nouveau badge, ce joli mug blanc avec un cœur rouge pour vous. Diction78, merci pour le 17e mois. Bob Léponge, merci pour ce soutien. Euh, hello, top ce code promo Westrange, je viens de m'inscrire, me dit Philippe Ayre qui vient de gagner une année, voire plusieurs années, euh, d'abonnement gratuit à West France, qui est plutôt cool quand même, pour l'exclamation promo, en, euh, si vous avez entre 15 et 25 ans. Bon anniversaire à Eliséphir, qui, qui fêtait son anniversaire hier. Moi, je suis en pleine forme. Je, de toute façon, quand je vous retrouve, je, je prends tellement mon pied euh, sur, sur Twitch. Euh, J'ai tellement de plaisir à, à échanger avec vous sur euh, divers sujets, que ce soit... L'actu ou valorante que je suis toujours très heureux quand je suis là. On va parler bien sûr de la, de la, de la ministre de l'Éducation qui a été remerciée, là, même si elle avait gardé son ministère des Sports. <coughs> On va parler du remaniement, c'est l'un des gros titres ce matin. Bumpy Hawk, j'imagine qu'on va parler du nouveau gouvernement ce matin. Tu as vu euh, pile poil. On va aussi parler des violences sexuelles dans le monde du cinéma. On a des, de gros dossiers ce matin dans Le Parisien et dans Le Monde sur ce sujet, ouais, plusieurs jours que je surveille ce, cette actu, ce thème en attendant le, le bon article, le bon dossier ce matin j'ai trouvé euh, une bonne matière une très belle matière Le Couillon me, nous dit allez voir la chaîne Twitch de Libération, c'est une dinguerie nos amis de Libé se sont lancés sur Twitch ils ont une chaîne sur Twitch depuis quelques jours, c'est pas très très vieux et de, de ce que j'ai vu effectivement la démarche est super euh, sympa euh, Gizm, merci pour le prime euh, j'espère que je prononce bien ton pseudo <coughs> Oui, ça va mieux. Bon, la petite toux est encore là. Ouais. Bon, Kirikou, on n'entend plus de nouvelles de toi là, sur la désinformation N'hésite pas à poser tes questions. On est là pour y répondre. En pleine écriture du dossier parcoursup. Yulène, oh c'est stressant. Ça, j'aurais pas aimé connaître ça, moi. Étienne euh, me dit que les bibliothèques municipales proposent souvent la presse pour ceux que ça intéresse et qui ont plus de 25 ans. C'est vrai. Dans les bibliothèques municipales, des lieux qu'on ne visite pas assez, qu'on ne, ne, se ne pas assez. Euh, il y a souvent la presse, euh, notamment magazine. Euh, quotidienne je sais pas mais magazine ça j'en suis sûr euh, disponible gratuitement c'est un super endroit les bibliothèques municipales je suis en formation j'en branle pas une c'est un bonheur me dit Rimek la vie de rêve comment fais-tu le, le matin pour être en forme j'arrive pas au camis j'ai la chance de faire que des trucs que j'adore donc quand tu fais que des trucs que tu kiffes plus un café euh, voilà, tout va bien euh, Luna un peu épuisée à cause de ma sortie dans un bar hier mais heureusement ton stream me réveille en douceur <laughs> beau réveil je suis seul au boulot, je me suis mis à ne pas déranger sur Teams pour pouvoir écouter tranquillement des poutres Des poutres minées, si quelqu'un vient de te déranger, tu me le dis, et j'interviens. Bonjour, un journaliste ou un rédacteur en chef de West France a dit, il a tendu chez Samuel ce matin, El Giganto, c'est marqué là. C'est marqué sur l'écran là. Et on reçoit ce matin deux journalistes de West France, Cyril Petit et Stéphane Vernet. »« C'est écrit en quoi En voilà puc? Puque C'est écrit. C'est écrit dessus là. C'est à partir de 10h. <laughs> « Salut, j'ai pas trop suivi l'actu ces derniers mois. Pourquoi un remaniement au bout d'un mois ?» Ce qui est très long, très bonne question de Shark Vary qu'on va évoquer ce matin. Bon, c'est parti, on est parti. Je vois que vous êtes en pleine forme, c'est formidable. Okay. Oh, il y en a qui finissent le boulot. Il y a Nipuko qui est en horaire décalé. J'espère que la forme va bien. « Salut mon ref. Ah, » J'adore quand me dit « salut mon ref ». J'ai l'impression que j'ai 15 ans. « Salut Henri. » Vous m'en donnez autant que vous voulez. Salut mon, rêve, mon ref. Ça, ça j'adore ça. ça. C'est Billy qui me dit ça. Quand il me voit, il me dit salut mon ref. Euh, ça, ça, me, ça me fait ma journée. Quoi. Quand Billy me dit salut mon ref, salut frérot, je crois qu'il dit aussi. Ah oh, putain, je me sens... Wow euh, Bert Under, je me posais une question qui est une très bonne question. Euh, la presse quotidienne n'est-elle pas trop répétitive de temps en temps serait-il plus intéressant de porter plus d'attention à l'hebdomadaire ou mensuel pour avoir des articles plus travaillés Non mais ça n'est que mon sentiment, moi je kiffe la presse écrite quotidienne, elle est multiple elle est diverse elle est riche, elle est de qualité je fus un gros lecteur de la presse magazine mensuel ou hebdo, je ne le suis plus je n'y trouve plus mon compte Je suis. Euh, j'aime je, je, la qualité de ce que je trouve sur le plan éditorial dans la presse quotidienne voilà c'est un journal quotidien, c'est 20, 30 pages en moyenne tous les jours sur l'actu. Euh, ouais, quand tu la lis comme moi tous les jours, multiplié par euh, par 7 jours, euh, et que tu compares à la matière que je vais trouver dans un, dans une presse magazine mensuelle, je non, j'ai ma cam, j'ai ma cam. Voilà. Après, il y a une excellente presse magazine euh, en France, mais on, clairement, j'ai pas le temps de la lire, quoi. J'ai pas le temps de la lire. C'est mon choix. Voilà. Je suis à l'âge des choix. Quand j'étais plus jeune, j'essayais de tout faire, mais à un moment, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire, tu peux pas tout lire. Tu peux pas lire la presse quotidienne nationale, tu peux pas lire la presse quotidienne régionale, tu peux pas lire la presse hebdomadaire, tu ne peux pas lire la presse magazine, tu ne peux pas lire la presse spécialisée, tu ne peux pas lire la presse très intéressante sur Internet aussi. Voilà, je suis à l'heure des choix. Moi, j'ai choisi cette presse-là parce que je la kiffe. Voilà. Mais en revanche, n'hésitez pas à aller découvrir toutes ces presses, bien sûr. Et puis en bref, vous jouez à Valo et tout, et j'ai quand même cet objectif de devenir champion du monde euh, d'e-sport sur Valorant. Est-ce que vous êtes OK pour débuter le sommaire, bande de belles personnes yes. C'est tous un petit yes. The Voyageur, merci pour les bits, Zerka, merci pour le quatrième mois. Rocktali, encore merci pour le trentième mois d'abonnement. Je crois que j'ai remercié tout le monde. Vous êtes OK j'ai découvert la, la presse agrume à la Je valide la vanne. Yankoulef le Valo, c'est le Counter-Strike du pauvre. Ouh, oh, 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 oh. Je n'interviens pas dans ce débat, donc je n'ai pas encore joué à CS. Quand j'aurai joué à Counter-Strike, je te dirai. On y va Oscar Sanchez, merci pour le Prime. Champion du monde senior. Non, Born tout Kill. Champion du monde tout court. Allez, c'est parti. Fortnite, ça arrive bientôt, après les vacances de février. Un invité et pas des moindres me fera découvrir Fortnite. C'est calé, c'est prévu. Vous allez <coughs> vous régaler. Sachant que dans les prochaines semaines, il y a des petites surprises. Des bonnes surprises. Dans l'arc Samuel Etienne sur Twitch. Pas forcément sur ma chaîne d'ailleurs. Je vois qu'on nous regarde depuis Prague, depuis l'aéroport. Coucou à ceux qui voyagent, qui se déplacent. Les parties pour un sommaire. Les amis. On commence par notre invité ce matin, le journal Ouest-France, qui consacre sa une au remaniement ministériel. Vous allez me dire, mais quoi, c'était il y a un mois, ça mène le remaniement. On connaît Gabriel Attal, euh, notamment le Premier ministre, oui, mais il manquait plein de ministres, ça a été un remaniement de temps. Et comme le disait quelqu'un dans le chat tout à l'heure avec beaucoup euh, de pertinence, un mois, c'est long, non Un mois pour faire un remaniement Eh bien oui. Ouais. Euh, dans Ouest-France, on dit même que ça n'a jamais été aussi long. Voilà. Euh, Alpha K c'est pas ce soir euh, la bichette c'est <laughs> dimanche ça me plaît effectivement la fin du faux départ, édito de Stéphane Vernet qui est un rédacteur en chef de Ouest France et qui est un journaliste spécialiste en politique qui sera avec nous à partir de, de 10h, on lira cet édito c'est aussi la une de Libération ce remaniement, euh, la Macronie en joli, non pas en roue libre mais en Bayrou libre hein, François Bayrou euh, qui euh, il a provoqué une mini-crise politique, bon, c'est pas ce qui est le plus important, hein mini-crise politique au sein de l'exécutif en refusant finalement de rejoindre le gouvernement puisqu'on ne lui avait pas proposé le poste qu'il souhaitait. On en parlait hier, bon, c'est pas le truc le plus essentiel dans cette histoire. Ce qui est intéressant, c'est pas tellement les histoires d'hommes, de femmes, mais plutôt le fond, les politiques menées, les projets. Moi, c'est ça qui m'intéresse plutôt. C'est aussi la une du Figaro. Alors remarquez que, quelles que soient les, les sensibilités éditoriales des journaux, Libération, journal plutôt de gauche, Figaro, journal plutôt conservateur, plutôt de droite, diront certains, euh, eh bien, on, tout le monde est d'accord. C'est un remaniement laborieux, c'est un remaniement qui s'est fait dans la douleur, c'est un remaniement sur fond de crise, c'est intéressant quand des journaux différents disent la même chose. Dans la douleur, le gouvernement, enfin au complet, vous voyez, ça c'est un autre dossier, dans le Parisien. Je garde le Parisien, un sujet très important dont je voudrais vous parler ce matin, sur les violences sexuelles dans euh, le monde du cinéma, avec ses actrices comme Judith Godrèche que vous voyez ici, euh, les actrices qui brisent l'omerta. Judith Godrèche qui a porté plainte pour viol sur mineur contre Benoît Jacot et Jacques Douallon, hein, donc deux, euh, deux réalisateurs. À sa suite, d'autres comédiennes ont, abusé, ont accusé les deux réalisateurs d'avoir abusé d'elles, adolescentes ou jeunes adultes. Plusieurs jours, je suivais cette actu. Parfois, ne soyez pas surpris, il y a une actu qui pop comme ça et je ne vais pas tout de suite dessus parce que je préfère attendre le bon article, le bon dossier, celui où on a les infos, pas le, le truc où on sent qu'il manque des voilà. Là, on a une une et un dossier dans le Parisien qui est très bien fait. Voilà. Euh, la fin du cinéma muet, la fin du cinéma où euh, celles, euh, puisqu'il s'agit essentiellement de femmes euh, qui ont été victimes de violences sexuelles quand elles étaient jeunes actrices, osent enfin euh, parler pour plusieurs raisons. Dossier dans le Parisien, on lira ça. C'est la une du monde aussi. Vous voyez La prédation sous le couvert du cinéma. Benoît Jacot, donc le réalisateur, la prédation sous le couvert du, du, du cinéma. Euh, Benoît Jacot qui a été interrogé par le monde et le monde qui est allé voir dans le passé comment euh, Benoît Jacot a pu justifier les rapports euh, parfois extrêmement. Euh, la relation extrêmement proche la relation amoureuse, la relation sexuelle qu'il pouvait avoir avec ses actrices, parfois des actrices très jeunes, puisqu'il l'a euh, justifié. Il a expliqué le pourquoi du comment, donc euh, on l'entendra dans Le Monde. On est en train de changer d'époque là-dessus. Euh, il était temps. Voilà, on lira ça, c'est dans Le Monde et dans Le Parisien. Dans Le Figaro, petit article sur la Russie, hein, avec une présidentielle qui se, qui se, qui se profile en, en Russie. Euh, comment dire euh, quel est le suspense <laughs> Aucun, aucun. P le président Poutine va être réélu. Hein. Voilà. Ce pays n'est pas un pays démocratique, à hein. l'illusion d'une démocratie avec des élections. Il n'y a aucun suspense. Tout le monde sait déjà que Poutine, sauf s'il décède d'ici là, sera élu président. D'ailleurs, il vient de faire disqualifier son seul vrai rival à la présidentielle, hein, le seul candidat à s'être prononcé contre la guerre en Ukraine, euh, exclu de la course à la présidentielle puisqu'il y a eu un comité, une commission, la commission électorale centrale qui a dit ah ouais mais non mais les signatures qu'il a recueillies ça va pas, ça va pas donc il dit ah c'est dommage, il va pas pouvoir se présenter, voilà. On annonce du 80% au premier tour pour Poutine, voilà. Donc, on se penchera sur les faits avec le Figaro et sur un édito, ce qu'en pense euh, la Croix en Russie, une farce électorale, un pays qui n'a qu'une apparence euh, démocratique. Voilà, euh, Ce qui va très bien, d'ailleurs, à ceux qui soutiennent la Russie. Il y a des gens qui disent bah oh, c'est très bien, euh, ce régime euh, politique. Parce qu'en en fait, la démocratie, c'est comme un vieux truc, euh, on s'en fout euh, un peu. Quoi. Voilà. Euh, vous notez peut-être que la Croix ne consacre pas sa une à la Russie, mais à Rachida Dati. Et la nouvelle ministre de la Culture, bah là c'est pareil. Là c'est pareil. Euh, J'ai attendu. Euh, Rachida Dati nommée à la Culture, ça a été une grosse surprise politique. C'est une prise de guerre à la droite. Du côté de LR, ils n'ont pas du tout aimé. Mais c'est aussi une, une femme, Rachida Dati, qui a fait des annonces tout de suite. Notamment le fait qu'elle voulait. Euh, euh, que son, que, que sa, sa, son ministère rue de Valois, je crois que, que le ministère de la culture c'est rue de Valois, soit marqué par euh, sous le sceau de la culture pour tous, la culture populaire. Alors je trouvais ça intéressant, mais je me dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire exactement euh, J'ai attendu un petit peu, j'ai trouvé un, un dossier dans la croix ce matin, voilà. culture pour tous, le, dé, le défi de Rachida Dati, qu'est-ce qu'elle entend par culture pour tous En vrai, c'est plutôt intéressant. Tu vois, il y a cool, euh, qui dit en chat, Dati, connu pour son engagement social et son orientation vers les classes populaires. Un homme, une femme politique, c'est bon, une présence, c'est parfois des polémiques, c'est des histoires personnelles, c'est des ambitions, puis parfois c'est des idées aussi. Voilà. Euh, certains se moquent hein, voilà, d'Ati, certains ne, ne l'apportent pas forcément dans, dans, dans leur cœur, mais certains connaissent aussi sa spécificité. Moi, C'est une personnalité euh, que je ne connais pas, je n'ai jamais rencontrée personnellement, mais qui, qui est complexe, qui, qui perd certains aspects assez fascinante quand même. Euh, voilà, donc voilà, un dossier dans la croix là-dessus pour euh, aller peut-être au-delà de la figure, du visage, des prises de position, des polémiques, voir un petit peu s'il n'y a pas un truc au fond qui n'est pas in intéressant. Il y a Trappiste qui dit par exemple elle me sort par les yeux personnellement, voilà. Euh, elle a oublié d'où elle vient, dit Caradoc. Voilà. Je veux, bah, à l'inverse, Lucas, moi je veux dater à la mairie de Paris, mardi d'Algo, voilà. Non, on en parlera ensemble. Alors. J'espère qu'on aura le temps de parler de tout ça, parce que mon invité arrive dans une heure. Euh, les médailles olympiques, les médailles paralympiques dévoilées, c'était hier. Voilà, il y a plusieurs articles. Il y a un article dans l'équipe, bien sûr. Il y a un dossier dans le Parisien aussi. Et euh, elle est belle. Ah bah, MMG aussi aime bien. Ah bah, euh, Yannick Oulèf n'aime pas. Moi, j'aime bien. Je suis assez séduit par ces médailles, j'avoue. Bon, là, c'est très subjectif. Hein. Vous pouvez ne pas aimer, mais je... ça, c'est la médaille d'or. Voilà. Il ah, y, y a un nom vert et un endroit, je ne sais pas si on dit comme ça, l'avers. Eux ils disent avers et face. D'accord. Donc la face, pour les trois, euh, c'est celle-là, c'est-à-dire cette espèce de rayonnement-là. Et au milieu, vous avez un, un, un petit hexagone, c'est ça ouais. <coughs> Qui est un morceau de la tour Eiffel. Voilà. Donc les trois ont ce, ce, cette face. Donc, or, argent, bronze, ça pèse 500, 500 grammes. Un demi-kilo, le boulet Voilà. Donc, euh, cette face avec le côté un peu soleil et un morceau de Tour Eiffel. Voilà. Un vrai morceau de Tour Eiffel. Je trouve ça assez marrant. Voilà. Euh, et puis, de l'autre côté, ils disent l'avers, l'avers des médailles. Eh bien, vous avez euh, des symboles. Euh, et notamment, il y a une Tour Eiffel. Voilà. Donc on va se pencher sur ça. Ce... Moi j'ai trouvé plutôt réussi. Euh, le Parisien a donné la parole à des athlètes qui sont assez séduits aussi. Enfin, qui sont même très séduits, qui, qui disent qu'elle est belle. Voilà. On verra l'histoire de ces médailles. Vous en pensez quoi, vous Ah bah c'est pas 500 grammes d'or, hein. Oui. Elle pèse 500 grammes. Pas... J'ai pas dit que c'était 500 grammes d'or. Jamais, hein. Jamais. Hein. Bah non, bah c'est évident. Enfin. A... J'espère qu'il n'y a pas une personne ici qui a pensé que c'était 500 grammes d'or. Hein. Un kilo d'or aujourd'hui, c'est géodien. Je, je dirais que c'est au moins 35 000 balles. 35 000 euros, un kilo. Alors, euh, cours, Lingot d'or. Voilà. Ici, il n'y a pas de questions, il n'y a que des réponses. C'est parti, let's go. Allez. Comment ça coûte Oula, ça, voyons, ça a augmenté, j'aurais dû en acheter. Euh, je, moi, j'étais je parti sur 35 000 euros le kilo d'or, hein, le lingot. Et ben pas du tout. Hein. Bim, boum. Hein. 60 000. Il <laughs> n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, c'était à 30, 30, 30, 35 000. 60 000 euros. Vous avez un petit lingot d'or euh, à la maison. Fais pas comme si tu en avais pas de lingot. dit Beatle 21. Euh, bah tu vois, je connaissais pas le cours. Hein. Euh, un kilo d'or, un lingot, 60 000. Donc 500 grammes, la médaille d'or. Si elle avait été full or, ce qui est pas le cas, elle aurait valu 30, euh, 30 000 euros. Voilà, ça a doublé en 15 ans. Ouais, 60 000. Ouais. Bon, moi je trouve plutôt pas mal cette médaille. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ensemble, vous direz ce que vous en pensez. Et on finira par quoi par euh, West France. On commence avec West France, on finit avec West France. Je trouve ça bien, puisqu'on reçoit ce matin, à partir de 10h, deux journalistes de West France. Euh, West France, c'est des pages nationales, des pages internationales, c'est des pages régionales, c'est des pages locales. C'est l'une des raisons du succès de West France, c'est qu'ils déclinent toute l'actualité du plus loin international au plus près la vie de quartier. Et, et ça, avec une vraie qualité. Et ils ont des cahiers aussi notamment sur euh, la consommation, sur la vie quotidienne. Là, c'est un cahier qui s'appelle Novi. Je suis tombé sur un article sur euh, ceux qui deviennent végétariens après 50 ans. Voilà, C'est assez cool, en fait, des petits témoignages assez mignons, de gens qui ont été élevés dans une autre euh, euh, culture gastronomique. Quoi. Hein ça mange de la viande, hein ça mange de la viande quasiment euh, tous les jours, quand on peut se le permettre, puisqu'à une époque, la viande s'était réservée un petit peu aux, aux riches et aux bourgeois. Donc, euh, une époque où on pouvait, dès qu'on pouvait manger de la viande, source de protéines, de force, de puissance, à longtemps, on a longtemps dit ça, hein, bien on mangeait de la viande. Et bien cette génération là est en train de se convertir, pour certains, euh, euh, aux légumes. voilà euh, Comment devenir végétarien plus de 50 ans le, le, le dossier est plutôt sympa. Voilà. Elle est pas mal, ma petite revue de presse. Qu'est-ce que vous en pensez de ce matin On va reprendre dans un instant avec la une de Westran sur le remaniement du gouvernement Attal. Pas de cochon à table en Bretagne, impossible. Bah, tu sais, moi je suis fils de poissonnier. Alors, euh, le cochon à table, euh, en Bretagne, il n'y avait pas des masses. Hein. Manger le poisson, nous. Euh, Lucas me dit, j'ai travaillé trois ans dans la recherche et développement chez West France. J'ai adoré cette expérience. Anton Duberville, j'ai 58 ans et j'ai supprimé les protéines carnées depuis 5 ans maintenant. Maintenant. Trop bien. Je n'imagine pas ma vie sans viande, me dit Advik. On en parlera tout à l'heure. Je vous rappelle que euh, le journal Ouest France est notre invité ce matin grâce à, à, à l'Alliance voilà, de euh, la Presse d'Information Générale, qui est l'association qui regroupe tous les, les quotidiens nationaux et régionaux euh, français. Voilà, euh, 300 titres. Voilà. On sera avec deux rédacteurs en chef de Ouest France à partir de 10h. Du coup, j'ai moins d'une heure. Merci Asgard, moi aussi je t'aime, pour vous faire ma petite revue de presse. Est-ce qu'on y go Est-ce qu'on y va de voyageurs. Oh là là, mais il y a plein de subs que je pas vu. Claire et Dodi, 30 mois, tu au maximum. Le mug avec le petit cœur, il est pour toi. Choshinix, euh, merci pour le Prime. Alouette Lulu, merci pour le 6 mois. Calindie a offert un abonnement à la bichette. Oscar Chancez, merci pour le Prime. jibden 44 Gogo12367. Guise, euh, Bob l'éponge, euh, encore merci. Merci à tous. On est parti Are you ready? C'est parti. Non, Valou, je ne parle pas des résultats de la Coupe de France de football. Non, pas que ça ne m'intéresse pas. Il y, a des, il y a des vrais trucs, mais là, je manque de. Une heure, ça va être trop court. Mais vous avez tout ça dans, dans les journaux, effectivement, notamment dans l'équipe, ce matin. Voilà. Allez, on y va, c'est parti, il faut tracer. Et si vous voulez attraper la promotion pour vous abonner gratuitement à West France. Euh, si vous avez entre 15 et 25 ans vous pouvez potentiellement 10 ans de lecture gratuite de Ouest France et eh bien vous tapez point l'exclamation promo dans le chat c'est quand même dinguerie quoi t'as 15 ans, tu peux lire Ouest France gratuitement pendant 10 ans quoi bon si t'as 24 ans c'est pendant un an si t'as plus de 25 ans bah trop tard baby trop tard ouais c'est cool hein si on a 25 je sais pas il faut que t'ailles voir il faut que t'ailles voir sur le, sur le lien qui vient de s'afficher là. Let's go. Allez, justement, on commence par West France. Euh, beaucoup d'articles matin sur le, le remaniement. Enfin terminé, ça a pris euh, beaucoup de temps du gouvernement Atal. La fin du faux départ, écrit Stéphane Vernet, qui sera avec nous tout à l'heure. Jamais gouvernement n'aura été aussi long à composer. Certes, l'équation était complexe. Il fallait rester fidèle à la promesse d'une équipe commando. Un attelage resserré, on nous avait promis une... Petite équipe, c'est pas tout à fait le cas, d'ailleurs, qui ne devait pas dépasser la barre symbolique des 30. Je crois qu'on est à 35 à parité en respectant les fragiles équilibres politiques de la majorité présidentielle, en intégrant des ministres Modem et Horizon et des gens qui aient de réelles attaches hors de la capitale. qu'on n'est pas que des ministres qui viennent de, de Paris. On peut comprendre que les bons réglages aient été longs à trouver, dit Stéphane Vernet. Les négociations ont été tendues, mais par contre, on ne peut pas comprendre, dit Stéphane Vernet, que ça a été aussi long en vrai. C'est pas terrible ce démarrage-là. Il était question d'avancer vite et fort, d'impulser un rythme nouveau, une dynamique à l'action gouvernementale. Elle s'est engluée dans l'attente. l'impère initial, on va en parler ce matin, et je vois que vous en parlez, d'Amélie oudéa Castera, hein, l'ancienne ministre des Sports avec qui on a, on a donné l'éducation et qui allait de bourde en bourde, de maladresse en maladresse. l'impère initial de la ministre, relancé à chaque nouvelle maladresse, a eu le temps de se muer en affaires d'État. Bon, du coup. Euh, elle, a, elle a perdu, oui, ancienne parce qu'elle n'expose. Elle a perdu du coup son poste de ministre de l'Éducation. Ouais. Elle est revenue au sport. Elle a été euh, rétrogradée à l'occasion de ce remaniement. Dernière pirouette avant de conclure, parce que ce n'est pas tout. Hein, le coup de sang euh, de François Bayrou, hein, qui est un partenaire de la majorité, qui a glacé l'échine de la majorité présidentielle. Le profond désaccord exprimé par le président du Modem. Déçu de quoi bah, De ne pas avoir obtenu. Euh, le ministère qu'il souhaitait, il avait mis des conditions pour entrer dans le gouvernement, il voulait être numéro 2 du gouvernement, il voulait être ministre de l'éducation, il voulait avoir les coups des franches au ministère de l'éducation et du côté du gouvernement, notamment du côté de Gabriel Attal on lui a dit non, ça va pas être possible on a d'autres projets pour toi, ça va pas tout à fait se passer comme ça, et il a dit ah ben en ce cas là, je vais pas rentrer au gouvernement et de toute façon vous faites que de la merde, vous êtes loin des français, il y a vraiment de France, etc bon, ouille ça s'est pas très, très bien passé. Euh, du coup, ça a provoqué une crise au sein de la majorité. Euh, bon, vous savez ce que j'en pense. Ça, c'est de la politique politicienne. Ce n'est pas ce qui me passionne le plus. Les codes de popularité du président comme du Premier ministre sont déjà en berne. Et le premier mois de Gabriel Attal s'achève dans la confusion, soit dans le glas d'un état de grâce qui n'aura pas fait long feu. Voilà, ces petites polémiques-là, ce <laughs> n'est pas très bon pour, pour l'exécutif. Que retiendront les Français C'est ça qui est important. De cette curieuse séquence dont parle Stéphane Vernel en Ouest-France, si ce n'est l'impression d'un faux départ et d'un tout-ça-pour-ça, quoi. Hein pour dire les choses autrement. Est-ce qu'il y, est qu y a un effet waouh Il y a Georges Abitbol qui, qui va franchement, qui dit gouvernement de Tocard. Georges, 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 Georges. Doucement. <laughs> pour le dire autrement. <laughs> Est-ce qu'il y a un effet waouh Est-ce qu'on se dit, en voyant ce, ce gouvernement, on a un Premier ministre qui est jeune, hein, c'est le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la cinquième. Est-ce qu'on est qu dit, waouh Là, ça va envoyer du bois, on va voir ce qu'on va voir. Pas tellement, en fait. Il voilà, n'y a pas d'effet waouh Et les petites polémiques dont on vient de parler, là, <coughs> pas terrible quoi. On va voir. Moi, moi mon sentiment de citoyen, plus que de journaliste, c'est euh, on, on s'en fout des hommes et des femmes. Ce qui est important, c'est ce qu'ils font en matière de politique. Quelles idées, quels programmes, quelles réalisations, quels projets, quelles transformations de notre société. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Euh, pff, qui fait quoi un euh, hein donc ça je m'en fous un peu mais je vous en parle parce que c'est la une des journaux voilà bon c'est toujours bien de savoir qui nous gouverne vale quand même euh, bah, Libération consacre également sa une à ce gouvernement euh, non j'ai pas passé de, de membre de West France VIP parce que j'ai pas eu les infos au Julo je crois que les amis de West France nous ont pas donné de journaliste à mettre VIP donc s'il y a des journalistes de West France là dans le chat euh, n'hésitez pas à me faire un coucou parce que je n'ai pas vos pseudos et j'ai pas pu vous passer VIP pour euh, que vous puissiez éventuellement mettre des liens, des articles dans le chat. La Macronie en héros libre. Je ne comprends pas ton message, Edmal. Ma fille est née en janvier 2009 et a donc 15 ans. Elle ne peut pas profiter de l'offre West France, c'est 2008 et plus. Bah, 2009, c'est plus que 2008. C'est à partir de 15 ans, jusqu'à 25 ans, Edmal, je comprends pas ton message. Si elle est dans... Ah, est ap... ah tu veux dire qu'elle est en janvier 2009, donc elle a quelques mois à attendre. Oh, hey, oh Edmal. Oh, enfin, ça, 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 ça va venir. Elle est un peu trop jeune. Ça arrive, ça arrive. Alors si tous les moins de 15 ans et les plus de 25 ans vont râler ce matin, euh, là, ça va... Hein bon, Libé, c'est les princes du titre. Ce n'est pas la Macronie en roue libre, c'est la Macronie en bail roue libre. Hein, c'est la crise dont je viens de vous parler. Pas d'idées, pas d'alliés. Libération assez sévère avec ce gouvernement. 20 nominations euh, jeudi qui montrent combien le pouvoir est à bout de souffle. Un remaniement plombé par les atermoiements. Euh, estime Libération dans la douleur, hein, comme West France. L'IB estime que 30 jours après la nomination de Gabriel Attal, le gouvernement est enfin au complet. La modeste surprise du casting a été éventée dès mercredi. Oui, la, la seule grosse surprise là, de ces dernières nominations, c'est l'arrivée de Nicole Belloubet au poste de ministère de l'Éducation. Pour, pour remplacer la dame qui a été remerciée, là, qui a été rétrogradée. Nicole Belloubet, qui n'est pas une inconnue puisqu'elle a été garde des Sceaux ministre de la Justice euh, de 2017 à 2020 et qui devient la quatrième ministre de l'Éducation du second mandat euh, d'Emmanuel Macron. Le président s'est finalement donc résolu à abréger les souffrances d'Amélie Oudéa-Castera, engluée dans une polémique monstre sur ses fils, placés dans de très sélect établissement euh, privé Stanislas et son mensonge sur les paquets d'heures pas remplacés dans le public. Rétrogradée, Amélie Oudéa-Castera quitte la rue de Grenelle, mais conserve le portefeuille, le, porte, le portefeuille des sports et des Jeux Olympiques Voilà, en cette année de JO. Le Figaro n'a absolument pas la même ligne éditoriale que Libération, mais est totalement d'accord. Salut Nathan. Remaniement laborieux sur fond de crise dans la majorité. Le Parisien d'accord aussi. Bon bah vous voyez, je, moi je cherche des, des journaux différents pour des avis différents, mais parfois les journaux sont d'accord. Pas tous les jours, mais ça arrive. Et là tout le monde est d'accord pour dire que bon, c'est pas, y a pas d'effet waouh quoi. Voilà. Il sera en fait des réactions. Oh, oh J'ai envie de vous lire, mais ce matin, on est en mode sprint. Hmm. Que dit le Parisien à ce propos Dans la douleur, c'est toujours la même idée, hein le gouvernement enfin au complet. Emmanuel Macron est coutumier des remaniements dans la douleur. Le cas présent, le chef de l'État a battu des records. Quatre semaines pour achever la composition du gouvernement. c'est pas, pas terrible, quatre semaines. Quatre semaines. Il, y a des, il y a des ministères très importants comme le logement. Il n'y avait pas de ministre, les dossiers s'accumulaient sur le bureau. Les administrations disaient Bah ouais, mais on ne peut pas décider, il n'y a, a pas de ministre. Quatre semaines, c'est long. Hein. Euh, le Macron écoute donc pop, pop 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 avec un psychodrame au sommet dans les dernières 24 heures et d'ultime traite retardant Retardons l'envoi du communiqué sans cure d'amaigrissement spectaculaire, puisqu'on a 35 personnes dans ce gouvernement. La promesse était de passer sous les 30, c'est raté. Une ministre préfère en rire, en rire jaune. L'effet waouh, c'est enfin d'avoir une liste. Ah, je suis content tu retrouves un petit effet waouh, il n'y a pas d'effet waouh. Il voilà, y a une ministre qui rigole, qui dit bah, le seul effet waouh, c'est qu'on a réussi à, à avoir une liste. Quoi. Ouais. Euh, tout ça pour ça, écrit le Parisien, avec beaucoup de dégâts et des rancœurs à l'arrivée, on sortait d'une bonne séquence avec la déclaration de politique générale de, de Gabriel Attal, c'est vrai, qui, était, bon, qui avait été jugé plutôt euh, positivement, on va dire, euh, par certains, euh, et la fin de la crise agricole, puisque euh, la colère des agriculteurs a été apaisée et puis on se prend une semaine d'inaction et dernière le RN qui engrange on a euh, dit à un responsable de la majorité collectivement renvoyé une mauvaise image en donnant le sentiment qu'on avait perdu le fil un autre conseiller de l'exécutif dit se dit fatigué par la séquence et renvoie la balle sur le chef de l'État estimant que le président Macron n'a pas très bien géré ce remaniement voilà euh, ce conseiller de l'exécutif qui dit euh, en termes de RH, une situation pareille n'arriverait jamais. Et là je rigole. Alors, que le président Macron, si je ne pas très, très bien pris pour ce remaniement, je peux l'entendre. Qu'en matière de RH, dans les entreprises, c'est ce que je comprends dans la phrase, ce genre de situation euh, ne se présente jamais. C'est-à-dire qu'en matière de RH, euh, ça, ça gère bien les gens, euh, les contrats, euh, les... Euh, les, que, que ce soit fait efficacement, rapidement, euh, dans l'intérêt de tout le monde. <coughs> vous aussi, vous toussez C'est quoi cette phrase On est d'accord Je relis la phrase. En termes de RH, une situation pareille n'arriverait pareil, jamais. Tu n'as jamais, jamais bossé en entreprise, toi. On est bien d'accord. Je lis quelques commentaires dans le chat. On ne doit pas avoir les mêmes RH. J'ai 726 histoires à vous raconter. Euh, voilà. Euh, C'est toujours le bordel niveau RH. Il n'a pas vu certaines boîtes. Euh, bon, on est d'accord. Hein. Je me suis fait pipi dessus, même, me dit quelqu'un. Mm. Ma femme est, est RH, elle tousse également, dit euh, MRO. Mm. Je tousse très fort, me dit Mister Svenja. Voilà, bon, on tousse. Hein. Pardon pour les RH qui nous regardent. Bon, moi j'ai 30, euh, 30 ans de vie en entreprise, dans plein d'entreprises différentes. <laughs> En termes de RH, une situation pareille, pareille n'arriverait jamais. Allez, on va passer, sinon on va dire des. On va dire des dingueries. Hein. Merci Antoine pour le soutien, en tout cas. Stéphanie RH, elle dit pas moi, je fais bien mon taf. Attends. Je dis pas que tous les RH font mal leur taf. Pas tous. Allez, on enchaîne. Euh, Cyrielou, merci pour le prime. Sérotonine, merci pour le deuxième mois. Euh, Antoine, encore. Merci. Euh, voilà pour la partie euh, remaniement. Euh, ah West France. Ok, attends, West France West France Attends, 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 attends. Ok, alors, West France. Ah, je te mets, j'ai VIP là. Je vais mettre VIP West France. On a les amis de West France qui sont là. Je les mets en VIP. Ça veut dire que vous pouvez coller des, des, des articles, des liens. Alors, attends, comment on fait déjà VIP slash. Hop. Alors. Normalement, est-ce que ça a marché Ouais, West France, vous êtes VIP et j'ai Alex, le serveur, il me rend ce pseudo. Qui est aussi de West France que je mets en VIP. Ça veut dire que vous pouvez coller des liens. Des articles. N'en abusez pas, hein. Si vous avez une, un truc à vendre, euh, une, une machine à café ou une voiture, euh, c'est pas ici. Hein. Attention. Attention, hein. Ici c'est une chaîne sérieuse. Alex serveur, Alex le serveur, bim, VIP. Voilà. Et, et on vous dit bonjour dans le chat, vous avez vu Voilà. OK, c'est fait. Merci les modos hein, pour, pour l'info que je n'avais pas vue. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je suis René, donc je suis de l'ouest de la France et que je peux être VIP me dit euh, Check for Value. Non, c'est que pour les journalistes. Ici, c'est euh, voilà, la dictature. ici. Euh, je passe assez vite sur le remaniement parce qu'on va y revenir avec Stéphane Vernet rédacteur en chef délégué de West France qui nous rejoint tout à l'heure euh, et, euh, et qui est un spécialiste de politique il y a est qui dit désolé de te demander ça mais ma femme est silver sur Valo, elle est trop forte pour moi elle peut jouer avec toi, elle trouve personne avec qui jouer que les gens qui l'insultent ou la dénigrent sur son level et moi je peux pas jouer avec elle, je suis immortal euh, MDR ce serait cool alors silver c'est beaucoup plus fort que moi et euh, c'est dommage, moi je raconte que les gens cool euh, sur, sur, sur Valorant, en fait, que les gens hyper chill et tout, mais je ne sais pas, j'ai peut-être de la chance. Voilà. Euh, Parlons-en en DM Nipoco. Alors, le remaniement, on en reparle tout à l'heure. Maintenant, ça, je voudrais prendre le temps là-dessus, parce que ces deux dossiers sont vraiment euh, hyper intéressants, euh, sur les violences sexuelles dans le monde du cinéma. Là, je prends le temps. Deux gros dossiers, dans le Parisien, dans le monde. Judith Godrèche, l'actrice, a porté plainte pour viol sur mineur contre Benoît Jacquot et Jacques Doyon, hein, deux, euh, deux réalisateurs. À sa suite, ça n'est pas tout, d'autres comédiennes euh, ont accusé les deux réalisateurs d'avoir abusé d'elles, adolescentes ou jeunes adultes. Merci, mesdames, de libérer votre parole, dit Diesel, dans le chat. Les actrices brisent l'Omerta. Merci le Duc du Gatz pour ton petit commentaire sur West France, c'est cool. La fin du cinéma muet, la fin d'une époque où, notamment les actrices, eh n'osaient euh, parler. Jeudi de et d'autres femmes accusent le cinéaste Benoît Jacot d'abus. Le réalisateur Jacques Douallon se trouve lui aussi visé par la comédienne, aujourd'hui âgée de 51 ans. Une nouvelle déflagration dans le monde du cinéma, parce que ce n'est pas la première affaire, bien sûr. Après le scandale de Pardieu, l'affaire Jacot, deux mois après la polémique suscitée par les propos obscènes de Gérard Depardure portée dans complément d'enquête, le cinéma français est à nouveau dans la tourmente. Cette fois-ci, c'est Benoît Jacot, il a 77 ans aujourd'hui, visé par plusieurs accusations et par une plainte de l'actrice Julie Godrèche pour viol avec violence sur mineurs. La comédienne aujourd'hui âgée de 51 ans a révélé avoir entamé une relation avec le cinéaste lorsqu'elle avait 14 ans, et lui 40, et être resté en couple avec lui pendant six ans. J'étais endoctrinée. Dit-elle aujourd'hui, dans le monde, elle accuse Jaco de lui avoir infligé des gifles, des coups de poing, des coups de ceinture et des sévices sexuels. Au sein de cette enquête, d'autres comédiennes témoignent également contre le réalisateur. Ju Julia Roy, par exemple, euh, compagne de Benoît Jacquot entre 2013 et 2019, a subi elle aussi des violences verbales, elle aussi des violences physiques. Isilde Lebesco, qui a rencontré Jaco en 1999 quand elle avait 16 ans et lui 52, dénonce des violences psychologiques ou physiques. Quant à Vaina euh, Jocante, Jocante, je ne sais pas si je prononce très très bien, je vois très très bien qui c'est, mais je ne suis pas sûr de la prononciation, qui est, une, qui, est une, qui est une actrice de talent aussi, elle raconte comment le cinéaste l'a harcelée sexuellement euh, et lui a promis un rôle si elle couchait avec lui, ce qu'elle a refusé, Benoît Jacot, lui, nie toute violence et évoque des relations consenties. Sur France Inter, Judith Godrèche a par ailleurs accusé un autre réalisateur, Jacques Douallon, d'abus sexuels quand elle avait 15 ans, d'effets qui seraient produits dans le bureau du cinéaste, puis sur un tournage où Douallon aurait viré un acteur et décidé de jouer une scène de sexe avec elle au cours de 45 prises. Il a fallu 45 prises pour faire cette scène de sexe. Euh, L'actrice a également porté plainte contre Douallon, qui a 79 ans aujourd'hui. Toutes ces accusations de femmes, d'actrices, euh, interviennent moins d'un an après l'enquête de Mediapart, dans laquelle 13 femmes assuraient avoir été harcelées ou abusées sexuellement par Gérard Depardieu. Cinq mois après un autre article de, de Mediapart, dans lequel cinq actrices affirment qu'elles ont été victimes de gestes déplacés et tentatives de baiser non consentis de la part de Philippe Garel, hein, cinéaste de 75 ans, qui conteste lui aussi les faits, qui aurait proposé à certaines d'entre elles un rôle. en échange de faveurs sexuelles. Je vais au bout de l'article parce qu'il y a plein d'infos importantes. Ces déclarations résonnent également avec le témoignage d'Adèle Enel, qui avait déclaré fin 2019 avoir été victime d'attouchement et de harcèlement sexuel de la part du réalisateur Christophe Rougia alors qu'elle avait entre 12 et 15 ans. Y a-t-il eu, là on en vient aux questions. Il y a Vince qui dit espérons que ça change et que justice passe Y a-t-il eu, voire y a-t-il encore, dans le cinéma français une tolérance pour les réalisateurs qui considèrent avoir un droit de cuissage, voire d'abus, sur leurs actrices, y compris mineures. Ces comportements de prédation correspondent-ils majoritairement à une époque qui est révolue Une période où, sur le plateau télé de Bernard Pivot, je ne sais pas si vous connaissez cette scène de la télé française qui est très très forte, l'écrivaine québécoise Denise Bombardier était la seule à se déclarer scandalisée par les récits des aventures de Gabriel Matzneff avec des adolescentes. C'était en 1990 et personne sur le plateau euh, n'y trouvait à redire, à part cette femme. Dans les années qui ont suivi Mai 68, certains dans les milieux intellectuels et artistiques ont considéré la subversion comme un progrès, alors qu'elle n'a fait qu'écraser des individus sur son passage, remarque Clémentine Charlemagne. Mais malgré l'évolution des mentalités, malgré la vague du hashtag MeToo, le cinéma français ne s'est visiblement pas débarrassé de ses comportements abusifs. Certaines des accusations visant deux par Dieu, Gaël et Jaco, concernent des faits. Récent. Voilà. Je, je lis un extrait de la page 3 du Parisien sur le sujet parce que je trouve que ce dossier est important. Voilà, MMG vient de vous coller la vidéo dont je vous parle, où sur le plateau d'Apostrophe, il euh, y avait quasiment personne qui réagissait euh, à, ce, à ce que j'évoquais à l'instant. Pour la déléguée générale de 50 50, l'association que je viens de citer, Clémentine Charlemagne, il existe une, une cause structurelle au comportement abusif dans le cinéma français. La vulnérabilité dans laquelle se trouvent les comédiens et les comédiennes à travers leur désir d'être mis en lumière par des cinéastes qui sont, eux, dans une position de domination. Les comédiennes Clémentine Poidatz et Sarah Verhagen, qui sont membres de l'association d'acteurs et d'actrices féministes et antiracistes, mettent en avant un caractère pyramidal du cinéma français, voilà, où les pouvoirs sont très concentrés. Et que ceux ou celles qui ont le pouvoir sont souvent considérés comme intouchables. Et le fait que, contrairement au cinéma américain ou anglais, l'encadrement des scènes de sexe ou de nudité est inexistant dans les contrats des interprètes. Ces deux actrices affirment avoir subi des agressions sexuelles sur les tournages ou en marge des tournages. La première fois que ça m'est arrivé, dit l'une des deux actrices, mon agente m'a dit ça fait partie de ton métier, tu vas t'endurcir. On a appris à se taire, à ne pas faire de vagues, parce qu'on était remplaçable en un claquement de doigts, euh, complète l'autre actrice. Pour ces actrices, euh, est-ce que ça change Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer Oui Nouvelle génération, nouveau comportement. Euh, il y a des raisons d'espérer. D'abord, parce que même si cela restera sur les plateaux français désormais, des coordinateurs d'intimité euh, cadrent parfois les scènes de sexe et s'assure du consentement de chacun. Ensuite, parce que depuis octobre 2020, le Centre national du cinéma propose des formations contre les violences sexuelles et sexistes, et que sur chaque tournage, on compte désormais un référent harcèlement sexuel. Et comme le réclamait le collectif 50-50, ces formations seront bientôt obligatoires. Pour tous les membres de l'équipe d'un film, sinon, pas de subvention. Ce qui est rassurant, disent aussi ces actrices, c'est que les nouvelles générations de cinéastes ont une perception différente des rapports humains. Les témoignages tellement courageux de Judith Godrech, d'Adèle Henel ou encore de celle qui accuse Gérard Depardieu encouragent à parler, conclut Sarah Verhagen, c'est en étant solidaires que les femmes peuvent faire reculer la violence systémique. Je fais une pause pour vous lire et je vous montre que le monde consacre également sa une à ce sujet. Alors je vais lire le message de Nipouko, pas pour provoquer une polémique, mais parce que ça mérite d'être évoqué. Nipouko dit « Je ne veux, veux pas avoir l'œil malveillant, mais je suis d'accord sur le fait qu'il y a des plaintes et d'accusations sur des acteurs ou autres. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens aussi accusés à tort juste pour le buzz et même pour couler la carrière de certaines personnes. Je pose ça. » là. Il ne faut pas ignorer ce message. La présomption d'innocence, ça existe dans le droit et c'est essentiel. Une accusation ne vaut pas condamnation. C'est important. Mais, et j'ajoute ce « mais » très important. Quand vous avez plusieurs actrices euh, qui à des moments différents euh, accusent la même personne des mêmes comportements à moins de partir sur la piste du complot euh, disons que l'accusation prend une certaine force quoi voilà. et que j'entends le fait qu'il faut respecter la présomption d'innocence je crois qu'il faut aussitôt dire en espèce de en même temps que tout temps respectant ce principe absolu du droit qui est la présomption d'innocence, il faut savoir aussi entendre et donner de l'écho à la parole des victimes ou de, de, de celles qui disent avoir été victimes. Vous voyez ce que je veux dire Il faut faire les deux. Pas que l'un, pas que l'autre, les deux. Merci Didine de Queen, c'est toi la Queen. Merci pour le dixième mois. Merci Melissa pour l'abonnement que tu offres à ah, Earthquakes. Merci Père Castorama. Merci Arnaud. Merci Antoine. Merci Cyrielle. Je, hein, je vous lis, je suis en train de vous lire. Non, Judith a beaucoup de courage, dit Mirette. J'ai cependant écouté une interview avec Catherine Sellac, où Judith Goddard a plus de 35 ans, et elle fait l'éloge de ce réalisateur. Pourquoi euh, Je ne vous lis pas tous les papiers, mais elle en parle de ça. Elle dit, pourquoi Parce que c'est une question que certains se posent. Et c'est une question, d'ailleurs, c'est un aspect qui fait que certains remettent en question la parole de ces femmes. Pourquoi Pourquoi parler après tout ce temps Hein Ça, c'est un argument qui est repris par euh, ceux et, et celles qui estiment que euh, cette parole ne doit pas être euh, forcément euh, entendue. Tout simplement parce que, et euh, ces actrices d'ailleurs en parlent, aujourd'hui le disent, parfois c'est parce que c'est très compliqué. Parce que c'est très compliqué sur le coup, parce qu'en gros elles ont, elles ont peur, elles sont, elles sont dominées, elles ont, elles ont peur tout simplement de, de perdre le rôle, hein, qui est l'essence le, 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 de leur vie. Hein, c'est un. Le rêve de leur vie, c'est d'être actrice et on, et on les menace de, 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 de tout simplement d'être viré de ce plateau et des autres plateaux, le réalisateur parfois disant ⁇ si tu es grillé avec moi, tu es grillé avec le cinéma français ⁇ Donc il y a ce genre, de, ce genre de menace. Et puis il y a aussi le fait de, de, que, que toutes les femmes connaissent dans, dans des pareilles circonstances qu'en en fait il est, il est difficile de parler parce que euh, parfois on a honte. Euh, et parfois aussi, on, 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 on pense, voire on sait qu'on ne va pas être entendu. Il suffit de voir comment la parole des femmes vilis, euh, mi, euh, victimes de violences euh, sexistes, sexuelles, euh, d'agressions ou de viols, comment cette parole a longtemps été très mal recueillie par la justice, par la police, par la gendarmerie, et encore aujourd'hui dans des conditions qui ne sont pas idéales. Euh, il suffit d'entendre de, de, les femmes à ce propos pour savoir que eh bien, parfois les femmes se taisent euh, pour toutes ces raisons. Quoi. Parfois j'ai envie de dire souvent même. Là, comme le dit Vince, parler, c'est de nouveau être victime aussi. Oui, il ne faut pas l'ignorer. Je pense que c'est dans des proportions qui sont moindres, mais certains... Euh dans le chat, disent... Euh, euh, et pour les hommes, Dakasun, Sadine Live, il y a aussi ce genre de pression sur les jeunes hommes. Oui, oui, il y a des témoignages euh, en ce sens. Et pour le coup, ils sont beaucoup moins nombreux. Voilà, c'est pour ça que là, ils ne sont pas évoqués dans, euh, dans ce que je lis ce matin. Mais ça existe, mais on ne on, on va, on va, on va pas nier que c'est beaucoup moins important. Okay les cas sont beaucoup moins nombreux. Quoi. Hmm. Témoignage de Lestiana dans le chat. À une époque, quand tu accusais un mec d'acte à ton encontre, c'était toi la fautive. Un jour, je me suis fait agresser sexuellement. Je suis allé au commissariat, à limite, j'étais une traînée et une garce de venir déposer une main courante. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Ils n'en sont pas moins graves. Bien sûr. Bien sûr. Trappiste me dit, moi, il y a beaucoup de garçons là. J'ai eu personnellement des remarques déplacées de femmes qui auraient pu être ma mère à l'entreprise. Oui, ça existe. Alors après, euh, tiens, prenons mon témoignage personnel. 30 ans dans les médias, 30 ans dans les, tél dans les télés, les radios, les rédactions. Euh, je, je, je pense qu'en 30 ans, j'ai dû croiser pas mal de femmes et de jeunes femmes qui ont dû subir de, 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 dans mon milieu ce genre de pression, de. De, de, de drague lourde, voire de, de violence euh, psychologique, euh, sexiste ou sexuelle. Je pense que j'ai dû, dû en croiser euh, sans doute pas mal. Bah, pas des gens qui m'en ont parlé parce que je pense que c'est très compliqué, mais je, je, voilà, le comportement des, de certains hommes parfois euh, dans, euh, dans mon milieu comme dans d'autres milieux, je pense que j'ai dû côtoyer sans le savoir euh, pas mal de victimes, même si euh, personne ne s'en est jamais ouvert auprès de moi. Enfin euh, quoi j'ai eu Ouais, je pense quand même à une, une ou deux affaires qui pour le coup euh, 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 ont été rendues publiques. Donc quoi, pour le coup, les comportements problématiques venaient d'hommes. Une fois, j'ai eu euh, une, une femme, une, une responsable hiérarchique qui m'a fait la drague un petit peu lourde, on va dire, euh, voilà. Euh, sans, aller, sans que ça aille beaucoup plus loin. quoi. Donc statistiquement, je pense que voilà, c est, c est, ça existe, mais c'est quand même pas très. On va dire, statistiquement, c'est moins, moins important, quoi. Euh, le Monde consacre également sa une à ce sujet. Benoît Jacot, la prédation sous le couvert du, du cinéma. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le Monde est, est allé lire ce que Benoît Jacot dit à ce propos. Ouais. Le réalisateur de 77 ans, euh, aujourd'hui, et auteur d'une trentaine de films, a toujours revendiqué une conviction artistique. Il faut être amoureux de ses actrices, ça a toujours été dit. Pour prouver le désir de les mettre en scène. Donc, lui, il revendique une fusion totale entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Bon, euh, c'est son parti pris. Alors, ça pose question, en fait. Mais il l'a toujours dit, en fait, publiquement. Euh, avec pour conséquence, dans sa vie personnelle, que les films et les femmes se mêlent. Euh, ce dont il ne s'est jamais caché. Bon, on peut lui reconnaître ça. À l'écouter, il s'agirait même d'un contrat qu'il passe avec ses comédiennes. En 2006, dans Les Araucoptibles, il évoque sa collaboration avec Judith Godrech. Euh, en ces termes, je dirais que le film est fait sur mon désir, de son désir. Je lui donne le film avec tout de même un pacte à la clé. Si je lui donne le film, elle, en retour, se donne complètement. Il l'a dit. Il l'assume. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Si je lui donne le film, elle en retour se donne complètement ce qui est à entendre dans tous les sens qu'on voudra. Bon, comme le dit Linu euh, Eolia, ben, ça le mérite d'être clair. Quoi. Le marché est explicitement formulé. Le réalisateur de films d'auteurs célébré offre un beau rôle à une comédienne, souvent en devenir, souvent jeune, et attend en échange qu'elle s'offre à lui. Voilà. Il, il, le, il ne le nie pas. Il l'a dit, dit plein de fois publiquement. Voilà. Donc, euh, voilà. Je je pense qu'aujourd'hui, ça n'existe. <coughs> autre temps, autre mœur. Heureusement, je pense que ce genre de déclaration ne serait plus possible. Mais c'est quelque chose qu'il a... Voilà. En 2006, interview dans les Eurocoptibles. Voilà pour ce sujet, donc je voulais prendre un petit peu de temps là-dessus. N'hésitez pas si vous voulez en savoir plus, je ne vous lis que des passages de ces dossiers. Je ne lis pas ces articles intégralement. Dossier dans le Parisien, c'est même la une du Parisien ce matin, et dossier dans le Monde, c'est même la une... Du monde, c'est à lire euh, dans ces journaux. Ouais. Euh, on va parler de la Russie maintenant. On joue un peu vite ce matin parce que je veux euh, en gros avoir terminé l'essentiel avant 10 heures, avant nos premiers invités de West France. Moi, je vois beaucoup de réactions voilà. euh, à ce sujet. J'aimerais vous lire, mais on manque de temps et je m'en excuse. SDF le dit, c'est fou que personne n'ait réagi. Ouais. Ouais. Mais oui, aujourd'hui je pense que ça ne serait plus possible, ça cette interview. Notre, notre sensibilité collective, sociale, euh, a changé en fait. Et donc, force est de constater que cette interview en 2006 n'a pas fait réagir. C'était accessible, tout le monde pouvait lire ses propos. Aujourd'hui ce ne serait plus possible. Donc nous avons changé aussi. Et c'est bien. Et c'est mieux. Zordiac, merci pour l'abonnement offert à la commune. Euh, voyez, parfois, on se dit Ah là là, c'était mieux avant. Euh, <laughs> sur certains trucs, Ah là là, c'était tellement mieux avant. Sur certains trucs, euh, non. Hein. Voilà. On va en Russie. Ah bon, à la Russie, euh, c'est en termes de démocratie que ce n'est pas super folichon. Poutine fait disqualifier son seul vrai rival. Y a-t-il une once de suspense avant la prochaine présidentielle, non. Je vous annonce le prochain gagnant de la présidentielle en Russie. Il s'appelle Vladimir Poutine. Boom, 80% au premier tour. C'est plié. C'est reparti. Let's go. Boris Nadejdin, unique candidat à s'être prononcé contre la guerre en Ukraine, a été exclu de la course à la présidentielle. C'est finito. Ce n'est pas véritablement une surprise. Écrit ah, le message de mon amoureuse. Je suis les petits. La santé des loulous. Pardon, c'est une petite parenthèse, mais c'est plus important que tout. Mon petit dernier euh, qui a 4 ans, là, enfin qui va avoir 4 ans dans quelques jours, a fait une mauvaise chute euh, il y a une semaine et il s'est bien ouvert là, mais bien, bien, bien ouvert. Donc il s'est fait euh, 7 gros points de suture à l'extérieur, plus à l'intérieur. Et donc là, il fallait enlever les fils hier, ce qui a été très compliqué. Petit chouchou, très douloureux. Voilà. Au-dessus de l'arcade là, voilà, c'était point de suture à l'intérieur et point de suture à l'extérieur. Voilà. Et donc, euh, les fils, c'est très compliqué hier. Et ce matin, il retournait à l'hôpital pour euh, enlever les fils, puisque le son médecin généraliste n'a pas réussi hier. Quoi. Voilà. Et donc, bonne nouvelle, euh, il n'a rien senti. Euh, L'infirmière m'a dit que la cicatrice était belle, parce que la question était de savoir s'il si, euh, allait garder une marque. Quoi. Trois mois de cicaplaste, trois fois par jour, deux ans de crème solaire, et c'est nickel. Quoi. Donc, je voulais partager ça avec vous parce qu'on était un petit peu inquiets. Parce que la cicatrice nous faisait un peu flipper. Et puis, on, et puis il avait mal, Chouchou. Et, et elle était toute tourneboulée, parce que c'est elle qui l'en est chez le médecin hier en fin de journée. Et ça, ça a été une séquence un peu compliquée. Pouf, Chouchou. Voilà. Yes. Ah. Euh, mais, contrairement à ce que certains disent dans le chat, la chute n'est pas arrivée parce qu'il a essayé de se présenter à la présidentielle russe. Hein, il est trop jeune et puis il n'est pas russe. Donc, ça n'est pas une véritable surprise, dit euh, Alain Barluet, qui est le correspondant à Moscou du Figaro. Boris euh, Nadezhdin, qui est un ancien député euh, libéral de 60 ans, qui s'était clairement positionné contre la guerre en Ukraine, pas de très bonne idée, à mon avis, parce qu'actuellement en Russie, ça. Euh, et contre la politique de Vladimir Poutine, qui est encore une moins bonne idée, n'a pas été autorisé, comme c'est étrange, à se présenter à la prochaine présidentielle. Oh, bah alors, c'est ballot. Ah, bah, c'est ballot. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé La commission électorale. Ah bah c'est bon, mes invités qui arrivent, j'arrive, j'arrive. J'installe je, je mes invités, je vous mets une mini, euh, mini pause, un peu de musique. J'installe mes invités, je viens vous chercher et je, je vous retrouve dans un instant, ok Je vous remets la petite musique que j'aime bien du moment. Tout de suite. On y retourne. Ok, les amis, on est sur Twitch. Ça, évidemment, ce ne serait pas possible en télévision. Quand les invités arrivent, eh bien on met euh, le stream en pause quelques secondes et on va le rouvrir. Ils sont installés. Ils ont, euh, ils ont à boire. Euh, pas à manger parce que je suis un, un gros rat et je n'aurais rien mis à manger d'ailleurs. C'est affreux. Mais il y a de l'eau. Il y, y a du coca, il y a du café, tout ce qu'il faut pour se réveiller. Euh, non, il n'y a pas de pastis. Euh, je, je finis ma revue de presse un petit peu quand même pour vous donner les l'essentiel de l'actualité. Et on retrouve nos invités euh, Cyril Petit, Stéphane Vernet, deux journalistes, deux rédacteurs en chef délégués de Ouest euh, France. Et on a, euh, on a un jeune homme aussi, je crois qu'il y, y a Armand qui est en, qui est en stage aussi. Euh, Armand, tu en stage de troisième Armand qui est en stage de troisième aussi, qui nous a rejoint. Je les ai installés dans le studio à côté, vous savez là où on trouve les, les émissions, notamment ça me plaît je vous retrouve d'ailleurs dimanche 20h ça me plaît, nouveau jeu vidéo, Balturs Gate 3 avec l'excellent Alpha Cast, ça va être un super euh, rendez-vous dimanche soir ça me plaît, il va être pas mal celui-ci pas mal comme stage Kawell c'est vrai qu'un petit stage de 3 à West France, c'est plutôt cool alors, on retourne à la Russie parce que cette histoire est quand même assez dingue je finis les gros titres avant de, de recevoir nos invités, donc vous aviez ce candidat là qui voulait se présenter Contre Poutine à la prochaine présidentielle. Il se prononçait contre la guerre en Ukraine. Il se prononce globalement contre la politique de Vladimir Poutine. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est la commission électorale centrale qui a estimé que, euh, OK, il avait récolté euh, les 100 000 signatures nécessaires pour se présenter, mais qu'il euh, y avait des signatures qui étaient, pas, qui étaient erronées, qui n'étaient pas bonnes. Euh, et puis, euh, il y avait la signature de, de 11 personnes décédées aussi. Voilà. Donc, euh, ça n'allait pas. Donc, cette candidature n'a pas pu être. Validé. Réaction du candidat. Des dizaines de millions de personnes allaient voter pour moi. Je suis en deuxième position derrière Poutine et vous me parlez de 11 morts dans les signatures et de passeports erronés. Euh, politicien peu connu, hormis des téléspectateurs de talk shows, son appel à la signature avait suscité un engouement inattendu. Les queues que de centaines de mètres se formant dans de nombreuses villes de Russie pour lui apporter un soutien. Il un truc qui s'était quand même passé euh, autour de lui. quoi dans ses interviews, il promet d'arrêter le cauchemar de l'offensive en Ukraine, de mettre fin à la militarisation de la Russie et de libérer tous les prisonniers politiques, comme l'opposant Alexei Navalny. Il n'hésite pas à s'en prendre directement à Vladimir Poutine, qui ne semble pas être l'idée du siècle actuellement en Russie, qu'il considère comme un homme du passé. Vous imaginez comment ça a plu au Kremlin. Justement, le, le plan du Kremlin pour la prochaine présidentielle, en gros, on le connaît, euh, propulser Poutine au score électoral record de 80%. La voie qui n'a jamais comporté d'obstacle est maintenant dégagée pour le président russe, avec ce candidat qui est écarté. Euh, Poutine au pouvoir depuis 2000, depuis l'an 2000, et qui briguera un cinquième mandat, donc, hein, je crois que c'est en mars, la présidentielle en Russie, qui pourrait l'emmener au moins jusqu'en 2030. Donc, euh, s'il est élu... Fin, non. Quand il sera élu, sauf décès, il repart jusqu'en 2030, ce qui nous fera 30 ans au pouvoir de la Russie. Voilà. Et il, y a trois, il y a trois candidats hein, déclarés à la présidentielle. Mais c'est trois candidats euh, du système et qui vont faire un petit peu de la, de la figuration. Voilà. Alors, euh, ça, les, ce sont les faits dans le Figaro. Et, et La Croix nous propose un éditorial, donc un article où le journaliste donne un peu son, son avis euh, là-dessus. C'est assez intéressant et il dénonce une farce électorale et ce. Et se penche un peu sur le système politique russe. Euh, C'est Jean-Christophe Ploquin qui écrit en Russie, l'élection présidentielle de mars-avril tourne à la farce. Alors que de nombreux opposants, dont Alexei Navalny, sont en prison, donc il ça déjà. La commission électorale a donc rejeté hier la candidature du seul homme politique susceptible de brouiller les plans concoctés au Kremlin. L'éviction de Boris Nadezhdin éclaire d'une lumière crue la nature du régime russe. Ne parlons surtout pas de démocratie, les intellectuels pro-Kremlin expliquent qu'un tel système est l'apanage d'un Occident qu'ils jugent décadent. Je relis cette phrase parce qu'elle est importante. Ne, ne parlons surtout pas de démocratie, les intellectuels pro-Kremlin expliquent qu'un tel système est l'apanage d'un Occident qu'ils jugent décadent. La Russie appartient selon eux à une autre civilisation qui s'accommode du despotisme. Donc, le, la démocratie ça ira bien dans certains pays mais pas partout quoi. Euh, les élections sont alors un exercice de style, un habillage validant symboliquement une nouvelle période de pouvoir sans partage. Vladimir Poutine est au sommet depuis un quart de siècle. Il s'apprête à rester six ans de plus au moins. Que faire d'un tel voisin Et là, ça pose la question de, euh, est-ce qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe en Russie bah, Après tout, vous pouvez vous dire, c'est pas chez nous, je n'ai pas, pas lu tout le chat, mais peut-être que certains dans le chat disent, pff, après tout, c'est en Russie, qu -ce qu'est-ce qu que ça a, Quel rapport avec nous Tiens au moment où je dis ça, il y a Panolixine qui dit « La France n'a aucune leçon de démocratie à donner au reste du monde. » Alors, de donner des leçons à la Terre entière, c'est une chose. Je ne suis pas sûr qu'il faille donner des leçons de démocratie à la Terre entière. Mais si dans ton propos, tu laisses entendre finalement que les deux situations sont identiques, que, en gros, les libertés politiques, individuelles, démocratiques sont les mêmes que dans les deux pays, ben, en fait, je pense... Te le dire avec beaucoup de gentillesse et de douceur que tu te mets quand même euh, le doigt dans l'œil, à peu près jusqu'au coude, voire sans doute jusqu'à l'épaule. Donc il faut. Voilà. C'est parce qu'il y a deux choses différentes. Euh, justement, pour répondre à ta question, la fin de l'édito de la Croix dit ceci Que faire d'un tel voisin Lui résister, car ses visées sont agressives. Quelqu'un me parlait de l'Ukraine dans, dans le chat. La Russie maintient sa stratégie expansionniste en Ukraine. Pour se fournir en armes, elle n'hésite pas à pactiser avec la Corée du Nord. Tu, tu comparais la Russie à la France. La France n'a pas envahi l'Ukraine euh, récemment. Euh, elle euh, pactise avec la Corée du Nord. On ne peut pas accuser euh, la France de pactiser avec la Corée du Nord, euh, qui est une dictature, hein, pour ceux qui l'ignorent. En Afrique, le Kremlin organise des campagnes médiatico-politiques anti-françaises. En Europe, entretient de puissants réseaux de désinformation pour affaiblir la confiance dans les systèmes démocratiques. A priori, la France n'est pas accusée de, de faire la désinformation. Euh, dans les autres pays pour faire bouger les élections. Ainsi, le despotisme à Moscou n'est pas que l'affaire des Russes, il nous concerne, nous aussi, fin de l'édito. Dire qu'en France, il y a des insuffisances sur les droits individuels, démocratiques, citoyens, que nous ne sommes pas une démocratie parfaite. Yes, mais bien sûr, vous avez raison, c'est un combat qui n'est pas terminé et qui ne se terminera jamais. Ce de la Ve République, elle n'est pas satisfaisante à plein des aspects. Débat sur le 49.3. Sur la représentation de nos élus, sur la parole donnée aux citoyens, sur la déconnexion entre le politique et l'histoire. Tout ça, c'est vrai, vous avez raison, nous sommes une démocratie ô combien imparfaite. Nous ne sommes pas le, pré... sommes pas le premier pays au monde dans le classement des... de la liberté de la presse. Donc euh, évidemment euh, qu'il faut voir euh, les, les défauts qu'il y a de notre, de notre régime. Mais faire cela, c'est-à-dire constater ce qui ne va pas chez nous, euh, si c'est pour se ce, 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 dire, nous ne devons pas nous intéresser à ce qui se passe dans les autres pays, c'est autre chose, c'est deux choses différentes, ça n'a rien à voir. À hum. euh, quelle heure arrive ouest France, demande Atler. Ils sont là, ils m'attendent, je finis ma revue de presse et on, et, on, et, on, et on démarre. Diesel pose une question toute bête. Est-ce qu'il y a beaucoup d'opposants politiques en prison en France ben, Question toute simple. Il ne s'agit pas de, de dire que nous sommes les meilleurs ou que tout est parfait chez nous. Mais il s'agit juste de, 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 de constater que, pour le dire dans des termes extrêmement basiques et simples, bah c'est bien pire ailleurs. Voilà. West France nous répond même dans le chat, on est même dans le chat puisqu'on a des amis de West France dans le chat. Voilà pour la Russie, si vous voulez en savoir plus, euh, article dans le Figaro, édito dans la croix. J'accélère un petit peu. Euh, Rachida Dati à la culture, je ne vous ai pas lu trop de papiers encore là-dessus. Sur un plan politique, ça a été extrêmement intéressant puisque ça a été considéré comme une très belle prise de guerre. Du président Macron à la droite, d'ailleurs du côté de LR, on n'a pas du tout aimé que Rachida Dati accepte ce poste de ministre de la Culture. Euh, mais moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était euh, sur le fond, puisque Rachida Dati a fait quelques déclarations assez intéressantes sur ce qu'elle comptait faire euh, au ministère de la Culture. Vous le savez, moi, je suis moins intéressé par les histoires d'ambition, d'ego, de rivalité, euh, de pouvoir euh, dans notre système politique que ce qui se passe au fond. Qu'est-ce que euh, les hommes et les femmes politiques veulent proposer, surtout ce qu'elles réalisent une fois euh, élus, une fois au pouvoir Qu'est-ce que Rachid Alati aimerait faire à la culture C'est intéressant. Depuis sa prise de fonction en Rue de Valois, Rachid Alati fait de l'accès à la culture sa priorité. Euh, je pense, sans gluten, que tu peux élever ton niveau de commentaire. Je pense que <coughs> euh, au bar tabac, à 18h, après un deuxième petit vin blanc, ton commentaire se tient. Avec les potes, vous êtes 3-4, on en sort une bien grasse, on rigole, on se tape du coude, c'est marrant. Là, il est, trop, il, est, il est beaucoup trop tôt, 9h56 pour le vin blanc. Je pense que tu peux, tu peux élever ton niveau euh, de, de, de commentaire. C'est ce qu'on essaye de faire ici. On n'est pas tous d'accord sur tout, mais par contre, on essaye de, de s'exprimer le plus correctement possible. Euh, des orientations plutôt bien accueillies par le monde culturel, qui la jugera aux actes. Dès sa nomination au ministère de la Culture, Rachid Dadati a affiché son intention de favoriser l'accès à la culture dans les quartiers populaires. Et ça qui est intéressant. Alors, c'est un discours. Euh, il faut qu'après, il, il qu euh, ça, ça se traduise en actes politiques, bien sûr. Euh, le 6 février, depuis la Philharmonie de Paris, où elle assiste à un atelier d'éveil musical avec des enfants non francophones, Rachida Dati appelle à désenclaver la culture. En un mois, la ministre pose euh, et plante le décor. Avec elle, la rue de Valois, donc le ministère de la culture, est censé devenir le ministère de la société française. Dans son besoin de culture. Au micro qu'on lui a tendu, Rachida Dati a ensuite choisi de parler d'abord des MJC, des Maisons des Jeunes de la Culture, je trouve ça plutôt intéressant, des Bibliobus, hein, vous savez, ces bus qui emmènent la littérature, les livres euh, partout, et notamment dans les endroits les plus reculés, dont elle a bénéficié, enfant, dans sa banlieue de Saône-et-Loire. Vous ne la verrez pas au vernissage des grandes expositions ou des, des premières si ces événements ne sont pas accompagnés d'une ouverture aux jeunes ou au public éloigné de la culture, dit-on dans son entourage. Je ne sais pas si ça va être traduit euh, dans les faits, par des mesures, mais le discours est intéressant. C'est ça que je veux dire. Prise de guerre d'Emmanuel Macron aux Républicains, Rachida Dati a la charge de faire renouer la macronie avec les classes populaires et la France de la diversité, alors que celle-ci affronte les reproches de séparatisme social et traverse difficilement les lendemains de la loi immigration dont on a beaucoup parlé ici. Quelqu'un me demande c'est quel journal C'est La Croix. Sa manière de se positionner sur l'accès à la culture à partir de son expérience personnelle est très habile politiquement car elle reprend cette thématique à la gauche, et la met face à ces contradictions. C'est un sociologue de la culture, Pierre-Emmanuel Sorignet, qui dit ceci. Elle fait un usage populiste d'une critique de l'entre-soi du monde de la culture, qui a par ailleurs sa part de vérité, l'entre-soi du monde de la culture. L'objectif, c'est d'amener la culture auprès de tous les Français. Elle n'est pas la première ministre de la culture à le dire. Hein. Euh, y compris jusque dans les campagnes. En déplacement en Dordogne, la ministre a annoncé le lancement d'un printemps de la ruralité, consultation suivie d'assises nationales de la culture au milieu rural au printemps. C'est un impensé du ministère de, qui ne dispose d'aucune statistique sur l'accès à la culture dans les villes de moins de 3500 habitants. Dit Guy XVI, sociologue spécialisé euh, des spécialistes euh, des politiques culturelles, qui rappelle que le ministère de la Culture flèche, écoutez bien, seulement 20% de son budget en Ile-de-France. Ne serait-ce que cette info euh, légitime l'article. Moi j'apprends, dans l'article de La Croix, là, page 4 aujourd'hui, que le budget de la, du ministère de la Culture, il n'est fléché qu'à 20% en dehors de l'Île-de-France. 80% du budget du ministère de la Culture, c'est Paris, région parisienne. Alors ça, bon, a un truc, ok. Pourtant, il y a eu des belles ouvertures d'institutions euh, en région ces dernières années, hein, euh, mais manifestement, euh, il y a encore beaucoup à faire. Euh, et puis, un peu de poétique poéticienne quand même et un petit peu d'ambition dans tout ça sinon c'est pas drôle. Avec tous les sujets culturels que compte la capitale, nul doute que Rachida Dati fera de la rue de Valois une tour de guet à l'approche des municipales. Ses proches de LR redressent d'ailleurs la tête, conscient que son éventuel succès au ministère de la Culture pourrait lui faire acquérir un statut de favorite à la prochaine présidentielle. À la prochaine présidentielle, hein euh, est-ce que Rachida Dati pourrait être, être élu maire de Paris euh, à l'issue d'un ministère réussi euh, rue de Valois C'est la question qui est posée dans l'article. J'accélère un petit peu. On a nos amis de West France qui nous ont rejoints. Comment vous les trouvez ces médailles paralympiques et olympiques Voilà. Euh, Tony Estanguet, qui était, avec, euh, qui était dans notre studio la semaine dernière. Le président du COJO, du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, a dit que voilà, dans quelques jours, eh bien, on allait connaître euh, le visage à l'endroit et à l'envers de ces médailles. Voilà, il n'a pas voulu nous dire en avant-première à quoi ça allait ressembler. Il a gardé le secret jusqu'au bout. Elles ont été dévoilées. Je, je, je vois dans le chat, les avis sont divers, mais vous êtes plutôt séduits. Moi aussi. Bon, c'est très subjectif. Moi, je les trouve pas mal. Alors, je vous la fais courte, mais je vous renvoie à l'équipe, page 25, et aux Parisien aussi, il y a un gros dossier. Alors, en gros, euh, côté face, vous avez donc ce côté un peu euh, bijou, euh, soleil. Attends, alors, attendez, déjà, elle a été conçue par Chaumet, je crois. Donc, un joyer euh, euh, assez connu, hein, assez prestigieux, Chaumet. C'est une filiale de LVMH. Donc, elle a été conçue, pas fabriquée. Dessinée par Chaumet. Voilà. Alors, ça, c'est le côté. Moi, je m'emmêle un peu dans le pile et le face. Ça, c'est la face avant. C'est quoi la face avant C'est pile, du coup Est-ce que la face avant, c'est pile ou c'est face Vous voyez ce que je veux dire Débat dans le chat. Donc, c'est face. Ah, donc, c'est pile. Ha <laughs> Vous n'êtes pas d'accord. Ces gens, parce que là, vous ne m'aidez pas. Vous êtes 50-50. Pas facile, hein Bon, on s'en fiche. D'un côté, ce côté un peu bijou, soleil. Euh, voilà, j'aime bien. L'hexagone, là, vous savez en quoi c'est fait En tour Eiffel. En tour Eiffel C'est un morceau de tour Eiffel qui a été acquis par, euh, par la monnaie de Paris, puisque c'est Chaumet qui l'a désigné, mais c'est la monnaie de Paris qui a, une très, qui a une belle expérience en matière de, 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 de frappe de, de monnaie et de médaille. Alors pour le coup, c'est un bon choix parce qu'ils savent vraiment faire. Et donc, c'est un bout de la tour Eiffel. Voilà. C'est le, le métal que vous voyez dans l'hexagone, là, c'est le tour Eiffel. Et au recto, de l'autre côté, on va dire. Eh bien, vous avez des symboles, et notamment des euh, notamment, euh, symboles olympiques et, euh, et, la tour Eiffel, et la tour Eiffel. On attend de faire un petit sondage peut-être Je vous donne les infos précisément et on fait un petit sondage, vous me dites ce que vous en pensez. Moi je suis assez séduit, mais peut-être que je me trompe, hein, peut-être que, peut que, peut que, peut que vous la trouvez moche. Euh, 5000 exemplaires, donc fabriqués par la monnaie de Paris, euh, du côté de chez Chaumet, on explique qu'on a décidé de traiter ce morceau de tour Eiffel en forme d'hexagone, de le sertir comme une pierre précieuse en haute joaillerie, puis de le placer au centre de la médaille avec un travail de rayonnement. Voilà, moi je trouve ça plutôt pas mal. Le Parisien est assez séduit aussi, évoque cette face commune aux trois médailles, donc les trois médailles or, argent, bronze, oron, phase on rond, cette face qu'on a évoquée avec l'hexagone ou euh, avec euh, le morceau de tour Eiffel. Et puis l'autre face, vous avez, alors sur les, les médailles paralympiques, une vue en contre-plégé sous la tour Eiffel avec l'inscription Paris 2024 en braille. Et puis sur les médailles olympiques, vous avez une figure éternelle présente depuis la naissance des Jeux modernes, l'Acropole et l'Athéna euh, Niké, qui est la déesse de la victoire, Hop, que vous voyez ici. Hop, là, c'est la déesse de la victoire. Voilà. Et pour la première fois, une touche personnelle, puisque vous avez effectivement la tour Eiffel aussi à droite que vous voyez là voilà. c'est très, très beau mais est-ce nécessaire du monde de julou bah, c'est à dire qu'en fait euh, au jeu euh, comme dans toute compétition sportive tu mets des médailles c'est le symbole de, de ta victoire euh, ou de ton podium c'est comme ça après tu, tu pourrais leur filer des fraises tagada euh, ou des gommettes mais peut-être que ce serait moins séduisant pour, pour les sportifs à partir du moment où il y a des médailles, autant qu'elles soient belles hein, qu'aurais-je entendu ce matin si elles avaient été ratées Hein, ce 1 hein, serait râlé. J'aurais entendu Ah, c'est quel scandale, vraiment les Français, c'est des bouseux, on n'est pas capable de faire des belles médailles Pour une fois qu'elles sont belles, il y a quelqu'un dans le chat qui me dit Ouais, mais alors à quoi bon Bah peut-être qu'à partir du moment où on a des médailles autant qu'elles soient belles, quoi. sondage C'est parti Comment trouvez-vous ces, ces médailles Comment trouvez-vous ces médailles euh, Magnifique. Euh, belle. Tu vois, un peu, tu vois un peu moins. Voilà. Euh, bof. Je vais, je vais vous mettre 4 degrés. Moche. Et je ne sais pas. Donc, vous, avez, ouais, vous pouvez mettre de la subtilité dans votre réponse. Vous voyez, je ne vous, vous ai pas demandé euh, euh, réussi ou pas réussi. Je vous dis, je lance ce sondage. Comment trouvez-vous ces médailles Magnifique. Belle. Bof, moche, je sais pas. Let's go. Moi, moi j'aime bien. Mais ça ne doit pas vous influencer. Hein. Très subjectif. Hein. C'est parti. Deux minutes. Je vous les montre en attendant. Donc, ça, voilà. Ça, c'est l'or. Là, c'est le. Alors, le ruban bleu, c'est les Jeux Olympiques. Ruban rouge, Paralympique. Ouais. Ça, c'est. Hop. Je vois les résultats. Hop. Et là, on voit. Elle est belle, l'argent aussi. Là. Il faut que j'arrête d'influencer sur le sondage. Moi. Là, vous avez le côté. Euh, côté L'argent à gauche, c'est la Paralympique. Il y a le braille sur le côté. Voilà. Et le symbole euh, des Jeux Paralympiques. C'est les, 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 les virgules qu'on voit là. Voilà. Et là, vous voyez les symboles qu'on a évoqués euh, sur la, la médaille olympique avec euh, la déesse de la victoire, le Parthénon, la Tour Eiffel. Je vous lis et je, dans un instant, je vous donne les résultats du sondage. Imagine, ils auraient loupé ça aussi, dit Dark qui semble dire que les médailles sont réussies. C'est vrai que c'est une édition des Jeux Olympiques qui n'est pas exempt de polémiques. On les a évoquées ici. On en, parle, on en parle quand il y a polémique, évidemment. S'il y a un truc qui est réussi, autant le dire. Vraiment, le, tour, le morceau de Tour Eiffel, c'est fort. Pour le rayonnement de la France à l'international, dit euh, Texenax, qui valide plutôt. Elles sont belles, mais le, le logo des Jeux de Paris me dérange tellement, je le trouve un peu cringe. Il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, sur Twitch, sur la chaîne de M. Poulpe, j'ai croisé le, le designer qui avait pensé le, le, les friges, hein, le symbole de, 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 ce, de. le logo de ces, de ces Jeux Olympiques. Bon, c'est vrai que là-dessus, il y a, a débat, quoi. Certains estiment que ce bonnet phrygien ressemble à, à autre chose. Pourquoi des médailles différentes Déjà parce que les, les, les logos Geladal euh, des, des Jeux olympiques et paralympiques sont pas les mêmes, en fait, déjà. Ouais, le pote à poule Joachim, ouais, c'est lui. Regardez le sondage, il est là, je vous le montre. Alors, qu'est-ce que ça donne Je découvre en même temps que vous. Euh, oh, ben non, il faut que je réduise mon. Caméra parce qu'en fait, hop, on voit même pas le résultat. Voilà. Euh, belle, 50%. Magnifique, 34%. Ah bah, bon voilà. Vous êtes quand même 84% à trouver ces médailles réussies. Euh, bof, 10%. Moche, 2% seulement. Donc 12% qui les trouvent pas terribles. Et je ne sais pas, 4%. Bon, c'est un peu un plébiscite. Hein. Vous savez à quoi ça ressemble Vous savez à quoi ça ressemble, ça Ce score que je viens de voir, là Ça ressemble à quoi un premier tour de présidentiel en Russie. C'est incroyable. Vous venez, de me faire, vous venez de me faire une Poutine là. Vous vous rendez compte C'est incroyable. Allez, on accélère un petit peu et on va retrouver nos invités de West France qui nous font la gentillesse d'être euh, avec nous ce matin pour parler de leur journal, de sa spécificité, euh, de son succès, puisque c'est le journal le plus vendu en France, euh, quotidiens régionaux et nationaux. Confondus et aussi pour répondre à toutes vos questions sur notre métier, sur le journalisme, sur les médias, sur l'indépendance des médias, sur la qualité de la couverture, médias, etc. On est là pour répondre à vos questions euh, dans un instant. Euh, bah justement, on va finir avec l'Ouest le, le France. Regardez, j'ai commencé avec Ouest France, le dossier sur le remaniement. Voilà, avec. Je vous remonte le, le début de leur vue de presse pour ceux qui n'étaient pas là. Un édito, La fin du faux départ, euh, signé par Stéphane Vernet, qui est avec nous, qui nous rejoint dans un instant, qui est à quelques mètres là. Et on finit avec Ouest France, voilà. puisque Ouest France, c'est ce qui fait sa spécificité de ce journal, c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime bien. Ce sont des pages internationales, des pages nationales, des pages régionales, des pages locales. Hein. On va du monde jusqu'au quartier, à la rue près de chez soi. Des pages sportives, des pages culture et des, des pages aussi vie pratique, euh, vie citoyenne. Et là, il y a un cahier qui s'appelle Novi, par exemple, euh, avec un article que je trouve super intéressant sur ceux qui deviennent végétariens à plus de 50 ans. Et j'ai trouvé ce papier vachement bien fait. Euh, des gens qui, justement, ont une alimentation dans leur vie marquée par la viande, hein, dont, à qui on a dit mange de la viande si tu veux être costaud plus tard, il faut, de la, il faut des protéines. Voilà. La viande qui, longtemps, a été un aliment réservé aux plus riches, hein, aux bourgeois. Euh, et dont les classes populaires ont pu euh, s'emparer quand le prix de la viande a baissé, donc des, des vies euh, alimentaires marquées par la viande, et des gens qui, après 50 ans, eh bien, arrivent à se détourner de ce chemin. L'article est sympa, il est signé Marie Toumit, je vous lis ce papier qui est assez sympathique. La plupart de ces hommes et de ces femmes ont choisi de profondément changer leur alimentation malgré des décennies d'habitudes, ce n'est pas facile. Hein leur motivation, elle s'imbrique, mais une partie d'entre eux évoque avant tout la défense de la cause animale. Et elle, 70 ans, qui vit, qui vit près d'Orléans. Je prenais conscience de l'incohérence qu'il y avait à adorer les animaux et à les manger. Elle explique cette ancienne habituée de steak bleu à courte paille. Difficile de l'arrêter malgré tout, il me fallait un déclic, j'avais 56 ans. J'ai eu ma première petite fille, 17 grand mère Elle arrivait au monde sur une planète bien abîmée, que faire de marquant et de symbolique pour l'accueillir. Elle, elle a essayé de devenir végétarienne, c'est intéressant. Euh, et progressivement elle a cessé de manger de la viande. Les conditions d'abattage me font horreur, dit Ethel, qui cajole sa chienne. D'autres mentionnent aussi le choc des vidéos de l'association militante L214, qui s'est donné comme mission, vous le savez, de dénoncer les conditions d'élevage et d'abattage des animaux. Euh, je vous lis sur courte paille. Hein. Dagassoun développe. Ici on est pour entendre tous les avis, mais développer, expliciter, construire. Quand Dagassoun écrit complètement débile, on ne sait pas de quoi tu parles. Euh, il, faut, il, faut que tu, il faut que tu muscles ton jeu Robert la cassoone, muscle moi ce jeu et on comprend rien sinon certains mettent en avant d'abord le, leur désir de lutter contre les changements climatiques et de, de penser à la planète David Rudloff qui est informaticien à Strasbourg est proche des mouvements écologiques et militants depuis des années, son cheminement elle, lui a lui été progressif au départ j'ai modifié mon alimentation en raison de son impact en matière de pollution et de gaz à effet de serre David s'est alors approvisionné chez des producteurs locaux. Malgré tout, cela entretient le lien gustatif et la dépendance à la viande. Donc, il mangeait la meilleure viande, mais toujours de la viande. Euh, du coup, il a décidé à, à, à apprendre à maîtriser les plats végétariens sans être en déséquilibre en dé de, plaisir de plaisir et de santé. Donc, c'est de trouver du plaisir dans la cuisine végétarienne. En plus, sa fille est née, devenue végane. Parfois, les enfants, d'ailleurs, alors ça, je l'ai souvent entendu, sont à l'origine d'une modification des habitudes. Des parents. Mon second fils est végétarien, c'est lui qui a impulsé ça, dit Anne-Marie Kozanek, à 55 ans, qui est assistante de direction à Rennes. C'est ma fille de 23 ans, végétarienne, qui m'a motivé à manger davantage végétarien, Daniel et Toublot. On a beaucoup de, de témoignages hein, de grands-parents ou de parents qui voient en fait leur alimentation évoluer sous la pression amicale <laughs> des enfants. D'autres végétariens ou flexitariens parlent d'un choix dicté pour leur santé. Voilà. C'est un peu pour la santé, un peu par gourmandise. Euh, Notre Marie-Claire, 65 ans, est-elle, euh, elle liste également la santé parmi les raisons d'avoir éliminé en grande partie de la viande. Euh, et Ouest France rappelle que l'Organisation mondiale de la santé, tout comme les autorités françaises, recommande de ne pas dépasser 500 grammes de viande hors volaille par semaine. Je finis par un petit, petit encart sur, euh, sur les conséquences sur la santé de l'absence de protéines animales, puisque certains dans le. Il y a peut-être des mangeurs de, de viande dans le chat qui disent bah ouais mais mes protéines moi j'en ai besoin. Il y a peut-être des trucs qu'on peut avoir que dans la viande par exemple. Euh, Véronique Abrias et son mari font contrôler leur état physique. Hein, ils sont euh, assez âgés et ils expliquent qu'après quatre ans de régime 100% végétarien, tout va bien, pas de carence, y compris en vitamine B12 qu'on retrouve en grande quantité dans les poissons, les crustacés, les abats, mais aussi dans les œufs et le fromage. Voilà. Finalement, le plus difficile, disent-ils, est peut-être d'essuyer les remarques de la famille et des proches et de devoir justifier de son choix. Parmi les amis de nos âges, aucun n'est végétarien. Ils nous regardent un petit peu comme des hippies attardés, dit une grand-mère. Ma mère est très inquiète pour ma santé. À chaque repas ensemble, elle me dit de prendre un morceau de viande. Beaucoup entendent aussi fréquemment, c'est pas toi qui va sauver la planète. On le sait. Alors ça, ici, à chaque fois qu'on parle de l'environnement, des changements climatiques, du réchauffement climatique, j'ai toujours un petit couplet du dit ah oui, mais tu sais, euh, c'est pas nous qu'allons changer avec nos notes tri sélectifs, euh, tout ce que tu nous racontes là, la, euh, la face du monde là-dessus, en disant et l'Inde, et la Chine, et les États-Unis, et les riches. Bon, voilà, je connais le couplet. Réponse de ces retraités euh, à cet argument c'est pas toi qui va sauver la planète. On le sait. On le sait, ça ne nous empêche pas d'y essayer euh, et d'y contribuer à notre échelle. Voilà, il y a, il y a une parabole là-dessus. C'est quoi celle du col colibri Comment que ça s'appelle, non C'est pas le comment ça s'appelle Vous m'avez déjà parlé de ça. Le truc du colibri là. Comment vous appelez ça déjà Colibri. C'est ça. Ouais. Le colibri qui veut éteindre le feu, exactement. Exactement. On a oh, on a un magnifique raid d'une magnifique chaîne, non, là, je ne dis pas ça pour euh, qu'ils prennent le melon, mais je sais qu'ils font un super travail, qui est la chaîne Naotech, euh, une chaîne euh, sur laquelle vous pouvez trouver toute l'actualité de la tech, sur Twitch, mais aussi sur YouTube, voilà. qui était en live ce matin. Qui était en live du côté de Naotech, toute l'info-tech, euh, c'est tous les matins, il y a une matinale notamment sur Naotech Team, allez voir cette, euh, cette chaîne, d'ailleurs les modérateurs vous l'ont mis en haut du chat. C'était Jérôme qui était en live ce matin Salut Jérôme. Je remercie les derniers subs et on va accueillir notre premier invité dans un instant. Je vais aller chercher. Merci, Idréo, pour le soutien. Elle, Famigno, pour le septième mois d'abonnement. Zordiac pour euh, l'abonnement faire à la commu. Euh, et je vous rappelle que si vous faites point d'exclamation promo dans le chat, boum, vous trouvez un lien sur lequel vous cliquez. Si vous avez entre 15 et 25 ans, abonnement à Ouest France. Gratuit, les amis, ce matin. Petit cadeau à nos amis de Ouest France. Euh, Donc potentiellement... Vous avez 15 ans, vous pouvez lire West France pendant 10 ans gratuitement, c'est cool. Voilà. Si vous avez 24 ans, pendant un an, si vous avez plus de 25 ans, eh ben vous êtes trop vieux. Voilà. <laughs> Alors, je vous rappelle que tous les vendredis, désormais, euh, grâce à l'Alliance de la presse d'information générale, partenariat avec euh, cette chaîne, eh bien, nous recevons des journalistes euh, pour répondre euh, bah, à vos questions que vous vous posez sur les médias, le journalisme, euh, l'info. Euh, voilà. Euh, moi, je, je vous déclame tous les matins ma flamme pour euh, la presse écrite. C'est ma source d'information préférée. Mais euh, je me suis dit à un moment que les mieux placés, peut-être pour répondre à vos questions sur, euh, sur euh, l'information, l'actualité et le traitement de cette information par les journalistes et singulièrement par la presse écrite, quotidienne, qu'elle soit nationale ou régionale, ben, le mieux, c'était encore de les recevoir. Nous avons reçu à 15 jours Libération. Nous avons reçu la semaine dernière l'opinion. Et ce matin, eh bien, ce sont les amis de West France que nous recevons. Je vais aller chercher Cyril Petit de West France euh, qui va commencer euh, cet échange avec nous et qui sera rejoint tout à l'heure par Stéphane Vernet. Euh, ne bougez pas, euh, je vous mets pas de musique, pas de pub. Je me fais un petit café. Ah si, si. Si, je vous me fais un petit café. Alors, je vous mets une mini musique. Parce que j'ai besoin petit... j'en profite pour une petite pause de café. Un tatatin, tatin, je vous mets une petite musique chill. Une petite musique chill. Hop. C'est bien ça, c'est chill? Ouais, je vous mets ça. Deux minutes, je me fais un petit café pour relancer la machine. Et, euh, et on parle d'actu et de médias et de presse avec nos amis de West France. C'est parti, tout de suite. Ce timing de fou, la musique s'est arrêtée pile poil pour euh, notre retour, c'est incroyable. On est des, on est, on est des, on est, on est des vrais DJ. Euh, J'ouvre le micro de Cyril. Cyril, comment ça va Ça va, ça va. Samuel, bonjour à tous. Vous entendez bien Cyril Je crois que le micro est ouvert. Cyril Petit nous a rejoint. Paf, je vous remets euh, la scène principale. Euh, on n'est plus en pause. On est. Faut pas je vous mette non plus la scène de Valorant. On ne va pas jouer aux jeux vidéo ce matin. On est sur l'info. C'est écrit ici. La matinée tienne, on lit les journaux ensemble. 3 ans et demi déjà que je fais ça euh, presque ouais, tous les matins, Bien. quel bonheur, utile. Quoi. Et, et on reçoit ce matin deux journalistes de Ouest France, Cyril Petit, Cyril qui est avec moi ici, et Stéphane Vernet qui est juste à côté avec Armand euh, qui est en stage en 3 e à france les gens disaient dans le chat, la chance. Ouais, Ouais. ouais il est à la rédaction ici à Paris, c est, c est cool, toute la semaine. Et voilà, un petit coucou, tu connais un peu Twitch euh, ouais, ouais, Cyril, ouais, ouais, là t'as ouais, le ouais, chat ouais, bien ouais, sûr, ouais, ouais. et tu as plein de petits coucou. Et alors on a des gens de chez nous aussi hein, qui sont... Oui. Là. Je crois qu'il y a, a Jean-Noël ouais. et Lou voilà. euh, qui vont faire coucou et qui, euh, qui vont me corriger si je dis des bêtises, évidemment. Ils sont là, ils, ils leur 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 ont les, les droits VIP, ah ouais. donc ils peuvent mettre des articles, ah ouais. ils peuvent coller des liens. Euh, Génial. Ce que tout le monde ne peut pas faire. Ah Regarde, ouais, euh, sont là. West ah ouais. France, tu vois. Ah ouais. VIP. Ah ouais. euh, donc si les petits... Euh, bon, les, les titres, c'est parce pas ce qui est le plus essentiel, mais on les donne quand même, Si y a le petit euh, rédacteur en chef délégué, je crois. Oui, c'est ça. À West France. Mais en charge d'un domaine en particulier Oui, en charge du développement éditorial national. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, voilà. Ça veut dire quoi? <laughs> et ben, ça veut dire que, le, le, que tu l'as dit tout à l'heure, Ouest France, c'est euh, un journal qui a une particularité euh, comme d'autres, mais, mais peut-être plus que d'autres parce qu'il est très grand. Ouais. C'est qu'il s'intéresse à la fois, comme tu l'as dit, au coin de la rue et au, monde. Et au bout du monde. Ouais. Là, le, le slogan, c'est De la commune. Ah, c'est le slogan. Exactement. De général. la commune au monde, c'est historique. Hein. François régis Sutin, qui a dirigé le journal pendant très longtemps, il en avait fait. Euh, voilà, c'est l'ADN du journal. Et donc, euh, donc voilà, nous, on veut aussi être euh, un média euh, référent qui compte au niveau national sur l'information nationale. Ouais. Donc, puisque c'est vrai qu'avant, bah avant, quand on disait la PQR, il euh, y avait que du papier. Donc, en gros, on était dans son département, dans sa commune, dans sa région. Et puis, bah, c'était le journal de sa région. Ouais, aujourd'hui, Ouest-France, c'est encore ça, évidemment, et c'est l'ADN et c'est le socle de Ouest-France, c'est parler de ce qui se passe plus près de chez vous. Ouais. Mais aujourd'hui, avec le numérique, il bah, y a plus de frontières. On peut lire Ouest-France à Besançon, ah. on peut lire Ouest-France pas en version papier, mais en version PDF ou les articles directement sur le site. Donc voilà, donc moi mon job, c'est de faire que voilà qu'on soit encore plus euh, euh, référent qu'on l'est déjà sur l'actualité euh, en dehors de notre zone historique, par exemple. Et Stéphane en parlera tout à l'heure. Mais quand euh, dimanche dernier euh, Xavier Bertrand est venu euh, déclarer sa candidature à la présidentielle de 2027. Il le fait dans Ouest France. Dans West France. Euh, alors que lui-même est élu dans les Hauts-de-France. Ouais. Voilà. donc Voilà. Donc, ça, c'est mon journal. C'est intéressant parce que, oui. bon, bah, moi, Ouest France a été mon premier journal, oui. puisque je suis breton, parce que je suis rennais. Donc, le journal à la maison, euh, la Bible, c'était Ouest France. Mon papa, la, la, qui était passionné l'actualité, qui l'est toujours d'ailleurs, lisait Ouest France. Je crois que mon envie de faire du journalisme vient en grande partie de ça, du West France qui était à la maison. Donc, euh, tu vois, c'est une belle histoire. Mes premiers stages dans ce métier, Ouest France. Ouest France Laval mmh. et Ouest France la oui et France la locale de Rennes dans, ouais. les, dans les super locaux dans, euh, le, Pré centre, dans hein. le centre oui. donc j'ai une histoire euh, que je cache pas euh, avec avec Ouest euh, France et en fait Ouest France de tout temps moi je, quand je le lisais il y a il y a bah, il y a 40 ans hein, quand j'ai 35 40 ans mes premiers Ouest France déjà il y avait cette spécificité du mmh. local mmh. et de page nationale et internationale de mmh. qualité est-ce que, est que tu dis c'est qu'avec finalement la révolution numérique euh, c'est encore plus, c'est encore plus le cas aujourd'hui. Oui, il y, bah, y a plus de frontières de fait. On lit ouais. les articles de West france encore une fois, où, où qu'on soit, et y compris en dehors de France d'ailleurs. Aujourd'hui, nous, environ 80% des gens qui lisent un contenu sur west francefr ouais. ne viennent pas du Grand Ouest. Ah. Donc ne sont pas dans notre zone historique, qui est la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. Donc c'est-à-dire que voilà, on a déjà, euh, on a déjà cette, comment cette, cette visibilité au-delà. De, 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 notre, de notre zone historique. Ce que j'aime dans le chat, c'est l'humour et parce qu'il y a beaucoup de sourires ici. Il y a catastrophe qui dit, je crois qu'il a dit, ouais. laval à l'envers. comment euh, on appelle ça Un et... mot comme ah, je ça. C'est pas un palindrome. C'est ça, exactement. Un palindrome. 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 Laval, ouais. bien joué. Ouais. Ils, ils ont de la culture, hein ils ont ouais. la culture. Euh, ouais. Alors moi, les premières questions que je voulais te poser, c'était la spécificité de l'Ouest France. Bah, je crois que tu y as ouais. répondu. Ouais. Hein. Ouais. Le, le fait que c'est un journal qui a les articles de qualité. C'est un média. C'est pas seulement ah, un journal. Là, tu me corriges. Tu non Je te si, si, je complète. Si, 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 C'est-à-dire que c'est pas as, seulement un as journal. Raison, tu vois, moi, je suis encore sur l'ancien ah ouais. truc. C'est un C'est un, un, un journal imprimé. C'est un journal numérique. C'est des articles. C'est une présence sur les réseaux sociaux. C'est des podcasts. C'est de la vidéo. C'est pas une spécificité de l'Ouest France hein. aujourd'hui. Euh, oui, les mais médias... c'est un virage que vous avez pris tôt quand oui, même. Bien sûr, ouais. bien sûr. Ouais, ouais. Et euh, mais c'est la condition aussi pour, pour, pour euh, exister, puisque l'intérêt, notamment, de tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Nous, on n'exige pas que les gens aillent forcément tous les matins acheter leur petit journal au kiosque. Euh, c'est bien s'ils le font, c'est utile. Mais l'essentiel, c'est de s'informer. Et ce que tu fais, d'ailleurs, c'est là que c'est important. C'est de s'informer. Et donc, il faut que. C'est à nous, médias, d'aller là où les gens sont. Ce que tu as fait parfaitement en allant sur Twitch. Euh, plutôt que tu aurais pu te contenter de dire bon, les gars et les filles, vous allez acheter le journal au coin de la rue et puis euh, débrouillez-vous. Non. Voilà, c'est ouais. pas ça qu'il faut faire. Et, et la plupart des médias aujourd'hui. Euh, évidemment, vont sur euh, les supports où les gens sont et en particulier les jeunes. Récemment, je suis allé au, au siège de West France d'ailleurs, euh, et où il y a un magnifique studio voilà, euh, pour produire du contenu euh, bah, justement sur, 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 sur les nouveaux écrans voilà, et notamment sur Twitch, hein, je crois. Il y a eu des choses oui. hein, qui ont été faites. Hein. Oui, 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 ouais. oui. Oui, oui, il y a eu des choses. Euh, Peut-être que nos amis là peuvent, peuvent en dire un tout petit peu plus ouais. sur. Euh, ce qui a été fait sur, sur sur Twitch, ils vont ils vont arriver. Donc, en très besoin. beau studio. J'aimerais avoir ce studio en vrai. J'aimerais avoir ouais. ce, ce, ah, ce studio. C'est une très grande réda... parce que Ouest-France, c'est local, départemental, régional, national. C'est une cinquantaine de petites locales. Hein. Donc une petite locale, c'est un bureau ouais. euh, dans une petite ou moyenne ville dans la dans laquelle il y a euh, deux, trois. 20 journalistes. Ouais. Ah, jusqu'à 20 journalistes. Alors, les, les grosses locales, oui, on est pas moins de 20 journalistes. Rennes, par voilà. exemple, ouais. Donc, il donc, y a ça. Et puis, il y a à Champy, donc c'est à côté de Rennes, c'est là où il y a le siège. C'est là où il y a le siège de, de, de ouais, West France. Alors, Alex de, de West France qui nous dit, on fait régulièrement des émissions sur le sport, voilà. le jeu vidéo. Exactement. Alors, ah tiens, ça c'est une spécialité de West France. Je sais que j'ai un public qui aime bien le jeu vidéo. Vous avez euh, de, de très bonnes pages de jeux vidéo dans West France. Voilà, il y a un spécialiste euh, jeu vidéo à la rédaction mm -hmm. de West France, un Rennes que j'ai rencontré, qui est vraiment un, un, un passionné, qui justement a été à l'origine de choses sur la chaîne Twitch euh, de West France. Bon, après, il peut pas tout faire parce qu'il doit aussi faire il a les papiers. De... Donc ça fait ouais. qui ça, ça, ça doit être, ça doit être le, le, lui, il va peut-être se dénoncer, non ah, C'est peut-être Alex C'est moi, voilà. Ah, mais oui, putain, Alex <laughs> Alors, la, la, le journaliste dont je parlais, c'est lui, c'est Alex, ouais. voilà. voilà. Et il euh, faut qu'on se rappelle d'ailleurs tous les deux, parce qu'Alex est un passionné de jeux vidéo. Moi, j'ai mmh. lu certains de ses papiers sur cet mmh. univers, et voilà, je sais qu'il maîtrise, mais euh, c'est une vraie passion. Voilà, euh, voilà loup de son prénom. Voilà. Mais, peu, mais pourquoi Alex ça. le serveur, du coup C'est ça qui m'a induit en erreur. Parce qu'en fait, loup, c'est le journaliste, mais son pseudo-tweet, c'est Alex le serveur. Ah, alors là, Lou, il faut que tu m'expliques. <laughs> Et en fait, Lou, il a fait des choses sur la chaîne Twitch de West France. Le problème, c'est qu'il ne peut pas tout faire. Donc, euh, voilà. En tout cas, le studio est vraiment euh, sympa. Euh... C'est aussi lui qui est responsable des réseaux sociaux. Aussi. On voilà. fait des choses. Bah ouais. Bah ouais. Tu dors. Mais 700 à West France. Hein. 700 journalistes. C'est énorme. 700 journalistes. Parlons de chiffres, justement. La spécificité, Alex le Serveur, c'est le pseudo que j'ai pris en commençant à bosser dans la presse de vidéo en 2007. Bah, voilà, on a l'explication. De loup. Parlons de chiffres un peu, parce qu'on a parlé un petit peu de la, de la spécificité, de la couverture euh, mmh. de, du quartier au monde. Euh, une des spécificités d'Ouest de France, et pas la moindre, c'est le fait que Ouest France est le journal français le plus lu. Voilà. Ouais, euh, 600, en, 600, 000 exemplaires. 600 000 exemplaires. 600 000 exemplaires. Donc, euh, donc oui, c'est même le premier Tout journal du, francophone du monde. C'est le. Pour exactement. Euh, donc tout confondu, alors le journal, donc qu'il soit imprimé ou en version journal numérique, ouais. voilà, on arrive à ce chiffre de, de 600 000. Et puis certains euh... peuvent être surpris, mais euh, tout quotidien confondu en France, hein, y compris jour, journaux nationaux, le journal le plus lu, le plus vendu, c'est Ouest-France. Alors il y a des journaux comme Le Figaro, Le Monde, qui ont encore aujourd'hui de très très bons tirages, voilà, mais qui sont en fait derrière et Ouest-France est et, et le journal le plus lu en France. Et effectivement, et ça, je l'ai appris en préparant cette émission, le journal francophone le plus lu dans le monde. Exactement. C'est chez nous, c'est français. C'est breton. Enfin, c'est pas que breton. Non, c'est pas que breton. C'est breton, c'est normand, c'est nigérien. Nigérien, les habitants des pays de la Loire. Oui, c'est le Grand Ouest. Voilà, c'est ça, le Grand Ouest. Et puis, de moins en moins... Que le Grand Ouest, puisque tu... Alors, il y a toujours le Grand Ouest, es... c'est la base, encore une fois, mais maintenant, c'est élargi. Et, et sur le numérique, puisque sur le numérique, selon les mois, on est euh, premier, deuxième ou troisième site de presse d'information. Euh, donc, euh, voilà, avec, euh, en gros, le, le Figaro, Le Monde et Ouest France euh, dans le top 3, et ça change en fonction des mois. Là, tu vois, on est à 160 euh, millions de visites par mois. Ouais. 160 millions de visites euh, sur la plateforme Ouest France. Comment expliquer le... Le, le succès de West France, alors là on vient, on vient d'évoquer le tirage qui est, qui, est, qui est énorme en fait euh, à une époque où il euh, y a notamment des nouvelles générations qui sont un peu moins tournées vers euh, l'info, euh, à, à voir, quoi, à vérifier, et, et vers euh, l'écrit, ce sont quand même des tirages qui sont impressionnants. Comment on explique le, ce succès de West France au travers de son histoire, sachant que le journal a tiré enco, enfin, encore plus à une époque Bien, hein, bien sûr, hein, je, à, crois, à, je crois jusqu'à 800 000. Alors moi je ne suis là que depuis 6 mois. Moi, je hein, me demande euh, même s'il n'y a pas une époque où ça tirait presque sais. vers le million. Euh, ouais. ce je ne sais pas. Le François, François, François à, à la grande époque, vrai. était au million. Pas le François euh, d'aujourd'hui. Hein. Non, pas le François Pas le site internet bizarre, non, là, le, le, le François. Le, euh, le, le vrai François, le grand journal populaire de l'après-guerre. Ouais. Euh, ouais. Qui sortait euh, parfois jusqu'à 8 éditions par jour. Hein. Incroyable. Donc, tu, allais acheter, là, c'était en papier. Hein. Ouais. Tu allais acheter ton journal. Et, et si tu retournais 3 heures après chez ton marchand de presse, c'était une autre édition. Un autre. À huit fois par jour. Comme et ça. alors, ce succès, comment on l'explique bah... euh, Moi, j'ai un avis là-dessus, mais je préfère t'entendre de ouais. toi. Bah, il s'explique déjà parce que euh, le, le, la zone historique euh, est un endroit où les gens lisent beaucoup. L'Ouest euh, Voilà, le Grand Ouest. On lit, euh, on lit des journaux, on lit des livres. Une autre particularité, hein, parce qu'on euh, est un des rares endroits en France où il y a aussi, sur une partie, sur la partie Bretagne, une vraie concurrence. Citons nos, 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 nos camarades et oui. amis du Télégramme. Télégramme. Voilà, donc, donc ce qui veut dire que. Plus il y a d'offres, plus on lit. Ouais. C'est ça qui est intéressant. On pourrait se dire, il ah bah, y, y a deux journaux et donc en fait les gens, ça se sépare. Non, en fait, plus il y a de journaux, plus on lit. Donc euh, pourquoi Ouest France euh, ça marche bah, C'est historique parce qu'en effet, déjà, il y a le, le, le public euh, autour. Ensuite, évidemment, bah, je crois que ça tient aussi, et là je, je dis ça, j'y suis pas pour grand-chose, encore une fois, du haut de mes six mois d'ancienneté, mais euh, ça, ça, bah, ça tient à la, à la qualité. Euh, du, rédactionnel. Produit, ouais. du rédactionnel ouais. à, au réseau de correspondants alors les correspondants locaux ah oui voilà les correspondants ça, locaux ça, ça ce, sont, ce sont sont euh, plein de gens qui sont au plus près des territoires ouais. vraiment parfois euh, dans un village de 500 habitants et qui euh, alors qui, qui n'ont pas le statut de journaliste hein, qui sont des gens qui euh, par correspondant ailleurs de presse. c'est le statut Correspondant local de presse. Ils ouais, peuvent être, par ailleurs, euh, instituteurs, instituteurs euh, commerçants, retraités. Ouais. C'est une activité donc, en euh, plus. Voilà. Et donc ça, il y en a plus de 2000 à Ouest-France. Donc, mmh. ils font remonter les infos. Et ils vont, je sais, ils vont euh, au comité <coughs> au agricole, aux réunions sportives locales, aux conseils municipaux mmh. du village, euh, à la vie culturelle mmh. du coin. Et ils font des, souvent, ils font leur papier et la photo. Mmh. Ils font ouais. leur la photo oui, eux-mêmes. Oui, oui. Et ça, ça remonte voilà. dans le journal. Et il y a ce maillage qui est très important. Exactement. Puisque, et donc, pour... pour, pour pour poursuivre peut-être sur le succès ça tient aussi je crois à la, à la, à la ligne éditoriale du journal qui est un journal euh, j'allais dire respectueux modéré euh, qui a toujours séparé les faits des opinions qui ne qui ne son, sombre pas dans le social, dans le sensationnalisme il euh, y a, y a hum, il y a quatre triptiques, enfin, pas quatre triptiques, ça, ça ne veut rien dire, quatre triptiques, on est d'accord ça, ça ferait douze. Ouais c'est ça. <laughs> donc, non, non, le, 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 en, comment dirais-je le, le, le mantra de West france pour le traitement des faits divers, mais pas seulement, c'est dire sans nuire, montrer sans choquer, dénoncer sans condamner, et témoigner sans agresser. C'est beau. C'est beau, euh, il faut le tenir. Mmh. Voilà, c'est un engagement. Et donc, donc voilà, je pense qu'il y a aussi une forme de, 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 de respect euh, de l'information et donc des lecteurs et donc c'est aussi ça sans doute qui, qui explique qu que, que je... le West France ça, ça marche bien pendant, pendant qu'on qu parle je vais vous le montrer quand même parce que le West France je l'ai là je vous ai montré ouais, euh... moi je t'ai amené du attends j'ai un truc euh... qu'est-ce que t'as amené oh, ouais, du papier regardez hop attends, le petit appli West France là, voit, là, donc c'est un grand journal en papier c'est grand hein. là, on voit bien hein. ah c'est bien ça donc, tu vois, ah oui oui la double pa... donc c'est euh... Avant l'équipe était comme ça à peu près, je sais si... C'est le form... Comment on appelle le format Alors, Ber... là, On est. Alors là, on est un grand berlinois. En fait, on est presque au broadsheet. Pour pour se la péter un peu, on est, presque au... on est entre le berlinois et le broadsheet. On est... on est plus grand que le monde, par exemple. Euh, en termes de format, qui lui, lui a un format berlinois. est ce qui est intéressant. Le format, il a, il a est-ce qu'il a évolué Est-ce qu'il a été plus grand euh, ou... Il a été un peu plus grand, oui. Il là, a été ça un peu, fait, ça été fait, un peu euh, plus grand. Alors, euh, peut-être que quand tu étais ouais. jeune, il y a il deux était un ans peu et demi. Plus grand. Euh, et il était un peu mais plus grand. Mais il est encore grand. grand, grand. Hein. Oui, il, il est encore grand. grand. Hein. Mais c'est bien, ça permet de, voilà, de, de, de laisser de la place pour la hiérarchie des infos. Et tu vois, regarde. Là, par exemple, ce titre-là, quand on parlait de la commune au monde. Où est-ce qu'on peut. La caméra Attends, je te la mets, pardon. Hop Ici, là. Ah, c'est là. Ah, là, pardon. Voilà, donc là, ici, cet appel-là, ça, ça s'appelle un appel de une. Euh, il change en fonction de la zone. C'est-à-dire que ça, c'est partout pareil, hein, le, gros, le gros titre. Et puis là, par exemple, là, on est à Saint-Malo. Donc, il y a un papier sur le chalutier géant. Mais si je prends, euh, voilà, si je prends une, édition, voilà, là, une édition normande, eh ben, vous avez ah. vu que le sujet principal, c'est le même. Voilà, mais là on, a, euh, là, on a un titre sur la Normandie. Et donc, dans le journal, tout le début et toute la fin, où qu'on soit, en... c'est la même. C'est la même. Et puis au milieu, évidemment, ouais. ça change. Si tu es en Normandie, tu as des pages Normandie. Euh, et si tu es dans le Calvados, tu as des pages Normandie-Calvados. Et si tu habites à Caen, tu as des pages Normandie-Calvados-Caen. Tu pour ça que quand tu achètes ton West France, par exemple, dans un kiosque ou à la gare, eh ben, tu fais attention à l'édition en haut à droite, qui est marquée, parce que ben, si tu t'intéresses plutôt à l'actualité de Rennes ou de Fougères, ou de Saint-Malo, ou de la Normandie, ou de Laval, ou de la mmh. Mayenne, etc., ben, il faut que tu choisis, choisisses bien ton édition parce que tu vas avoir des articles au plus près de, de, de tes centres d'intérêt. Au euh, Mont-Saint-Michel, on a des pages normandes. Ah, alors là, c'est un... Ah, non, je on n'ouvre pas. Je... pas ce débat. Ah, et en numérique, ah. si j'achète de, de, de Lyon, bah, Chiru, en numérique, alors, en numérique, on va te demander de choisir. Voilà, ton en numérique, édition. on peut avoir toutes les éditions. Ouais. Et il y a une spécificité, enfin il y a deux spécificités en numérique, c'est qu'il y a une édition France. Ouais. Donc dans l'édition France, il y a toutes les pages, il y a les pages région Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. Ouais. Et tu as aussi une édition Bretagne dans laquelle tu as les, les éditions de toutes les euh, de tous les départements. Donc en fait en numérique, on a vraiment le choix, on prend ce qu'on veut et d'ailleurs tu le disais tu l'as dit tout à l'heure à plusieurs reprises, hein, j'insiste, voilà, nous ça fait, ça fait quelques années maintenant que euh, on offre euh, aux jeunes 15-25 ans, oui. un abonnement numérique, tu l'as dit Hein, donc pas besoin de même pas besoin de donner sa, sa, sa carte bleue pour plus tard entre guillemets tu vois on pourrait te dire donne oui. quand même ta carte bleue comme et ça après, le euh, non 25 ans boum l'abonnement voilà, voilà il faut juste justifier de sa de son âge avec une pièce d'identité pièce d'identité carte ouais. d'étudiant je crois ça fonctionne euh, et donc là on est direct abonné à Ouest France et, et ça c'est aussi possible grâce entre guillemets à la solidarité de ceux qui payent tu sais, on a, on a souvent tendance à, à, à... On voit notamment circuler sur les réseaux sociaux des, des, des articles gratuits, des captures d'écran, etc. etc. Euh, bah, il faut qu'on qu comprenne que quand on fait ça, on affaiblit... affaiblit le média... Produire une information de qualité, c'est un coût. Exactement. Euh, ne, 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 vouloir de l'info gratuite, à un moment, c'est vouloir de l'info au rabais. C est, c est un, ça peut paraître un discours de vieux con, mais à un moment, une rédaction, des journalistes, il faut qu'ils puissent vivre de leur métier. Si vous voulez une information de qualité, sourcée, euh, carrée, ben, à un moment, cette information, elle doit, elle doit se, se, se payer. Bon, bon, moi, vous savez, par exemple, que je suis abonné à tous les journaux que je mmh. lis le matin. Ces journaux, je pourrais les avoir gratuitement. Mais ce serait, ce serait vraiment euh, contre-productif que de, de vous inviter, de vous inciter à lire cette presse, qui pour moi est la meilleure source d'information possible, et de ne pas la payer. Donc, mmh. euh, voilà. De, pour ceux qui en ont les moyens, bien sûr, euh, et... cette presse. Euh, Lisez-la, abonnez-vous. Si vous avez un le temps de la lire et deux les moyens de le faire, bien entendu. Et là, pour le coup, là, pour j'imagine une majorité des, des personnes qui sont là, mais pas seulement. Pour le coup, c'est gratuit. Et pour ceux pour qui c'est pas gratuit, bah c'est pas si cher que ça, hein, puisque c'est 10. Alors c'est pas si cher que ça. C'est c'est pas rien, hein, 10 euros par mois. Mais il y a des choses dans la vie qui coûtent 10 euros par mois et qui sont peut-être moins utiles que, la, que, que. Un abonnement à West France, c'est 10 euros par mois. Il oh, y a plusieurs formules, mais ouais. abonnement numérique, 10 euros par mois. À partir, je crois même qu'il y a un abonnement à 7 euros. À partir de 7 euros. C'est cool Donc, parce euh, que. Pour les, pour les... Et quand on s'abonne et qu'on paye, ouais. et ben on sait que grâce à ça, on finance le fait que des jeunes vont avoir un abonnement gratuit. C'est ça aussi, West France c'est la solidarité. Ça, c'est dans l'ADN du titre. Euh, puisque d'ailleurs, d'un point de vue. Euh, actionnariale, je ne sais pas si ça t'intéresse qu'on en parle ouais. mais On va euh... Attends, je vais juste répondre voulais... à la question de Mecca Baron qui est une bonne question Quelle est la différence entre toi Samuel qui diffuse des articles hein, sur, dans ma revue de presse tous les matins mm -hmm. et quelqu'un qui fait un screen et la diffuse sur les réseaux Alors la différence elle est simple, moi je fais ce qu'on appelle une revue de presse qui est un truc qui est, qui est, qui est, qui est, qui est vieux comme le monde, c'est pas moi qui l'ai inventé ça existe en radio et en télé depuis la nuit des temps, cest un journaliste qui le matin prend 3 minutes en, ou 5 minutes en radio ou en télé et vous dit dans la presse matin il y a ça, voilà ce que je trouve intéressant Quelque part, c'est pour vous donner envie de lire cette presse. Parce que quand vous faites une revue de presse de, de 3 minutes, ou 5 minutes, vous, donne, vous, vous, en, vous, vous, vous effleurez la matière de la presse. L'idée, c'est de vous renvoyer la presse écrite. Une revue de presse, c'est ça. Moi, le matin, vous, vous pouvez euh, le constater, je ne vous lis jamais un article entier. Je ne vous lis encore moins jamais un journal en entier. D'abord pour des raisons de temps. Si je le faisais, ma revue de presse durerait non, prat... non pas trois heures, mais à peu près trois jours chaque jour, ce qui serait compliqué. Donc la matière, elle est folle, c'est est une richesse incroyable. Donc il y a un problème de temps et surtout, il y a un problème de contenu. Si, imaginez, je prends un exemple concret. Si je remplaçais ma revue de presse le matin où je lis aujourd'hui Le Monde, Le Parisien, Le Figaro, Les échos La Croix, L'Opinion, euh, L'Équipe et j'en passe. Si je remplace ça par le fait de lire West France tous les jours, du début à la fin, c'est plus une revue de presse ça. Ça s'appelle du pompage. C'est-à-dire je, je, je prends tout le contenu, je me l'approprie et je fais de la, même de la création de richesses et de la monétisation là-dessus. Voilà. La différence, c'est ça. La revue de presse, c'est lire euh, plusieurs journaux, mm. euh, de, de signaler ce qui vient intéressant dans ces journaux, voilà, de prendre des parties d'articles et de vous renvoyer à la lecture de ces articles. La revue de presse, c'est ça. C'est ça que je fais le matin. Et en aucun cas, c'est prendre un screen d'articles et de vous balancer mm. euh, sur Internet pour que vous puissiez lire gratuitement ce contenu qui, encore une fois, à nécessiter du travail et de l'investissement de la part des, des rédactions. C'était pour répondre à cette question. On faire la liste des, cho des choses de la vie qui coûtent 10 euros. Mais 10 euros, <laughs> je voulais dire aussi, c'est alors moi qui connais bien le, les prix de la presse, parce que je suis abonné à tous ces journaux, un, un grand quotidien national, c'est au le moins cher, c'est 20 euros en numérique, hein, 20, 30, entre 20 et 30 euros. Donc les tarifs dont, que, que tu me donnes, de... que je connaissais pas, là, c'est cool, 10 euros. Hein. À partir de 10 euros, oui. il, y a même, il y a même moins cher, là, on va demander à peut-être à nos amis de... de qui sont, sont à, qui qui sont qu à Rennes, de nous confirmer les, les, les différents tarifs d'abonnement. Tu vois, j'ai Tanizos qui dit, étudiant en communication à Rennes 2 en 2010, j'avais gagné une visite des locaux de Ouest-France. C'était absolument génial. Les imprimeries gigantesques, la salle des journalistes sportifs, les correcteurs. Bref, génial, Ouest-France. Moi, j'ai eu la chance de voir le, le siège Ouest-France à Rennes, là. À Champy, précisément. Ouais, C'est ah, ça. Ouais, ouais. C'est très impressionnant. Euh, euh, alors, attends. Qu'est-ce que... Je... Alors on va voir la réponse de West-France. On va attendre. Et c'est rigolo, c'est vrai que la rédaction de Champy, alors toute proportion gardée, quand on arrive dans cette équipe. 10 euros par mois. Voilà, c'est ça. 10 euros par mois, c'est pas cher. Donc. 10 euros par mois. 700 journalistes. Donc. C'est 30 pages à peu près, par jour. Moi, c'est le seul reproche que je fais à West-France. Alors, attends, a, a... toi tu dis 30 pages, mais il y a tous les contenus oh, numériques oui, oui. qui vont avec. Oui, oui, oui. Donc, euh, minimum. minimum, voilà. je parle du print. Oui, c'est ça. Oui. Je, je, je suis un vieux truc, ouais. toi, tu <laughs> sais, je suis un vieux machin, moi. Mais, non, mais, mais, non. mais c'est vrai que moi je suis encore sur, la, sur le, le, le journal papier ou la version numérique du journal papier, très PDF, ouais. j'adore ça, notamment la mise en page, regardez. Donc là, long feuille... Fait... À ah, moi, c'est le seul reproche que je fais à Ouest france ouais. mais c'est un reproche positif, il y a trop. C'est-à-dire, quand tu veux vraiment lire Ouest france du début à la fin, mmh. quand tu veux lire, vous voyez, là on commence par les pages Monde. Il y a plein de brefs, plein d'infos. Mmh. Voilà. Ensuite, les pages France. Voilà, regardez, on va le feuilleter ensemble. C'est intéressant d'ailleurs hein, de, de remarquer qu'on on est historiquement un journal régional, et mais on commence par le monde. Bien sûr. Ça, c'est une spécificité ouais. aussi. Euh, ensuite, les pages France. Ça, c'est pour découper et mettre euh, sur son frigo. Ouais. <laughs> ah, c'est ce que j'ai mis ce matin, sur, hier soir, sur Twitter. Le, le gouvernement. <laughs> ouais, bah oui, c'est utile. Ils sont 35, je crois. Ouais, 35. On en parlera tout à l'heure avec euh, Stéphane, qui est voilà. euh, un peu spécialiste de politique. Regardez, là, on arrive aux pages Bretagne. OK Page Bretagne, voilà. Alors c'est marrant parce qu'on parle du monde et on va aller vers le local. Page Rennes. Donc on a fait monde, France, Bretagne, Rennes. Après on va aller dans les quartiers, je crois. À un moment on va, va s'intéresser même. Alors là on est voilà, on, on est va, à Rennes métropole, Rennes -Métropole. Est aux, 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 aux alentours de Rennes. Voilà. Voilà. Et à un moment vous allez voir on va reprendre du champ. C'est-à-dire qu'après on va repartir. Alors, regarde c'est intéressant ce que tu, tu, tu es passé vite et c'est normal ouais. mais Pourquoi évidemment que le rôle de West France c'est aussi ça, c'est le serviciel. Les obsèques. Les pages obsèques, ah, hein, ouais. on le sait, c'est souvent euh, ça fait partie des pages qui sont consultées en premier dans les journaux. Hein. Je ris parce que je sais. Qu en fait, plus non, tu. Il faut pas rire ces pages. Non, obsèques. si. Il si, faut rire de tout. Plus tu vieillis et plus c'est les pages que tu lis en premier. Moi, j'ai des, 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 personnes âgées dans mon entourage à Rennes qui me disent Bah écoute, moi, Sam, le West je commence par la page obsèque pour voir si j'ai pas des potes qui sont partis. Quoi. Ouais. Voilà. Euh, bon, nous, on regarde pas trop ouais, encore. Ouais. Ça on page pas en... page jeu. Pa page la jeu, page jeu aussi, ça marche. Ah, bien. Bah, les, les lecteurs nous écrivent beaucoup quand. On... Les lecteurs nous écrivent principalement évidemment pour parler d'actualité, pour ouais. parler de ce qui les concerne, mais aussi beaucoup parce que parfois peut y avoir une erreur dans les mots croisés, euh, parfois euh, peut y avoir un petit problème dans, le, dans, dans les courses hippiques, ou parfois, et plus souvent, le journal euh, est arrivé en retard. Ah, Donc voilà, ça, ça, ça prouve qu'un journal aujourd'hui, en papier en tout cas, c'est... C'est un objet et c'est un moment. C'est associé à autre chose. C'est associé au petit café. C'est associé à voilà. Et donc euh, donc voilà, c'est ça aussi la force de. Mais c'est vrai que les pages obsèques, bon, bah ça, ça. Non, horoscope. Non, je sais pas si y a un horoscope. Un horoscope dans France. Mmh, non, a pas horoscope, non. non. Parce que dans le Parisien, ça tu sais, y a l'horoscope. Nous parfois on le lit, ça nous fait marrer. Donc regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on part du monde, on va au local et après on va repartir vers le monde. Parce qu'à la fin, vous arrivez sur les pages sport. Sport en région, mais sport au niveau national aussi. Regardez, on a les fameuses médailles des Jeux olympiques. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je les trouve plutôt jolies, plutôt réussies. moi ouais, je suis assez d'accord. En tout cas, il y a la symbolique, la ouais. tour Eiffel, tout ça. C'est pas mal. Donc là, on repart sur la France et le monde. Euh, et regardez, hop, euh, à la fin, on va partir sur la culture. Euh, voilà, la plus grande scène nationale ouvre ses portes. Euh, ici, on parle du Super Bowl, on parle de l'actualité de la télé, il y a la victoire de la musique, on parle de littérature, il y a le cahier Novi avec euh, l'article que je trouve passionnant S sur euh, ceux qui sont devenus végétariens mmh. après 50 ans. Et on va repartir sur des mmh. euh, problématiques nationales ou euh, mondiales. Quoi. Tu vois, si je me permets, mmh? voilà, ça aussi, ça, c'est un ça contenu aussi, dont bien. on est... Fier, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on euh, sait que la désmicardisation, entre guillemets, est, est au cœur de la politique aujourd'hui. Hein. Le, 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 le Premier ministre en a parlé. Ouais. Bah, nous, à Ouest-France, on, 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 va, on va voir les gens. On va raconter ceux qui vivent avec le. Plutôt que de, comment dirais-je, de théoriser ça euh, depuis un bureau, bah, notre job, mais on n'est pas les seuls à Ouest-France à faire ça, évidemment, c'est d'aller raconter entre guillemets la vraie vie et de ne pas être déconnecté c'est pour ça que euh, évidemment on a une rédaction ici à Paris ouais. euh, qui, ah, est le, ah, bu... qui a un gros bureau ouais, quoi. qui a un gros bureau et, et combien euh, de journalistes à West France euh, à Paris sept, ah, sept sept ici mais Dans par le exemple le excuse-moi mais bien. par exemple le service France le service Eco euh, le service monde ils sont basés à Rennes à Rennes enfin, pourquoi ouais. parce, que, parce que même quand on traite une actualité nationale quand on la traite depuis ailleurs qu'à Paris ouais. Ben, on n'a pas complètement la même le vision du sujet. même prisme. Exactement. Ouais. Donc, euh, c'est donc aussi cet équilibre qu'on qui, qui, qu joue. Alors, tout à l'heure, je, je parlais du pourquoi le succès qui se, qui, se, qui, est, qui se confirme année après année de ce journal, qui est aujourd'hui le journal le plus lu en France et le, le journal francophone le plus lu dans le monde. Euh, bah aussi, c'est la qualité éditoriale. C'est-à-dire qu'il y a une qualité d'écriture pour les pages monde, France, comme locale. Euh, qui fait que bon c'est important aussi. Moi je le seul reproche que je fais à ce journal, mais c'est un reproche cool, c'est qu'en fait la matière elle est. Oui. Quand tu veux lire Ouest-France tous les jours, c'est quasiment un job. C'est-à-dire qu'en fait euh... non mais <laughs> voilà. Ah, tu fais ton tout, tout, tout n'intéresse pas tout le monde. Mais non, tu... Et là mais... au moins. Ouais. c'est ce que je vous dis souvent. C'est ce qui peut aussi euh, comment dire faire hésiter à acheter un journal euh, ou à franchir ce pas. Ne... La presse ça n'oblige à rien. Un journal euh, d'abord vous n'êtes pas obligé de l'acheter tous les jours. Le Journal, vous pouvez acheter de temps en temps, ça dépend de votre temps. Ensuite, vous ne lisez pas tout le journal, lisez d'abord les deux trois articles qui vont vous parler de ce qui mmh. vous touche. Si vous êtes passionné de sport, vous commencez par les pages sportives, par euh, les pages tech, euh, etc. Lisez d'abord ce qui vous intéresse d'abord, et puis en fonction du temps qui vous reste, bah, vous allez feuilleter le journal et vous, vous intéresser à d'autres sujets. Tu sais comment on appelle ça Dis. la sérendipité. Ah, ah non, je connaissais pas. La sérendipité, c'est le fait de trouver quelque chose que tu ne cherchais pas. Ah, c'est bien ça. Et c'est ça le propre des journaux et notamment de la maquette des journaux. Comme ça, c'est que tu feuillettes, tu as envie d'aller voir les résultats du stade rennais, donc tu te plonges dessus. Et puis il se trouve que par hasard, tu vas tomber à côté sur un papier qui parle de Canoë et kayak. Ça ne t'intéresse te... pas, mais tu te dis Ah bah tiens, il a l'air cool pas cet article. Mmh. Et donc c'est ça. Et c'est ça en effet la force des journaux euh, en format maquette, alors que sur le numérique ah ouais. et notamment les réseaux sociaux enfermé dans ta bulle une bulle informatique voilà exactement et donc en fait le journal éveille la curiosité mais c'est une, une ouverture exactement ouais. et c'est aussi le cas du journal télévisé mmh. et du flash radio oui oui parce qu'il y qu a une hiérarchie il y a une hiérarchie et tu et tu, la, tu la consommes dans l'ordre qui a été imaginé par les mmh. journalistes le conducteur d'un GT ou d'un journal en, en radio ou ici d'un mmh. journal et alors il y a une contrainte c'est un pour question pour un champion ouais ça ça peut ça peut ouais. ça peut on va la mettre de côté euh, mais c'est intéressant parce que à la fois c'est une contrainte c'est-à-dire que devant un JT par exemple moi c'est ce que je reproche au JT es passif tu choisis <coughs> pas l'ordre des sujets tu choisis, voilà puis on te demande pas ton avis en plus il y a pas de commentaires il y a pas de chat mmh. bon euh, ça c'est euh, mais l'intérêt de ce conducteur dans lequel tu ne vas pas picorer que tu n'es pas par exemple sur ton réseau social préféré qui va te proposer plein d'infos mais très très liées à ce que tu as consommé avant et te mettre dans une bulle à la fois en termes d'infos, imaginons que tu cliques sans arrêt sur des vidéos pour les chats. Bon, il y a un moment, tu vas voir que des vidéos sur les Bien chats. Sûr. Voilà. Mais s'il a remarqué en plus que tu aimes les chats roux, bah, tu vas voir que des chats roux. Et à un moment, tu vas te ren renfermer dans cette bulle. Donc, ça, ça marche pour n'importe quel sujet. Et tu hein. te transformes en chat. transforme en chat. <laughs> ou en Vladimir Poutine, si tu lis que <laughs> les articles sur Vladimir Poutine, par exemple. Et à un moment, tu vas te renfermer dans cette bulle et tu vas l'impression que tu vas lire toujours un peu que les mêmes mmh. choses. Et de un, et de deux, que de gens qui pensent un peu comme toi. Mmh. Parce que l'algorithme va repérer que tu vas plus cliquer sur certains contenus que d'autres, et donc te proposer des choses qui potentiellement te peuvent faire cliquer, et donc des choses qui vous correspondent à qui tu es. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu es moins en contact avec d'autres contenus qui peuvent développer ta curiosité, développer ta culture, te faire changer aussi. Hein, c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Mmh. Merci, Yofora te faire changer aussi d'avis sur certains sujets et je crois que la presse écrite permet ça c'est-à-dire que euh, avec ce que Cyril vient d'évoquer eh bien le hasard de la lecture des pages fait qu'à un moment eh bien, tu vas t'arrêter sur un sujet euh, bah, qui a priori euh, t'aurait pas intéressé là je vois un papier sur euh, le danseur vrai. Là, ça va t'intéresser. Tu vois des gens qui courent. Bah, qui je vois des mollets. Tu vois des mollets. Ça tu... m'intéresse. <laughs> voilà. Mais une fois que j'ai lu mon histoire de mollet, bah, peut-être que je vais m'intéresser à l'histoire du danseur Joachim Modet. En l'occurrence, la photo m'interpelle, parce que je la trouve plutôt pas mal. Le tiens qui est ce monsieur J'ai cinq minutes avant de prendre mon train, je vais lire. C'est ce que j'aime aussi dans la presse. Oui, euh, je suis curieux. Euh, tu, tu, tu viens de nous dire que tu es arrivé à West France il n'y a pas très, très longtemps. Oui. Avant, tu étais où Avant, j'ai travaillé pendant dix ans au journal du dimanche. ouais que j'ai quitté il y a un an et demi. Ok. Donc, donc, euh, avant la, avant, la, avant le, avant, avant les mouvements, avant les mouvements capitalistiques <laughs> en effet. Enfin, j'ai quitté au début de, 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 de factuellement au début de, 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 des mouvements. Et donc euh, voilà, mais Ouest-France c'est, le meilleur endroit pour faire du journalisme. Oui. En France, c'est vrai. Oui, parce que, parce que le, et d'ailleurs le, le, le grand patron, le grand patron d'Ouest-France est un journaliste. Ça c'est rare. Qu'un président de ou, ou un direct, enfin pas un directeur seulement, le président ouais. du directoire de Ouest-France est un journaliste. Et ça, ça dit un peu l'objectif euh, et l'ADN. C'est-à-dire que et d'ailleurs il le dit, il dit euh, on sauvera les médias grâce aux journalistes. Et, 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 et si, 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 si je peux me permettre sur cette question de, de comment dirais-je de la du capital, ils faut en parler voilà de l'actionnariat d'Ouest-France. Alors ça, euh, Cyril, c'est important que tu en parles parce que c'est une question qui revient souvent ouais. ici. Vous savez, euh, vous avez raison de poser cette question. Euh, parfois, en France, côté citoyen comme dans le chat ici, il y a de la défiance et de la méfiance vis-à-vis -vis des médias. Avec ce discours, oui mais Samuel, tu es gentil, les journaux que tu nous lis... Tu oublies de nous rappeler que certains appartiennent à des milliardaires, pour pas dire tous, et qu'en gros, la quasi-totalité des médias sont contrôlés par des milliardaires. Quelle est l'indépendance des journalistes par rapport à la propriété capitalistique hein, Quelle est la liberté de tel ou tel journaliste quand ce journal est possédé par un milliardaire qui a forcément ses intérêts propres C'est une très bonne question, vous avez raison de la poser, et on en parle très souvent. Ouest-France, pour le coup, eh bien, a une propriété capitalistique assez originale. Ouest-France tout en haut d'Ouest France, c'est une association. C'est une assoce. association, loi 1901 mmh. à but non lucratif, euh, dont, dont l'objectif, euh, donc d'ailleurs dans son nom, c'est l'association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. Ouais. Ça dit aussi un peu l'ADN du titre entre ouais. guillemets. Et donc ça veut dire que donc il y a l'association. Évidemment en dessous il y a une entreprise qui s'appelle si euh, pas Ouest-France parce qu'il faut faire tourner entre guillemets les, 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 bah, les, les différents journaux. Euh, puisque Ouest-France c'est Ouest-France mais c'est enfin le groupe Ouest-France c'est West france c'est aussi euh, Publié Hebdo. Euh, avec le site actu.fr, ouais. c'est aussi euh, en partie 20 minutes, ouais. c'est aussi les journaux de l'Ouest, euh, par exemple des... euh, 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 Presse Océan, le Courrier de l'Ouest, euh, voilà, exactement, aussi. donc c'est tout ça. Donc, et en haut de cette, associa... donc, cette association, par définition, bah, quand, on, quand on gagne de l'argent, elle, elle reste, il reste euh, réinvesti dans le journal, c'est-à-dire ouais. qu'il n'y a pas d'actionnaire extérieur à Ouest France, les seuls actionnaires, mais qui n'ont pas le statut d'actionnaire, finalement, c'est les lecteurs. C'est ceux qui payent. Ouest-France ne vit que grâce à ses lecteurs, évidemment aussi un peu par la publicité. Il y a un peu, ne le cachons pas, un peu de subvention. Mais j'ai amené les chiffres parce que ça aussi, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de mythes là-dessus. On se dit, les journaux sont subventionnés. Et donc quelle indépendance vis-à-vis de plutôt que de subventions. Exactement. Alors déjà, déjà, les subventions, souvent, c'est des subventions indirectes. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir de, des avantages sur les tarifs postaux. Oui, c'est pour, pour aider à la distribution. Voilà, mais on va pas te mettre, on va pas te mettre, tu vois, de l'argent dans ton compte d'exploitation directement. C'est souvent des, euh, comment dirais-je, des, 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 oui, des réductions pour le dire notamment, comme ça sur, notre, sur la poste. Notamment la diffusion voilà. pour que le journal soit distribué. Hein. Et donc là, si tu regardes, par exemple, donc aujourd'hui, Ouest-France, ça coûte. Si t'es lecteur, que tu l'achètes tous les jours au numéro 1,35€ en semaine. Ouais, 1,60€, Oui, puisque le vendredi, merci, bravo, <laughs> le vendredi, il y a aussi le supplément télé-magazine qui s'appelle Diverto. D'accord, ok. Mais ah oui, c'est voilà, Exactement. Okay. Mais le prix de base, entre guillemets, c'est 1,35€. Okay. Euh, sauf qu'un journal à faire, ouais. ça coûte 1,68€. Ah merde, on a un problème là. Ça coûte 1,68€, <laughs> je vais pas te faire tout le détail, mais par exemple, considérons que faire West France journal tous les jours, c'est 1,68€. Euh, 41 centimes pour la rédaction 13 centimes pour le papier 56 centimes pour la distribution etc etc. tout ça on peut le trouver peut-être que nos amis peuvent mettre euh, ah le, lien, ouais, le lien vers l'article euh, qui, qui est paru en début d'année qui explique pourquoi ouest france a augmenté son prix de, de 5 centimes et donc là vous verrez euh, vous aurez un, un, un graphique euh, qui raconte combien ça coûte et, euh, et, et comment, enfin, quelles sont les, les sources de revenus. En l'occurrence, on voit que, que là, le journal, il est plus cher à fabriquer qu'il est vendu. Quoi. Oui, puisqu'en fait, ce qui fait ensuite défalquer, ce qui fait baisser le prix, c'est 1, la publicité. Ouais. Euh, ah oui. Donc sur un journal à 1,68€, tu enlèves 31 centimes qui vient de la publicité okay. et tu enlèves 0,02€, subvention. 2 centimes de subventions. Sur 1,68€ de coût de fabrication, as 0 tu as voilà. d'aide. Voilà, et qui font baisser le prix pour le lecteur, en de, fait. Ouais, mais de 0,02 centimes. Oui. Moi, voilà. je, bon, moi, je ne connaissais Donc, pas le ratio, mais alors du coup, je saurais, je saurais quoi répondre la prochaine fois comment on alors, parle. Après, bon, je on que on je... peut dire c'est quand même assez réduit. Quoi. Alors, ça, c'est chez nous. Après, il y a des journaux plus ou moins aidés. Et moi, je ne juge pas, je juge pas ça. Moi, je fais confiance aux journalistes pour travailler en toute indépendance. Euh, mais il se trouve que nous, ce modèle, c'est celui-là. Euh, voilà. Ah bah, vous savez quoi Ça y est, je, je, je voulais pas ah, Alors, non, ce n'est pas le bon. Si je peux me permettre, euh, ça, c'est celui de 2023. Il faudrait donner celui de 2024, ah. si je peux me permettre, pour euh, mes petits amis. Ouais. on vont le mettre à jour. Le lien, euh, je vais l'épingler tout à l'heure. Ouais. Effectivement, là, ouais. il faudrait le dernier de 2024. Bah, sinon, tu tapes pourquoi le prix augmente. Mais en gros, je peux vous montrer. En gros, ça ressemble à ça, vous voyez. Ça, ouais. c'est 2023, par exemple. Et on voit un petit peu le découpage qu'on retrouve voilà. là. Et là, on voit la, sub on voit la subvention publique, là. 0,02 ouais. centimes. Ouais. Sur un coût de fabrication d'un euro c'était en 2023 voilà. mais on voit quand même ça c'est intéressant ouais, le, bon eh, eh, un, 1 euro euro 30 au quotidien à l'achat c'est vrai que quand même euh, c'est bah, pas rien ouais. c'est pas rien mais, mais comment dirais-je mais derrière il y a des gens qui ont bossé c'est à dire qu'aujourd'hui et euh, toutes les, compa les euh, comparaisons pardon valent ce qu'elles valent toujours mais Aujourd'hui, bah, euh, ça viendrait à l'esprit de personne de rentrer dans une boulangerie en disant et euh, hey, euh, donne-moi ta baguette gratos. » moi ton croissant. Voilà. C'est parti. Et ben bah, donc, euh, les médias et la presse en particulier, et bah, derrière, il y a toujours des, des, des coûts de production. Et donc, euh, soit on travaille dans un service public et donc c'est payé indirectement euh, par, euh, par, par l'argent public. Voilà, par l'argent public. Bien sûr. Euh, soit on travaille dans une chaîne euh, télévisée ou radio privée dont quasiment l'intégralité des revenus Pub. viennent de la publicité, Tube. soit on est dans un modèle euh, mixte euh, qui est celui de la plupart des journaux, soit au contraire on est dans un modèle qui refuse toute publicité, euh, par exemple le canard enchaîné, ouais. où là c'est 100% payé par les euh, lecteurs. Par, par les lecteurs. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est un peu comme tout dans la vie, en fait, c'est plus compliqué que le simple blanc ou noir. Et, et ça, ça revient un peu sur la ligne éditoriale de West France, c'est-à-dire que, bah, de temps en temps... Il n'y a pas de réponse. De temps en temps, euh, c'est ni blanc ni noir, c'est un peu entre les deux. Euh, et donc euh, voilà, je pense que si on veut recréer de la confiance aussi, il faut accepter parfois de ne d'assumer qu'on ne sait pas complètement tout. Et, et puis être transparent. Là, par Exactement. exemple, euh, là, je viens de vous mettre en, je viens d'épingler le, le document là de 2024 pour l'explication du, du coup euh, de, de, de West France. Bon ben bah, moi, je crois que l'un des défauts qu'on a eu nous journalistes ces dernières décennies, c'est peut-être d'avoir manqué de transparence sans sans. sans Peut-être qu'on n'y a pas assez pensé. Euh, on va parler, le, on va, je vais revenir voilà, au, au côté associatif aussi. Euh, mais je pense qu'il faut, faut ouvrir les rédactions il faut mmh. montrer comment on travaille. Il y a de plus en plus Bien de sûr. gens qui le font de médias qui, qui le font. Mais voilà, il, y a, il y a un déficit de confiance entre les citoyens les, et, et les médias. Et c'est à nous de nous ouvrir plus euh, de montrer plus comment on travaille d'être plus transparent de montrer aussi qu'on est faillible, qu'on est humain et que parfois on se trompe, qu'on fait des erreurs, mais qu'il faut les reconnaître qu'il faut corriger. Euh, et, puis aller, et aller à la rencontre. Mmh. Et aller sur le terrain, il y, en, il y a beaucoup de journalistes aussi qui parfois euh, eh euh, ben, s'enferment en, dans une forme de confort euh, dans, au, au sein des rédactions. Et, et moi j'en suis le premier exemple, puisque moi je ne suis pas un journaliste de terrain. Je pense qu'il y a des degrés dans le journalisme. Euh, je, je considère qu'un que, qu journaliste qui est sur le terrain, un envoyé spécial, un correspondant à l'étranger, un grand reporter, un journal local, un journaliste en local, celui qui est sur le terrain, qui constate l'info, il est plus journaliste que moi. Il y a des degrés dans le journalisme. Moi, je suis en bout de chaîne. Je, je mets en forme l'information. Je vous présente l'information. Il y a des degrés dans le journalisme. Et, et l'essence les du métier, il est, il est là. Il est d'aller ouais. sur le terrain. Oui, je suis d'accord. Avec... Après, les, les, les journalistes qui travaillent notamment sur le numérique ne sont, sont pas moins journalistes que d'autres. Euh, oui, oui, tu vois, euh, parce que mettre en scène l'information, euh, la décrypter. Aussi. Donc euh, voilà, il n'y a pas d'un côté les grands journalistes qui vont sur le terrain et de l'autre côté non, les non. petits qui resteraient derrière un écran. Mais là où tu as raison, c'est qu'à un moment, l'info, la, la, elle sur, remonte le du là sur le terrain. On parle, euh, si on parle d'IA, tu vois, l'IA, elle, elle va bouleverser notre métier. Mais l'IA, à mon avis, elle ne pourra jamais raconter quelque chose qui se passe. Si elle ne l'a pas constaté. Exactement. Et ça, seul on voilà. peut le faire. Exactement. Ouais, donc, euh, c'est donc beaucoup... la force de, de, mais, du terrain. Mais moi, moi qui je suis, mais... suis un journaliste de, 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 près de la machine à café et du radiateur, j'ai beaucoup d'admiration de, voilà, de, pour les gens qui vont mmh. sur, le, sur le terrain. C'est un truc que je ne sais pas faire, moi. Euh, je reviens au côté associatif de Ouest France. Parce que, est-ce que je comprends bien Cyril Donc, Ouest France, et c'est un truc assez unique. Euh, dans le paysage de la presse française, et donc euh, co détenu, contrôlé par une association, oui. notamment pour protéger le journal d'être éventuellement racheté un jour Exactement. par un grand groupe euh, financier, par un milliardaire. Ça date de 1990, hein. ouais. donc ce n'est pas nouveau. Hein. C'est François-Régis Hutin, à l'époque, qui en effet a voulu protéger euh, le journal des, 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 des intérêts euh, politiques ou capitalistiques venus de l'extérieur, et donc il a niché dans une association qui fait qu'aujourd'hui, bah, même si on a beaucoup d'argent, euh, on ne peut pas acheter West France. On ne peut pas. Non. Donc euh, voilà, si un jour vous, voulez vous, dé vous débattez de la propriété capi capitalistique des, des médias, et vous entendez certains disent, dire que tous les médias français que je lis souvent ici appartiennent à des milliardaires, et ce n'est pas faux, et certains médias appartiennent à des milliardaires, et après, comme je vous le dis souvent, il faut aller voir comment se comportent le propriétaire, l'actionnaire et le milliardaire, parce qu'ils ne se comportent pas tous de la même façon, et ne laissent pas tous la même liberté à leur rédaction. Certains laissent une grande liberté à leur rédaction. Il y a des exemples dans le passé. D'autres pas. Euh, il y a des exemples pressants dans l'actualité qui, euh, qui euh, le montrent. Pour être tout à fait transparent, à Ouest France, on m'a proposé récemment, puisque c'est un peu le journal de, bon, de cœur pour les raisons que j'ai évoquées, on m'a proposé de rejoindre la fameuse association. En fait, l'association la, elle est composée notamment de, de personnalités bénévoles. 60 membres. Voilà, 60 membres qui accompagnent Ouest France. Euh, dans, euh, dans sa réflexion sur euh, comment doit évoluer le journal. Voilà. Et on m'a très gentiment demandé si je voulais bien rejoindre l'association pour notamment témoigner de ce que je fais sur le numérique, pour participer à cette réflexion. Euh, c'est une proposition qu'on m'a fait l'an dernier, que j'ai acceptée. Donc voilà, je fais un, un petit peu partie de cette famille et j'en suis très fier. Voilà. Mais c'est bien de le dire. Oui, bah oui. oui, parce que comme je dis euh, beaucoup de bien euh... de votre France, euh, il ouais. faut que je sois transparent avec vous. Voilà. Et c'est bénévole. Et par définition, c'est associatif. C'est associatif, oui. donc c'est bénévole pour le... Pour Alors les... les journalistes, eux, sont bien rémunérés, oui. hein, comme tous les autres salariés. Voilà. Mais pas moi, donc faites péter les sommes. Euh... D'ailleurs, je remercie Daniel subs Ça, c'est un truc sympa ici. Euh... Tu sais, c'est les, les pseudos. Parce que, oui. chacun s'appelle comme il le veut. Parfois, on a oui. très bonne surprise. Là, on a par exemple un X, je suis chez ce cher Serge. Je ne sais oui. pas ce que ça veut dire. Merci pour le prime. La Chine, merci pour le 18e mois, mais C'est dur à, à dire, je suis chez ce cher Il y, y a pire. Il ouais. y, y, y a vraiment des pseudos imprononçables. Euh, mais là, ça va, ça va. Eziria, ça va. Diesel, Diesel, ça va. Qui vient ouais. offrir 10 abonnements à la communauté. Un grand merci. Euh, donc, encore une fois, euh, notre invité nous disait, attention, rien n'est jamais blanc et noir. Le discours, les médias appartiennent à des milliardaires, n'est pas complètement faux, mais il n'est pas vrai non plus. Le service public n'appartient pas, pas à des milliardaires. Ouest-France n'appartient pas à des milliardaires. Le canard enchaîné qui est financé 100% par lecteurs, on en parle. De, voilà. Donc, n'ayez pas comme ça des discours mmh. un peu catégoriques sur les choses, et allez voir dans la diversité des situations bah, comment tel ou tel, mmh. tel média est financé, et si ce financement, très important, a un impact sur ces médias. Parce que, encore une fois, à partir du moment où il faut bien faire vivre les journaux, il faut bien que des gens investissent dedans. Donc euh, voilà, je, je, si on, il suffit juste de citer l'exemple du monde. Oui. L'exemple du monde, donc Xavier Niel. Et, et, et l'actionnaire, il euh, y a tout un, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout un tas de dispositifs qui font que les journalistes du Monde, à la rédaction du Monde, est 100% indépendante. indépendante. De, de Ils ont de mis son en place des, voilà. des espèces de garde-fous euh, <coughs> se sont mis en place au fil des années. Je crois que Libération a un mmh. mode de fonctionnement comme ça aussi, le Monde aussi, La Croix a aussi mmh. a mis des choses en place euh, avec, effectivement, parfois euh, le capital journal contrôlé par euh, des gens qui ont des sous, quoi, parce qu'à un moment, bah, c'est les entreprises qui rapportent pas beaucoup d'argent, en fait. Euh, je vais lire le message de West France C'est surtout la question. Euh... Ouais, euh, parce qu'en fait, bon, un journal, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Hein, mmh. ça, 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 ça en dépense non, beaucoup. Non. Ça... Alors, alors, et donc, il faut des, donc, des capitaux pour les faire tourner, bien souvent, pas toujours. Euh, mais après, certaines rédactions se sont organisées pour ne pas être influencées justement par les propriétaires. Voilà. Euh, tu disais qu'il y avait une question J'imagine qu'il y avait une question. Euh, parce que les, les chartes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chartes euh, à West France ouais. euh, sur euh, les faits divers, euh, sur le climat. Ouest-France euh, est très 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 très, très euh, concernée euh, par le climat. Il y a, voilà, ça fait partie de notre ADN d'être euh, d'être très très engagé, euh, pas, pas au sens politique, hein, mais en tout cas sur euh, l'explication, le descriptif sur le changement climatique. D'ailleurs, un, un petit clin d'œil euh, qui peut-être pourrait intéresser euh, tout le monde. Euh, on a lancé il y a en début d'année. Chacun peut aller euh, faire chercher son code-barre. Climatique. Hein? Que tu sais ce que c'est Non, c'est son, son poids. Non, non C'est ce, comment tu vas. Alors, peut-être on peut l'afficher. Si tu fais code barre climatique Ouest euh, France, ouais. tu vas pouvoir voir comment, dans ta commune de naissance, depuis euh, ta naissance, a évolué la température de ta commune. Si tu fais code barre climatique Ouest France, voilà. Euh, attends, euh, voilà, celui-là. Tu vois Ouais. Attends, je vous montre. Hop. Donc, descends. Descends, descends. Donc, on a, on a, on a pris des, des, des milliers, des millions de data. Voilà, clique ici. C'est drôle, ça. Voilà. Découvrez comment le climat a changé dans votre commune depuis génial, votre ça. naissance. Alors, descends. Là, c tu vas être obligé de donner des secrets. Hein. Bah, Rennes. Hein. Ouais, facile. Rennes. Et ton année de naissance Alors, attends, faut que tu reine. cliques là. Voilà, ton année de naissance. Euh, ben, J'ai 22 ans. Donc, alors, 2024 <laughs> moins 22 ans. Ben, on va au pif, 1971. <laughs> voilà. Donc, ça, c'est, tu vois, la température moyenne de ta commune, 1920, année par année, depuis ta de naissance. Chier. Donc là, c'est la température, ça Ouais, température moyenne. Donc ah ouais, tu vas même. relever dans la station Rennes-Saint-Jacques à 6 et km de chez toi. 11 degrés en moyenne quand je suis né. On est maintenant à presque là, à 14. Descends, regarde. Donc, alors après, il oh y, y a les marges d'erreur, mais donc euh, la différence est 2,6. Descends, tu vas trouver la, la vraie analyse. Voilà. Avec les marges d'erreur, etc., selon cette méthode, entre ta naissance et aujourd'hui, la température de ta commune a augmenté de 1,58 degrés. Et après, je vous mets l'URL dans le chat c'est vraiment intéressant. Je vous, je vous colle le lien. Dans le chat. et chacun comme ça peut se rendre compte euh, à son voilà. échelle des, des, des conséquences du réchauffement climatique et incroyable. si tu descends tu vois voilà c'est ça ton, ton, ton ça c'est les années ah oui euh, où en fait euh, euh, comment dirais-je l'année plutôt euh, froide au début enfin plutôt froide en, en tout mais, cas euh, euh, relativement exact voilà tu vois euh, plus les bars sont rouges, plus le réchauffement est fort. Moi, bon, c'est clair. Je, je me rappelle que je me caillais dans ma jeunesse, hein, tu vois. Et ben... <rire> <rire> donc voilà. Donc ça, c'est aussi l'ADN de West france c'est de, de raconter, tu vois, pas, pas d'aller toujours sur les grandes théories, bien mais ça. de le mettre à, 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 à hauteur d'homme, en fait. Et alors, il y a même des prospectives sur ce qui nous attend, qui malheureusement n'est pas très réjouissant. Ah ouais, on voit beaucoup de rouge là. Et tu peux télé télécharger ta petite fiche. C'est pas mal. Ça. Voilà, ça, c'est notre, notre service d'attaque qui a brassé. Des millions de, de données. Mais Cyril a raison. Alors moi, je suis beaucoup sur le, la version papier des journaux parce que c'est un peu. Euh, c'est ma consommation au quotidien. Mmh. Mais West France, c'est un journal qui a pris un, un virage numérique très, très fort et qui propose sur son site alors plein de déclinaisons, plein de cahiers spéciaux, mmh. plein de. Je pourrais, je pourrais passer des heures, à, en fait, à. On peut aller sur le. On va faire l'expérience, on va aller sur le, le site de West France. Vous allez voir. Euh, en fait, à, exp à explorer, là aussi, il faut du temps. Hein. On y va. Regardez, paf Là, vous êtes sur le site de Ouest France. Vous avez l'actu, euh, région, commune, sport. Euh, et à puis, à vous avez trouvé des cahiers. Donc là, on descend, on a les gros titres, bien sûr. Bon, on parle du remaniement, bien sûr, voilà, avec euh, Amélie Oudéa-Castera, qui a été un peu rétrogradée. On va en parler. Euh, avec, Stéphane. Ah, avec Stéphane. Quand il y a un, un petit instant, cadenas, ça veut dire que c'est payant. c'est payant, Mais ouais. sauf que avec l'abonnement gratuit, notamment, c'est plus, plus payant. Plus payant. Ouais. Et oui. On descend, le sport, l'info locale voilà l'actu dans les autres régions voilà. pas seulement ah. pas seulement euh, nos régions historiques entre guillemets parce que quelqu'un disait tout à l'heure hey, rien sur la Corse que ah bah si dans les autres régions y alors, y y normalement il y a oui, oui. les grands formats voilà ça c'est que du, du payant souvent voilà notamment l'article sur devenir végétarien après euh, après à partir d'un certain âge et après, West France Premium, qu'est-ce que c'est ça? Premium, là aussi, c'est que des trucs payants. D'accord, euh, tu vois, notamment là, hier, il y avait un super papier sur le. Mais il est ce matin, je crois qu'il est dans le parisien aussi. Ce matin, nous, on l'a fait hier sur oui. le, le plus vieux champion olympique français encore en jeu. Je crois qu'il va... qu est prévu. Ouais, il, il va, va porter, porter la flamme. La flamme, porter la flamme. Ah, ouais. Ouais. Donc voilà, et puis après, bah, tu vois, tu as toutes les parutions numériques et, voilà. et, et donc, les vidéos, tous les podcasts. Tous et... ceux qui ont pu bénéficier du code promo, là, si vous avez moins de 25 ans, entre 15 et 25 ans. Avec le point d'exclamation promo, bah, tout ce contenu là euh, est, est gratuit pour vous, disponible. Quoi. Les, pod est... les podcasts, ouais. les podcasts. Bien sûr, ça c'est génial ce podcast là, tu vois, c'est un podcast euh, où euh, en fait euh, des jeunes écrivent à des personnes qui sont en EHPAD. Et tu vois, on crée cette interaction là entre les générations. C'est aussi le rôle social des médias. C'est comme ça. Bon, alors il y a aussi, euh, tu vois. <laughs> J'adore ça. Pourquoi <laughs> les chiens penchent-ils la tête sur le côté ça c'est l'édition du soir ça, ça paraît tous les soirs tous les soirs et avec euh, avec des, des sujets euh, euh, parfois qui font sourire et qui sont euh, qui permettent un peu de sortir parfois de l'actu un peu un peu lourde c'est drôle alors manifestement il y a une chercheuse américaine qui dit que c'est pour permettre euh, en fait d'entendre c'est un geste pour localiser un son mmh. voilà mmh. c'est drôle bon alors, voilà. donc une matière énorme en fait euh, voilà c'est le seul défaut que je fais à West France et quand tu rentres dans West France après tu peux y passer la journée quoi alors, évidemment euh... Euh, mais que cela ne vous, fasse, ne vous fasse pas peur, encore une fois, un journal, c'est parfois très, euh, selon les journaux, hein, très épais, très dense, très riche. Que cela ne vous fasse pas peur, ne, vous n'êtes pas obligé de le lire tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de le lire en entier. Moi, quand j'étais jeune, moi, j'achetais je les journaux et je, vous, et je les lisais en entier. Mais c'est non Non, vous n'obligez pas à ça. Il faut, que, il faut que ce soit un plaisir aussi, hein, l'actualité et euh, la lecture. Quoi. Je surveille le timing parce que je pourrais parler pendant des heures. On est ensemble depuis et puis, un petit ouais, moment déjà. Je vais laisser bientôt bah la ouais. place à mon camarade. On va, appeler, on, va appeler ah, Stéphane. on va parler des choses sérieuses, la politique notamment. Que pas seulement. Une dernière, je vous donne la main le chat une dernière fois. Est-ce que, avant que Cyril qui est venu spécialement pour nous ce matin s'en aille, est-ce que vous avez une question à poser à Cyril Alors je pense que j'en ai manqué des centaines parce que je ne vois pas toujours tout dans le chat. Une dernière question dans le chat à Cyril et après c'est Stéphane Vernet, rédacteur en chef délégué également de West France qui nous rejoint. Voilà. Il euh, y a plein de questions. Quel, le format dont on a parlé. Euh, oui, le, le ratio info régional, info national info international À la louche. Moi, bon, je dirais 70% d'info régional local, non Quand même, oui, à la fin. Alors, sur le site, quand tu arrives sur le site, souvent. Tu, on rentre quand même plus par l'info nationale et internationale ouais. mais après il y a une forme de, de profondeur euh, évidemment sur, sur les contenus alors moi, euh, moi je, 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 pas, je ne saurais pas donner le, la proportion mais dans l'avis le... ce que tu dis n'est ouais. pas en tout cas dans le prix complètement hein, sur euh, papier ouais, je pense ouais, qu'on à peu près ouais. euh après ça et puis une question plus personnelle euh, Dareski votre parcours pour euh, devenir journaliste euh, parce que certains qui nous regardent parfois dont mmh. les plus jeunes se disent ah mais moi j'aimerais bien ou parfois on a des étudiants en journalisme aussi j'aimerais bien faire ce métier plus tard quel parcours tu as eu toi eh bien moi j'ai alors moi je suis né dans la dans la Vienne Châtelreau ok mmh. Euh, la Nouvelle République là-bas. Ouais. Et puis après, j'ai fait, euh, bah, fait un bac littéraire, j'ai fait une prépa euh, littéraire. Après, j'ai traversé la France, je suis allé à Sciences Po à Grenoble. Okay. Et en fait là-bas, pour payer mes études, euh, j'étais correspondant local de presse. Ah. J'ai commencé comme ce ça. Qu voilà tout à ce qu'on évoquait tout à l'heure. À couvrir l'actualité à Saint-Martin-d'Air, dans la, dans la périphérie grenobloise. Euh, donc j'ai fait ça, j'ai fait Sciences Po. Après, je suis allé faire mes études à Lille, à l'école supérieure de journalisme de Lille. De Lille. Euh, et, puis, euh, et puis après, j'ai travaillé euh, à Libération, à Jeune Afrique, au JDD et à Ouest France. Et, euh, et, mais comme euh, le, le, comment -je, les formations au journalisme, aujourd'hui, il y en a beaucoup, hein. euh, il y en a 14 qui sont reconnues par la profession. Il euh, y, y a des centaines de formations, mais il y en a 14 reconnues par la profession. Et puis, c'est aussi un des, un des rares métiers qu'on peut faire sans diplôme spécifique. Oui, c'est un, un métier ouvert. Exactement. Et, exactement. Je ça, et je trouve ça très bien. Bon, c'est très bien. Alors très après, bien. les écoles sont très utiles ouais. euh, parce, que, parce que, comme tout, il y a des rudiments à apprendre. Mais, euh, mais voilà, en tout cas. C'est une des spécificités de ce, cette profession. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui qu'avant. Mais longtemps, la plupart des journalistes n'avaient pas fait d'école de journalisme. Et euh, oui tu on a des lecteurs, voilà, en dehors de... de... Je suis parti de la Bretagne pour un autre pays. Voilà. Voilà. Donc on peut lire, en effet, Ouest-France, évidemment, Depuis partout. Depuis entier. Et en fait, moi, j'ai plein de, de potes ou d'amis, eux, qui sont devenus journalistes après des études de, de commerce ou mm. de science, des gens qui ont fait de la recherche, euh, et, et après qui sont devenus journalistes scientifiques. Ou des... Moi, j'ai une amie à France 2 qui a fait une école de commerce, qui a commencé à bosser sur des trucs de marketing, tout ça. Mm. Puis Elle trouvait qu'en termes de sens, ça n'allait pas, qu'elle est devenue journaliste spécifiquement en question économique, c'est une profession ouverte. Voilà, on peut y arriver de plein des manières. Et c'est bien d'ailleurs, justement, parce que pour qu'il n'y ait pas toujours le même moule, la même formation intellectuelle, c'est bien de passer par une école de journalisme qui enseigne les techniques liées à notre métier. Mais c'est bien aussi que cette profession continue à s'ouvrir à des gens qui n'ont pas un parcours classique et viennent d'autres formations et parfois après d'autres expériences professionnelles. Moi, je trouve ça super. Voilà. Euh, moi, je kifferais bosser dans le journalisme, me dit Darcolin, mais c'est beaucoup de pistons quand même. Non, euh, moi je viens d'une famille qui n'est pas une famille de journalistes moi euh, non plus. Mon papa était poissonnier, vous le savez. Euh, il lisait le journal, mais il avait zéro contact dans la presse. Euh, les contacts, je me les suis fait tout seul. Euh, voilà. Toi, bah, Moi, mes parents étaient ouvriers. Bon. Euh, donc euh, j'ai commencé, en revanche, en étant correspondant local de presse, euh, en faisant ça en plus de mes études. Euh, et après, j'ai évidemment fait les études. Mais, euh, mais donc euh, voilà, non, ce n'est pas ce n'est pas que du piston. Ça... C'est même très peu du piston. Ça... Alors après, comme dans tous les métiers, avoir du réseau. Ça aide. Ouais. Ça aide. Mais, euh, mais non, non, on peut. Euh... C'est un métier qui cherche surtout des passionnés. En fait, euh, c'est évidemment le, le piste. Le pist, on ne va pas se mentir. Le, il y a des il y a les gens qui ont du piston, par leur famille, par plein de et raisons. Et ça, ça va vous aider sur, des, sur les premiers stages, peut-être sur les premiers jobs. Euh, une carrière, ça ne se fait pas au piston. Enfin, ça peut arriver dans les cas extrêmes, mais une carte de journaliste, ça ne se fait pas au piston. Ça peut vous aider sur le début d'une carrière. Mais qu'est-ce que va vous demander un, réda un rédacteur en chef, un responsable de rédaction Il va vous demander d'être passionné, d'être amoureux de votre métier et, et, de, et, de, mmh. bah, et de produire ce qu'il attend de vous, c'est-à-dire un article ou un reportage de, de qualité. Et j'ai la faiblesse de croire qu'entre une personne qui a le piston, mais qui sait pas faire... Et un, et, un, et, un, et un jeune journaliste qui a, qui a, qui a ça chevillé à son, à son corps et qui est passionné pour ce métier ben le, le, le choix mmh. il va être vite fait c'est un, un exercice très contraint économiquement la presse, hein. ça ne rapporte pas beaucoup d'argent à un moment, le rédacteur en chef, le journal en question il va avoir besoin des gens qui savent faire mmh. donc euh, voilà, allez-y et, 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 et pour terminer euh, euh, sur ce sujet, tous ceux qui parmi euh, ici ceux qui nous suivent euh, ont envie de faire ce métier bah, allez voir près de chez vous le média local euh, je suis certain qu'ils cherchent des correspondants. C'est le, c'est la euh, meilleure voilà. façon de commencer. Donc, euh, et voilà. Et nous à Ouest-France, on en cherche. Alors pas partout. Il y a des zones où il y en a plus que d'autres et on a moins de besoins. Mais voilà, ça, ça vaut le coup de demander s'il y a des besoins puisque régulièrement il y en a. Euh, ça permet de progresser. Ça permet de se faire un petit peu d'argent. Ça permet de se faire du réseau local parce qu'on va aller rencontrer des gens. Euh, donc, euh, et puis ça permet de sortir. Et, et c'est aussi, c'est aussi cette expérience qui va vous vous dire à vous si vous êtes vraiment fait pour ce métier, parce qu'en fait le correspondant local pour moi c'est vraiment l'essence du journalisme. Moi je l'ai été aussi à mes tout débuts, euh, parallèlement à mes études, j'étais correspondant local pour la Liberté du Morbihan, voilà. donc du côté de Quibron, Auray, Vannes, voilà. Et, euh, et c'est ce, ce petit job, entre guillemets, qui m'a confirmé qu'en fait, c'était ce métier mmh. que je voulais faire et qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc c'est un très bon conseil. Si vous voulez faire vos premières armes, allez voir les médias, notamment locaux, et allez voir s'il n'y a pas un stage pour commencer ou une petite pige pour mmh. mettre un pied. Et pour répondre à Zerka, non, non, il ne faut pas de diplôme en particulier. Il faut, euh, il faut évidemment euh, être rigoureux, aimer les gens et écrire euh, proprement. Voilà. Euh, mais non, non, pas de diplôme pour être correspondant no, 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 payé no, 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 tu es payé à tu no, tu tu no, 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 de no, 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 de no, en no, fait, Tu proposes des idées de sujets euh, à la rédaction. Tu quand l'article, sont validés, tu, font euh, tu fais l'article. Tu, tu fais la photo qui va avec, tu fais tout. D'ailleurs, tu plutôt sympa. Et tu es payé, euh, tu es payé à l'article. Voilà. Merci beaucoup Cyril. Merci, un merci à tout le monde et bonne journée. Et merci à toi. Et euh, merci Samuel. Je vais chercher mon deuxième invité, mais un gros merci à Cyril qui a répondu à vos questions, c'était top. Je vous remets une mini pause les amis, le temps d'installer euh, Stéphane Vernet, euh, autre euh, responsable et journaliste de Ouest-France. perdu. où est-ce que je suis, je suis là. La musique, elle est là. Allez, je vous mets une petite musique cool. À tout de suite. amis, on de retour, je vous mixe la musique comme un vrai DJ, c'est incroyable. Je sais qu'il y a un petit peu d'écho dans cette pièce. Voilà, si j'étais un, un streamer sérieux, j'investirais un petit peu dans euh, dans des petits panneaux acoustiques là. Je vais faire ça, peut-être, euh, voilà, si, peut-être investir un petit panneau acoustique pour faire un joli son avec moins de, de, de réverb. Je vois des gens qui sont un petit peu attachés à la qualité du son. Vous avez raison, on a beaucoup bossé sur la qualité micro et l'étape de mixage ici, mais peut-être que l'étape next step ce sera de mettre des petits des petits panneaux acoustiques. Il faut que je demande l'autorisation de mon propriétaire. Cyril pose une question essentielle. Est-ce que c'est un mur porteur derrière moi Oui. Tout est porteur ici. Mur porteur. Rideau porteur aussi. C'est moi qui ai moi qui a inventé ça. Stéphane Vernet nous a rejoint. Comment bonjour. ça va Stéphane Mais Super. Très bien. Ça bonjour, va Stéphane ouais, ouais, C'est drôle parce que je, je mets un visage euh, sur des articles que je vous ai lus ce matin. Tenez, je rallume ma tablette. Parce que ce matin, dans la revue de presse... Et ça va pas trop, pas trop déçu <laughs> non. non, puis c'était sympa parce que du coup, bah, moi j'étais content que West France... Euh, nous face à une sur le remaniement ministériel, parce que du coup ça me semblait... Voilà. le sujet du jour. Donc ouais. on a commencé avec vous ce matin. Voilà. Euh, le remaniement ministériel, qui s'est achevé un mois après quand même euh, le début, ouais. euh, mmh. et comme tu le soulignes dans ton éditorial Stéphane, c'est Stéphane qui a signé l'édito de une ce matin de Voice France. Euh, un mois on va y revenir peut-être euh, dans un instant un mois c'est long quand même pour un remaniement euh, oui. surtout, Après, surtout pour ce remaniement là voilà euh, surtout ouais qui fait ouais, qui a un petit pas trop d'effet waouh quoi donc euh, ça on va ça on va en parler mais euh, Stéphane l'édito qu'on a lu tout à l'heure pour débuter cette revue de presse en fait il est signé de Stéphane Stéphane rédacteur en chef délégué Oui. ça c'est son titre ton titre oui, oui, oui. Hein ouais oui ouais je, je dirige la rédaction de Paris la petite euh, la petite rédaction qu'on a qu'on a qu'on a à Paris ouais et, euh... Et moi ça fait ça fait ça fait 25 ans que je travaille pour le journal en fait, j'ai fait j'ai fait toute toute la chaîne. C'était commencé euh... j'ai bossé j'ai bossé comme comme vacataire en fait donc C'est euh... quoi vacataire ah, c'était c'est en fait c'était c'était pour des remplacements un jour deux jours par-ci par-là en fait okay. voilà. J'étais pigiste avant en fait, Moi j'ai démarré la carrière comme pigiste, j'ai été vacataire. J'ai bossé aux rédactions de Rennes, de Saint -Malo, de Saint-Malo, de Châteaugontier en Mayenne. Ouais, ouais. Euh, le Mans. Je suis revenu à Rennes, ouais. euh, où j'ai été à la fois euh, chef de rédaction à la locale de Rennes et puis directeur départemental de l'île et Vilaine. Okay. Et ensuite, je suis venu à Paris. Voilà. Avec une spécialisation... Ah bah la, ma spécialisation à, à Paris. Ah, ah oui, oui, politique. Très politique ouais. Alors, ton parcours il est intéressant parce qu'il illustre aussi... Alors, on, on parle d'un métier que moi je trouve magnifique, qui attire beaucoup de, de vocations. Il y a plein de questions souvent de comment moi je pourrais devenir journaliste. C'est aussi un métier qui, parce qu'il attire beaucoup de gens parce que c'est un métier un peu à part euh, et parce qu'il est dans un contexte économique un peu contraint qui crée aussi beaucoup de précarité hein, de, de tout temps. Au début, il n'est pas facile de percer dans ce métier. Les premiers mois, les premières années sont souvent marquées par la précarité. À l'instant, Stéphane parlait de, 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 de son statut de pigiste. Au début, tu commences souvent à la pige. C'est quoi la pige, Stéphane À la pige, c'est. Euh, <laughs> en fait, tu, tu proposes des sujets à différentes rédactions, à différents journaux, ouais. et tu es payé s'ils si, si veulent, si, veulent bien prendre le papier ou pas. Donc, oui, Donc, effectivement, c'est un peu. C'est un peu précaire. Ouais, mais hein. oui, mais bon, voilà. Enfin, voilà, moi, je n'en garde pas un mauvais souvenir. Non, non, mais. C'était euh, précaire, c'est vrai, mais j'étais jeune. Et de tout, temps, hein, de tout temps, ça a toujours été comme ça la pige, années, concrètement, ouais. tu ne sais pas si tu ouais. vas bosser un jour. 20 jours ou 0 jours, ça. ça va dépendre de, ben, du bon vouloir des rédactions pour lesquelles tu, tu travailles. En gros, tu es pigiste, tu n'as pas de contrat de travail. Donc souvent, ça commence comme ça dans notre métier. Puis après, quand tu as de la chance et que tu bosses et que tu as du talent, un mélange de tout ça, et ben, on va te proposer un premier CDD. Hein, ça, et, exactement. Puis, et puis au bout de quelques temps, euh, un, un CDI. Alors je sais qu'il y a d'autres professions qui sont marquées par cette précarité, mais c'est vraiment un truc un peu spécifique au journalisme. Donc c'est avant tout un, un métier de, de passion. Et ton parcours, il illustre. Alors effectivement, aujourd'hui, euh, toi, ta spécialité, c'est notamment la, la politique. Et là, tu as signé cet édito. Est-ce qu'on peut revenir à l'actu justement du jour Moi, ton édito, je l'ai lu en partie euh, tout à l'heure. Tu soulignes notamment au début de ton article que euh, jamais gouvernement n'aura été aussi long à composer. C'est long à hein, moi. 30, ouais 30 jours. 30 jours. Alors, ouais, vous avez, Gabriel Attal, hier, euh, a, fait, a fait une télé, euh, il était sur, sur France 2, et il disait « mais euh, mon gouvernement, il, est, il, est, il j'ai pas mis un mois à composer mon gouvernement, ouais. euh, la, la base, le, le noyau dur du gouvernement, il a été présenté il y a un mois, ouais. les, les 14 premiers ministres et, euh, et, euh, et ministres délégués, et euh, là, c'est le deuxième étage de la fusée. Mais attendre un mois, un mois, en fait, on est au bout du bout, c'est un peu compliqué, mais… Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut juste savoir qu'en fait, euh, il y a une, le, le mois, c'est le délai de carence pour les ministres qui arrêtent d'être ministres et qui étaient députés avant, ils retournent au bout d'un mois, ils retournent à l'Assemblée. Okay. Et donc là, en fait, ce gouvernement, euh, au-delà de, du mois, s'ils attendaient plus d'un mois, les, tous les ministres qui ont été remerciés euh, uh -huh. quand Gabriel Attal est arrivé, seraient re revenus à l'Assemblée. Et s'ils si avaient été rappelés au-delà du délai d'un mois... Et j'aurais... D'accord. Leurs suppléants aurait dû revenir à l'Assemblée, <laughs> mais attendre encore un mois pour pouvoir euh, siéger à nouveau. Donc en fait, euh, ils ont attendu le maximum. Pourquoi c'était aussi long On ne sait vrai, pas, euh... c'est un mystère. Ça n'a pas de sens, parce qu'en plus, tout ça pour ça. quoi, Ce qui est délirant, c'est qu'en en fait, on attend un mois pour, pour finalement retrouver quasiment le même gouvernement. Ça, ça, je veux dire, y a, y a, Ou avec y a... beaucoup d'anciens. Non, mais hier soir, ouais. on a appris à 20h20 euh, qu'il qu y avait, qu y avait un, un paquet de gens qui n'avaient pas été reconduits. Quand Gabriel Attal a été nommé. Et que finalement et qu sont ouais, finalement il ouais. euh, y, y a très peu de nouveaux. Enfin il y a. Il enfin, y a deux dire, trois trucs un peu waouh wow, pas. Euh... Bah, si il y a eu Rachida Dati à la culture, mais ça c'était il y a un mois. Voilà. Ça c'est une, une voilà. vraie surprise. Non, et puis l'autre sujet, enfin euh, l'autre gros sujet c'est c'est la, la, la position et c'est la situation de. Amélie oudéa qui Donc l'ancienne était... ministre de l'éducation qui vient d'être remerciée là. Alors en fait, elle était surtout euh, ministre en charge de l'organisation des Jeux Olympiques, ouais. et paralympiques, de des Sports, hein, auquel on a rajouté la casquette, il y a un mois, on lui a rajouté la casquette éducation. de l'éducation nationale et c'est parti en sucette dès le départ. Hein. Euh, ouais. C'était quand même assez formidable. On a, on a suivi ce feuilleton ici, effectivement. Et alors c'est le bon terme, c'est un feuilleton. Donc... <laughs> Tous les jours un épisode. Ah bah, bah, voilà. Tous les jours la boulette, donc, euh, pour donc, dire voilà. les choses. Et alors moi, j'ai lu plusieurs papiers sur ce sujet et ces papiers disaient qu'en gros, Gabriel Attal, très très tôt, demande au président Macron euh, la tête de la ministre en disant C'est pas possible, elle nous fait boulette sur boulette, faut la dégager. Et que le président Macron euh, refuse en fait Alors moi, j'ai pas. Ça euh, probablement, j'ai lu les mêmes infos, etc. J'ai pas d'infos de, de, de première main concernant le. le enfin, voilà, mais je, je pense que c'est effectivement c'est le, le, le bon scénario, je pense que c'est ce qui s'est ouais. passé. Euh, je ne suis pas dans le secret des dieux. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les, les, les députés de la majorité présidentielle, y compris Renaissance, ceux que je côtoie, que je rencontre, uhum. eux, me disent qu'en fait, ils n'en peuvent plus. Ils, ah. Eux étaient, étaient partisans qu'elle soit dégagée, mais complètement, en disant euh, ah. c'est plus possible. Totalement sorti du gouvernement. Enfin, voilà, eux se disaient que l'image qui était donnée, le, le, ce, ce feuilleton, justement, le développement de l'affaire, qui euh, progressivement. C est, c est, c est, à se transformer en, quasiment en affaire d'État ouais. euh, leur faisait beaucoup de tort et eux demandaient est-ce demandaient qu'elle qu s'en aille mais complètement et en fait ce qui est, ce qui est intéressant ou euh, un, des, un des effets waouh pour reprendre le terme que tu, ouais. tu utilisais tout à l'heure de, de, de ce remaniement hier soir c'est qu'en fait on assiste à un compromis euh, Amélie oudéa Castéra reste sur l'organisation sur les sports et elle revient de... sur son ancien ministère ouais, en ce qu'elle savait bien faire ouais. mais euh, Honnêtement, mmh. au, sein, au sein de la majorité, il y a quand même beaucoup de députés qui disaient ça suffit, il faut que, on peut se passer d'elle, y compris pour les Jeux Olympiques, il faut que ça s'arrête. Et donc, euh, donc j'imagine que le Premier ministre plaidait euh, en ce sens et que le Président plaidait pour la garder et que le compromis qui a été trouvé, c'est on prend quelqu'un d'autre à l'Éducation nationale et on la laisse aux, aux Jeux Olympiques. C'est ce qui s'est passé hier. Mmh. Bon, en tout cas, feuilleton ben, qui, qui s'achève là, mais effectivement, ben, les journaux, c'est intéressant aussi de, de, de souligner on a des journaux avec des propositions éditoriales différentes, mais ce matin, des journaux aussi différents que Libération, que Le Figaro, que Le Parisien, que West France disaient bon, ben ça a été long, euh, c'est pas très impressionnant. Et euh, pour reprendre les mots de Libé, euh, ce matin, c'est peut-être le signe, euh, un nouveau signe de l'essoufflement de l'exécutif. Euh, bah, ce qui est terrible, c'est qu'en en fait, il y avait l'effet waouh. Il a été au moment de la nomination de, de Gabriel Attal. C'est le seul plus jeune Premier ministre de la cinquième, ouais. Mais puis même de toutes les républiques. On n'a jamais eu un Premier ministre aussi jeune. Hein, donc 34 ans, c'était... Voilà. Le, 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 il arrive avec... Euh, euh, un volontarisme euh, très euh, très affirmé. On dans son discours de politique et oui, Il a envie, euh, il crée une dynamique, ouais. etc. Et puis là, il bah, y a une espèce d'essoufflement, le truc s'englue dans l'attente. Mmh. Et puis tout ça pour ça à l'arrivée, quoi. Ouais. Donc euh, donc euh, peut-être que cet effet qui a été, cette impression qui a été donnée ou cette impulsion qui a voulu être donnée au départ, elle a, elle a, elle a été sapée par par, par un mois d'une un, attente euh, incompréhensible. Mais en fait, il s'est passé la même chose en 2022 après l'élection du président de la République. Hein. Ouais. Euh, on a attendu un petit peu euh, le, 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 pour la nomination de la première ministre. Jean Castex est resté euh, et pas parti tout de suite. Elisabeth Borne est arrivée. On a attendu un peu longtemps, un peu trop longtemps euh, pour le, la nomination du gouvernement. Il y a une espèce de flottement. Et pendant ce temps-là, hop, les, les oppositions se sont organisées. Jean-Luc Mélenchon est arrivé en disant :« Votez pour moi euh, aux législatives, je serai premier ministre. » euh, Et le résultat, c'est que c'est que le la, la, la majorité présidentielle euh, a raté le coche. Enfin, je suis content de t'avoir là parce que moi j'ai eu le sentiment, mais je me, suis, je, 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 je me suis toujours dit tiens, un jour j'ai posé la question à un spécialiste de la vie politique dans notre pays, j'en profite que tu sois là. J'ai toujours eu l'impression que le président Macron euh, ne s'était pas investi dans la campagne pour les législatives, voilà, qu'une fois euh, réélu pour son deuxième mandat euh, à l'Élysée, euh, il y a eu un trou d'air, il y a clairement. eu un trou d'air, et ouais, qu'il ne ouais. s'était pas investi dans cette campagne, et que quelque part, le fait de ne pas avoir de majorité euh, absolue, donc, le permettre de gouverner derrière, euh, c'était un peu de sa faute. Euh, sa responsabilité. Si... Oui, moi je partage. Mmh. Bon, alors, de sa faute, je sais pas si on peut dire ça, mais oui, je pense que là il y, y a eu une erreur tactique. Et, je, je, et personne n'a compris en fait. En, en, en réalité, il euh, euh, y a vraiment eu un trou d'air. On sait, ne on sait, sait pas ni pourquoi, ni comment, quel est le, le fin mot de l'histoire, pourquoi il y a eu autant d'attermoiements. Et, euh, et, et là, euh, bah, deux ans après, euh, bis repetita. C'est-à-dire pour, pourquoi avoir attendu 30 jours à un gouvernement qui est quasiment l'identique de celui qui qui existait précédemment enfin je veux dire ça ça a pas de sens en plus euh, il y a le coup de sang de François Bayrou euh, mercredi soir euh, qui, euh, qui 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 achève de, de, de perturber l'exercice bon c'est c'est vraiment très particulier après en plus franchement euh, nous euh, on a fond dedans, on est passionné etc c'est pour nous c'est c'est essentiel parce que l'architecture du pouvoir conditionne plein de choses, etc. Mais je ne suis pas sûr que le grand public, que les gens se passionnent autant pour ce genre de choses. Et je suis pas. Enfin, voilà. Je crois qu'on est vraiment aussi très loin des préoccupations du quotidien. Bah, je suis tout à fait d'accord ouais. avec toi. Euh, là, je suis en train de montrer plusieurs interviews que tu as réalisées euh, récemment. Euh, cette semaine, oui. Ouais, cette semaine. Donc là, par exemple, tu as ici euh, une interview de François Ruffin. Qui sort un livre sur le mal-travail, ouais, ouais. qui est très intéressant. Comme, euh, et puis. Euh, J'en montre plusieurs. Il voilà, y a une, je crois, aussi sur euh, Anne Hidalgo. Voilà. Avec Cyril, on l'a fait à deux. Ouais. Ouais. On est allé voir Anne Hidalgo. c'était assez, qui assez... Est ici. Ouais, ouais. Voilà. Et il y en a une aussi. On l'a balayée euh, large, c'était intéressant. Qui, un, plein de qui est importante, qui est euh, de, de Xavier Bertrand. Oui, alors ça, bah, Xavier Bertrand, ça a fait, le... ça fait trois, fois, trois fois le tour de France et deux fois le tour de la planète. Voilà. Parce que, euh, donc, euh, Xavier Bertrand, donc, un grand entretien avec, euh, avec Xavier Bertrand et euh, au cours de Exclusivité ouest-france. Mais oui, mais c'est-à-dire que voilà, on est on balaye euh, on balaye plein de choses avec Xavier Bertrand, on l'a reçu dans nos locaux et tout, euh, très sympa, enfin voilà, on se parle et puis à un moment dans le dans le dans l'entretien, euh, Xavier Bertrand dit voilà, ce que je fais moi dans ma région des Hauts-de-France, et ce que je fais pour dans la région des Hauts-de-France, euh, je voudrais le faire pour la France. Moi, je rebondis en disant, bah, ça veut dire que vous allez à nouveau vous présenter euh, en 2027 J'en bah, ai bien l'intention, je me prépare, etc. En fait, il annonce sa candidature en bah, 2027 chez vous. Exactement. C'est ce qu'on appelle euh... un scoop. Ah, mais carrément. Hein ouais. carrément. Et donc, euh, et donc, à la fin du truc, il me dit, vous êtes le premier à qui je le dis, etc. Donc, euh, voilà. Bon, je ne sais pas. Si, je, sais pas dans... je pense que lui, il avait. Il l'avait en tête, il avait calculé le truc, mais moi, je ça, ça vient dans le fil de la conversation. Euh, c'est pas je, est pas là avant, quoi. Non, non, pas du tout. Et, euh, et, euh, et je lui pose la question parce que, parce que dans, ce, dans ce type de grand entretien, vous préparez vos questions, mais il faut aussi écouter votre interlocuteur. Bien et, sûr. Euh, et voilà, vous construisez le fil en fonction des réponses, etc. Et, et c'est venu comme ça, quoi. Je, moi, j'avais je, je m'imaginais pas qu'il nous ferait ce, ce type d'annonce. Euh, euh, à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il choisit un journal régional pour le faire. Enfin, Alors, un ça, journal... par contre, il l'a choisi. Et euh, donc, après, il me, il, me, il, me, il me le dit. Il me dit euh, voilà, euh, je sais quelle est votre puissance de tir, je sais qui vous êtes, je sais comment vous diffusez, etc. Et, je sais que... et, euh, et, euh, et il me dit aussi je sais que si j'avais choisi un autre euh, quotidien, un quotidien euh, national, que je ne vais pas citer, etc., qui est plutôt. Euh, qui, qui aurait été plus attendu et plus convenu, <laughs> je, je dis. Je, moi je, je sais, voilà. <laughs> je, je, je me on ne dira pas. <laughs> Mais en, en, si j'avais choisi un titre euh, plus attendu et plus convenu par rapport à mon profil, j'aurais pas eu la même, euh, j'aurais pas eu moins le même écho. écho. Et là, ça, ça y a eu plus de 300 reprises, papier, radio, etc., pendant 72 heures, et on continue à en parler. Donc, euh... Euh, moi moi Ça a tourné très fort. J'ai une question par rapport à ces interviews qu'on voit. Donc là, euh, interview très récente de Ruffin, euh, interview d'Anne Hidalgo, euh, interview de, de Xavier Bertrand. Et là, j'ai une question qui va arriver dans le chat. Vous savez, les gens devinent de quel journal on parlait. Là, ils sont très, <laughs> très forts. c'est. Euh, ouais, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. <laughs> c'est quelle est l'indépendance des journalistes français vis-à-vis -vis des politiques tu, tu connais comme moi le résultat de l'enquête annuelle de La Croix. Ah oui, sur le regard très forte des Français, voilà, sur ouais, les, jou ouais. les journalistes, les Français qui euh, sont défiants, sont méfiants ouais. et qui, dans leur majorité, estiment que les journalistes ne sont pas indépendants, ni vis-à-vis oui, -vis oui. des ouais, puissances économiques, ni ouais, des puissances politiques. Alors, sur ce soupçon de collusion, de, de proximité oui, oui, oui. entre les politiques et les journalistes politiques, toi, qu de quoi tu peux témoigner bah alors, moi, moi je ne vais pas parler pour les autres, mais moi, je peux parler pour moi. Moi, l'indépendance à moi, elle est totale, absolue, euh, entière. Je veux dire, personne ne tient ma plume. Je ne je, je fais pas de politique. Je suis affilié à aucun parti, etc. Et puis, euh, et voilà. Et en plus, euh, comme étant à Paris, on est une petite équipe. Donc, moi, le suivi, contrairement à mes collègues des rédactions euh, nationales, ou qui, qui ont des services politiques où ils sont 10, 15, 20, enfin, en général, ils se partagent le travail. Il y en a un qui suit. Euh, le Sénat, un autre qui suit l'Assemblée, certains, la la certains la gauche, la droite. droite, exactement la droite. Moi, je parle à tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Mon spectre, hein, ça va de Zemmour à Mélenchon, de Mélenchon à Zemmour. Je veux dire, je parle à tout le monde. Je suis le, le, le parlement, donc le Sénat, l'Assemblée, les ministres, le, les, les ministères, Matignon, l'Élysée. Je vais au Parlement est européen. C'est des gens bien remplis ça. Ouais, alors, le problème, hein? c'est qu'il qu 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 te reprendra ce mal-étreint. C'est difficile d'aller dans dans, dans, autant dans le fond que d'autres qui sont euh, vraiment spécialisés, etc. Mais l'avantage, moi, c'est que ça m'offre un spectre euh, hyper large. Ouais. Et, euh, et voilà. Et je ne roule pour personne. Et, que... per et personne me dit il faut que tu écrives ça, il ne faut pas que tu écrives ci. Enfin, je... Est-ce que, les, est que les, les, les politiques font pression C'est-à-dire, est-ce que certains politiques responsables élus font pression pour euh, en gros euh, que euh, faire passer des messages pour euh, en gros te dire, euh, ben moi j'aimerais que cette info là ce message soit dans l'article ou euh, euh, tu vois ce genre de choses est-ce que ah oui alors mais ça ça oui mais ça c'est normal tout en fait n'importe quel interlocuteur ça se concerne pas que les politiques euh, quand on fait un quand on fait un entretien etc quand on a un échange vous avez vos questions et puis euh, et puis, euh, et puis et la chacun essaie de faire passer un message en particulier, bah, quoi. Oui, ouais. oui, bah, plutôt chacun... positif pour, pour lui. Quoi. Ouais, voilà, mais j'ai je... envie, t... envie de te dire, chacun vend sa camelote, ouais, c'est normal. normal. Mais, euh, mais je veux dire, là où il y a indépendance et elle est totale, je veux dire, il y a, il y a une liberté absolue euh, du journaliste sur le, sur, le, sur le contenu. Je veux mm -hmm. dire, euh, moi, je ne suis pas obligé de me transformer en petit télégraphiste de mes interlocuteurs, quels qu'ils soient, ouais. donc voilà. Et ça, c'est un sujet qui est intéressant parce que moi, j'ai vécu une mésaventure assez prononcée l'année dernière. C'est que je ne sais pas si tu te souviens, mais il y, eu un, il y a eu un déjeuner de groupe qui a été organisé à l'Élysée au début oh, du mois oui. de janvier de l'année dernière, affaire très importante. Voilà, où, on peut en parler. Ah oui, on avait parlé. Où, 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 comment Emmanuel Macron avait reçu des éditorialistes à l'Élysée. Ouais. Il se trouve que j'en faisais partie ouais. et que cette affaire a pris des portes Proportion assez délirante, puisque ça a été présenté comme une espèce... D'abord comme un déjeuner secret, alors que ouais. c'était absolument pas secret, euh, et euh, qui visait à, euh, à euh, comment dire... Euh — Oui, faire passer, euh, faire passer des, 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 des messages. — euh, euh, Contrôler euh, des éditorialistes. — Pas du journalisme, mais de la com, en fait. C'est-à-dire, voilà, en gros, Macron ça. invite ses copains journalistes. Vous la, je vous l'ai résumé à l'extrême. — Ça a été présenté Macron comme ça. — Macron invite ses copains journalistes pour faire passer des, ce qu'on appelle des éléments de langage, des messages auprès euh, des, des citoyens. Donc, euh, donc certains ont, ont, ont présenté l'affaire comme ça. Et c'était pas ça ah ben bah moi je ne l'ai pas vécu comme ça. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que ce type de déjeuner est extrêmement courant. C'est une pratique qui est très ancienne dont on peut discuter, mais euh, en fait euh, les journalistes politiques et pas que politiques à Paris se réunissent en tout petits groupes pour organiser des déjeuners euh, avec, euh, alors moi dans ma spécialité avec des politiques, et donc euh, j'en fais très régulièrement euh, avec d'autres collègues et, et toutes sortes d'interlocuteurs et encore une fois toute la palette, toute la palette. Et, euh, ce, ce... Et alors dans la majorité des cas, euh, quand on invite un politique, c'est nous qui, qui réglons la note, on choisit le resto, c'est nous qui payons, okay. c'est pas le politique. Euh, L'exception, c'est pour le président de la République euh, ou pour d'autres ministres, etc. En général, c'est eux qui, ça se passe chez eux, entre guillemets, pour des raisons évidentes de sécurité. Hein parce qu'on aurait pu inviter le président de la République à déjeuner chez Flunch, mais je ne suis pas sûr que ça n'aurait voilà, ça pas forcément bien marché. Ça peut être compliqué. Euh, ça peut être compliqué en termes de logistique. Et, euh, et voilà, et ça se fait de manière très régulière. Et ce n'est pas parce que vous rencontrez un politique que vous allez régurgiter ce qu'il vous raconte. La, la, C'est mais... là où l'indépendance du journaliste. Elle était essentielle. Bah, évidemment, quoi. évidemment. Et, euh, et, euh, et la chose a moussé. Elle a été présentée comme une espèce de de, de déjeuner de déjeuner secret. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, je l'ai pas très bien vécu parce que je trouvais ça particulièrement injuste. En je fait, c'est bah, ton honnêteté de journaliste qui est accusée. Bah oui. Et puis enfin, et puis j'étais pas seul. J'étais oui. pas seul. J'étais pas le seul, le, le seul en cause. Mais ça, ça, ça a bien, ça a bien marché. Ça s'est bien développé. Ça a bien moussé, y compris parce que les parce que bah, c'était une bonne histoire et puis ça marche. C'est-à-dire que quand vous, avez, quand, quand vous développez ce genre, ce genre de truc, ça ça accroche. Enfin voilà donc. Euh, oui c'est a... l'histoire un peu la réunion secrète, c est c est le ça, complot. Ça, donc c'est l'histoire. Ça, ça. Et, et euh, polémique entretenue par certains confrères. Moi j'ai lu des notamment un édito d'une journaliste bon. <laughs> dans un grand journal. Peut-être que tu as lu le même qui vraiment insistait sur ce côté réunion secrète. Ce jour-là, moi, j'avais été, été assez intrigué par cet éditorial d'une journaliste qui alimentait l'aspect un peu complotiste de cette réunion, journaliste que je connaissais bien, que avec qui j'avais travaillé dans une radio. J'étais un peu surpris de cette... Je suis allé vérifier, puis après, je me suis rendu compte qu'effectivement, elle n'avait pas été invitée, elle, par exemple. Je me suis dit, mais alors, quelle est la part de. Euh, ouais, je ne sais pas, je ne rentrerai pas, pas là-dedans. Mais mais C'est-à-dire ouais. que parfois, la polémique, elle vient de, de, de nous-mêmes. Aussi, quoi. tout à fait. Ça s'appelle L'arroseur arrosé. Ah. Voilà. <laughs> mais euh, le... moi, j'en ai fait, euh, en réaction, j'en ai fait un, un livre un que, que j'ai appelé Déjeuner secret dans les coulisses de la réforme des retraites. Ah, de cette histoire, tu as ouais, fait un livre Oui, aux éditions OS France. Et en fait, c'est un exercice de transparence. C'est un récit. Euh, c'est pas un essai, etc. Mais dans lequel, en fait, je raconte une douzaine de déjeuners dans la même période avec d'autres hommes et femmes politiques de tous bords. Euh, et euh, et euh, voilà, c'est ça. Et, euh, et euh, comment. Le, le but du jeu, c'est de, 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 de donner à voir, de donner à voir aux, aux gens que ça intéresse. En fait, j'explique comment ça marche en disant écoutez, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, mais je dis si vous voulez savoir. Comment fonctionne ce type de déjeuner Qu'est-ce qui s'y dit Comment on les organise Avec qui Comment ça se passe Eh ben, je vous raconte. Et je, je raconte une série de déjeuners avec Gabriel Attal, avec Elisabeth Borne, avec François Bayrou, avec Olivier Fort, avec Marine thérèse Moi, Taubier, je trouve ça formidable parce que ce Coquerel. qui entretient la méfiance et la défiance, c'est de ne pas savoir comment on travaille. Et donc, ce que tu, ce que tu fais dans ce livre, bah, je trouve que c'est nécessaire et essentiel. Et peut-être que nous... On ne l'a pas fait assez journaliste journalistes jusqu'ici. Il faut montrer comment on travaille. Il faut qu'on ouvre les rédactions. C'est ça. Donc là, tu racontes les coulisses. Alors, le journal, le journal le, la rédaction est, est très ouverte. Je voyais, il y avait eu des questions, des gens qui réagissaient tout à l'heure en disant, ah, j'ai visité le, le journal ouais. quand j'étais petit, etc. Moi, je dis, retournez-y, parce qu'il y a eu des gros, gros travaux au journal. C'est impressionnant. On hein. a changé les machines il y a quelques années, etc. Alors, il faut savoir que les visites du, du journal, elles sont ouvertes à tous. C'est gratuit. Et euh, le, le West France, c'est un des un des premiers sites visités euh, euh, en Ille-et-Vilaine après le barrage de la Rance. Et, c et pour le coup, c'est impressionnant. Moi, et il suffit de téléphoner, vous demander, vous réservez. Pour m'y être vous rendu dire, récemment, c'est intéressant. intéressant. C'est un plateau ouais. incroyable. C est, c est, en fait, c'est vous savez, dans les, dans, les films, euh, dans les films américains, on voit des grandes rédactions en open space un petit peu qui symbolisent les grandes rédactions. Euh, dans un film comme Spider-Man, par exemple, quand vous voyez la rédaction du, du journal dans, dans Spider-Man, c'est des grandes rédactions comme ça. En fait, ça ressemble à ça, c'est assez impressionnant. Vous êtes plusieurs, très nombreux depuis tout à l'heure à me parler de Robert Badinter dans le chat. Je ne comprenais pas pourquoi. Je ne voyais pas le lien avec nos échanges. Je viens de comprendre, parce qu'en fait, on a appris euh, la mort de Robert Badinter. Ah ouais, ah oui. Voilà. Et donc, euh, bah, regardez, là, je suis... Euh, ah sur ouais, euh, ouais, sur ouais. l'article de Ouest France. Ah, bah je, ouais. je bah bah la ouais. prends. C'est tombé il y a quelques minutes, hein, puisque euh, c'est le chat qui nous l'a donné. Euh, Robert Boninter, donc, dont on se souviendra notamment du fait que c'est lui, hein, qui, euh, grâce à lui, qu'on qu supprime euh, la, la peine de mort euh, sous le, au début du premier euh, mandat de François Mitterrand. et hein, mmh. eh bien, euh, ce combattant acharné contre la peine de mort, comme le dit euh, Ouest euh, France ici dans ce journal qui a, qui a <laughs> été mis en ligne à 11h36, vous voyez il euh, y, euh, y a quelques minutes, décédé à l'âge de 95 ans. Voilà. Eh oui, tu, ouais, as, je... toi, tu avais eu l'occasion de le rencontrer oui, 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 moi je l'avais rencontré, j'étais allé le voir chez lui euh, il, y a, il y a quelques années. On avait fait un supplément sur l'histoire du, du journal et il se trouve que la peine de mort, c'était un grand combat de, de, de Wesseau-France dans les années 80 en fait. Hein, donc le journal a milité pour l'abolition de la peine de mort. Euh, à euh, une époque où c'était pas, c'était pas évident. Ça a été un voilà. combat sociétal énorme. Et euh, et, euh, et c'est un combat qu'on avait mené, euh, que le journal avait mené euh, avec euh, avec Robert Banater Donc j'étais j'étais allé le voir, j'avais eu la chance de pouvoir le rencontrer à ce moment-là. Il nous avait raconté les liens privilégiés qu'il avait, qu unissait au journal. Et, euh, et il était revenu sur ce sur cette période euh, cruciale de de, 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 de de sa vie. Et puis et puis le, le, le cet engagement partagé quoi. Donc, Hein ah ouais, bah ouais. Il y a une question un peu de, de coulisses mais qui est intéressante, la question de Bachi Brozouk le collant. Question est-ce que euh, ces articles comme ceux-ci, c'est euh, des articles préparés à l'avance en cas de décès ou pas Oui, pour partie, euh, pour les grandes personnalités de ce monde, françaises ou étrangères, quand, notamment quand ces personnes euh, vieillissent. Et où sont malades, fait. en fait, mmh. les rédactions préparent ce qu'on appelle des nécros, des nécrologies, Tout à fait. qui sont des articles qui en fait, reviennent sur fait. la vie de la personne, voilà, qu'on va ressortir bah, quand, euh, hélas, la personne disparaît, et qu'on va actualiser. Tout à fait. Voilà. On le sait parce que parfois, pas souvent, il y a des petites erreurs de manip. Et dans l'histoire du journalisme en France et à l'étranger, parfois, il y a des médias qui ont publié par erreur des nécrologies de gens qui n'étaient pas morts. <laughs> Alors, j'ai une, une anecdote. <laughs> <laughs> J'ai deux anecdotes à ce propos-là. J'en ai, ai une concernant Ouest France. C'est une, une anecdote qui date, euh, qui, qui date des années euh, 80-90, je pense. Enfin, C'est très ancien. On avait euh, euh, annoncé dans le journal euh, la mort d'un grand-mère de l'Ouest. Ouais. Euh, par erreur. Donc, le gamin, il téléphone en disant bah, écoutez, je oui, vous remercie. Je ne euh, suis pas mort, quoi. Mais je ne suis pas mort. Ouais. Euh, pour, il, était plutôt, il était plutôt content de voir ce qu'on écrivait <laughs> sur lui parce que c'était assez. <laughs> Donc voilà, mais c'est euh, un accident industriel. C'est rarissime, mais ça nous est arrivé. Et sorti dans le papier. Là. Et la blague, c'est que la, cette, ce, cet article avait été, été pré, avait été préparé par un de nos stagiaires d'été, qui n'y est absolument pour rien. Lui, il avait, laissé, il avait, il avait fait ce qu'on lui avait demandé. il, avait préparé, ah, il fait la nécro, quoi. Il avait préparé des nécrologies oui. en avance, oui. ce que tu viens de décrire. Je et puis il était reparti pour suivre ses études. Il se trouve que ce stagiaire d'été est un monsieur qui s'appelle David Pujadas. C'est pas de sa faute. Ah non, c'est pas de sa faute. Mais c'est resté. Bon, ça l'a pas empêché de faire carrière. Bon, il y a prescription. Non, mais puis en plus, c'est pour rien. C'est pas lui qui a décidé de publier le papier. C'est nous et on n'a jamais compris comment on avait. Donc un nécro était signé. Alors je sais pas s'il était signé, etc. Mais c'est un truc qui est resté célèbre en interne. Voilà, c'est. Et il y a une autre histoire qui est beaucoup plus récente, je ne sais pas si tu as remarqué, je sais pas si tu as vu, mais c'était euh, au moment de la mort d'Henri Kissinger, Le Monde a sorti une, une grande biographie d'Henri Kissinger. Et la biographie était co-signée par deux journalistes, et il était précisé, donc le, un des deux euh, journalistes, si je me souviens bien, un des deux signataires s'appelle Pierre Henry, et Le Monde avait précisé, euh, Pierre Henry était correspondant du journal Le Monde euh, euh, au, à Washington, euh, dans les années euh, 60 70 hein? etc il a terminé sa carrière et il est décédé en 94 Ah. 94 et c'est dire le ça veut dire que il avait ils avaient préparé la nécrologie de Ricky Singer qui est mort au- delà de il avait, il avait plus de 100 ans très longtemps on va très longtemps à l'avance et donc le deuxième signataire a réactualisé la, qui était toujours vivant micro mais ils ont eu l'honnêteté <laughs> de, de signer de, de, de voilà mais euh, c'est génial euh, en fait, le, le, la personnalité a vécu plus longtemps que l'auteur de la, de la nécrologie. C'est ça. En fait. C'est ça. <laughs> voilà. ça. Donc voilà, oui, pour répondre à ta question, c'est écrit en, en avance. Euh, pas pour tout le monde. Hein. Il faut que la personne soit, euh, voilà, soit bah, voilà, importante à, à, à un degré ou à un autre et qu'on et qu 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 pense qu'effectivement, ben, euh, potentiellement, sa fin de vie peut a, a, a intervenir euh, assez euh, rapidement. Donc quand on a une personnalité importante de ce monde qui est malade, par exemple ou qui vieillit, eh il y a des nécros qui se préparent un peu partout, quoi. Voilà. Oui, oui, mais dans les grands le médias. Pratique, euh... Dans les grands médias, voilà. Euh... C'est une pratique courante. Donc celle de Samuel est déjà écrite. Bah, par exemple, non, Bébou de la mienne n'est pas écrite parce que je ne suis ni important, oui. ni malade. Tu pas l'âge. <laughs> <laughs> euh... Donc voilà, bah, vous voyez, là, sur le site de West France, il y avait déjà un article, effectivement, sur la mort de, de Robert Baninter et notamment l'évocation. Merci Cyril. C'était un plaisir. Hein. Cyril euh... nous dit au revoir, ouais. Cyril qui était avec nous... Euh... Tout À l'heure, euh, hop, je reviens à notre invité. Donc, l'info sur la, la mort de Robert Banater, euh, vous l'avez ici. On est pour répondre là pour répondre à vos questions. Et dans les questions tout à l'heure, tu sais, quand on parlait de l'indépendance des journalistes, journalistes politique, notamment, il y a des politiques. Quelqu'un disait une chose, Mais là, qui te paye oui. mais La question du financement capitalistique elle est essentielle. Vous avez raison. Qui paye le journaliste Parce que le soupçon de l'indépendance il vient d'abord de là. Bah, tout à l'heure, on l'a vu avec Cyril. Euh, la part des subventions publiques dans le, dans le, à Ouest-France, bon, oui. elle est de 0,02 centimes pour, elle est très faible. pour un journal. Donc mmh. on a vu qu'elle était très très faible. Bon, ça elle dit... est très faible et surtout on l'utilise pour faire en sorte de, 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 de ne pas avoir augmenté le prix du journal en fait. Donc on, a... est, on est quotidiennement quotidien le moins cher de Il France. Ça. Il y a de la publicité. À 35 par jour. Il y a de la publicité, voilà. Mais normalement quand le média est bien fait, la régie publicitaire est totalement séparée du rédactionnel. Un journaliste digne oui, de ce nom n'acceptera jamais d'écrire un papier parce que un annonceur du média l'a demandé si un jour euh, un média fait ça c'est la négation du journalisme. Euh, il y a une célèbre chaîne de télévision française dont la société des journalistes par charité chrétienne je ne vais pas la nommer euh, il y a quelques années à plusieurs reprises a dénoncé le fait qu'on on leur demandait de faire des reportages sur telle ou telle marque parce que telle ou telle marque était un annonceur important de la dite chaîne où ça existe ça existe il faut pas se, se hein. mais ça, normalement ça ne doit pas exister donc séparation entre la régie pub et le rédactionnel une part de financement public qui pour West France par exemple est très 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 faible contrairement à certaines idées reçues bah, sinon qui paye bah, c'est vous en fait c'est le lectorat et en fait s'il n'y a pas de gens qui a, qui, a, qui, a, qui achètent le journal il n'y a pas de journalistes salariés il n'y a pas de journal c'est aussi simple que bah, ça oui oui tout ah, à fait voilà mmh. bah, donc, euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire parce que euh, une, 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 un pays où il n'y a pas de lecteurs de journaux, bah c'est un, un, un pays sans journaux et quelque part c'est une démocratie qui s'affaiblit aussi. Parce que si vous n'avez pas des infos diverses venant de sources multiples et indépendantes, il y a aussi le propriétaire du journal. Oui, parfois le propriétaire du journal met de l'argent aussi. Oui, c'est vrai aussi. Mais ce n'est pas notre cas, puisque le journal appartient à une association, à une association. de 1901. On vous en a parlé tout à l'heure. Là, pour le coup, il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas de, de milliardaire à West France. Mais l'exemple de West France nous incite, doit nous inciter à nous poser la question pour chaque média. Moi, les, le discours, les médias français appartiennent à des milliardaires, il me gêne et il ne me gêne pas. Il ne me gêne pas parce que, pour en partie, c'est vrai. Vous avez des médias importants de premier plan qui appartiennent à des milliardaires. Après, la question est de savoir comment se comportent ces. Actionnaires par rapport à l'indépendance du journal. Et puis il y a d'autres cas de figure. Vous avez du, du, du service public, vous avez des journaux comme Ouest France qui ne peuvent pas être possédés par un milliardaire puisque leur statut l'empêche tout à fait. Et, euh, comme le dit euh, nos amis de Ouest France dans le chat, nous sommes indépendants. Et en fait, c'est vraiment un travail que vous devez faire, vous lecteurs et citoyens. À un moment, il faut bosser aussi un minimum. Plutôt que de dire comme ça des choses qui s'appliquent de façon générale et pas toujours très fine à tout, allez vous intéresser. Euh, euh, au cas particulier de chaque média. Il y a des médias qui dépendent euh, que de leurs lecteurs, qui ont zéro pub. Voilà, il y en a quelques-uns, euh, en print ou sur Internet. Vous avez des médias qui sont publics et dont la part de financement privé est très faible. Il n'y a pas de milliardaires parce que de toute façon, la, la propriété est publique. Vous avez euh, des, des médias qui sont possédés par des milliardaires, par des groupes importants, mais qui ont une vraie indépendance parce que leur structure éditoriale euh, s'est construite de manière à protéger la rédaction. Et vous avez. D'autres médias où les propriétaires parfois peuvent être très intrusifs, très présents. Dans l'actualité récente, on a des exemples de lignes éditoriales qui sont euh, contrôlées d'assez près par le propriétaire. Donc, pas d'idée de reçu, pas de généralité, à vous de, 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 de faire ce petit boulot. Euh, Est-ce que vous avez des questions euh, à euh, Stéphane C'est vous. Et si les patrons, c'est vous je vois passer pas mal de trucs. N'hésite pas à parler si tu as une en question. En fait, ah. euh, je voyais quelqu'un qui disait « Oui, Ouest France ça appartient au groupe Sipa Ouest France. » Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est l'ensemble du groupe Sipa Ouest France qui appartient à l'association. Oui, l'association contrôle 99,9% de l'ensemble du groupe Sipa Ouest France. Et donc, dans le groupe Sipa Ouest France, il y a Ouest France, mais il y a d'autres journaux. Il y a le Monde le, le Libre, le Courrier de l'Ouest... Euh, il, y a, il y a un ensemble de, de radios, euh, il, il y a aussi le premier groupe d'hebdomadaires de, de, de France, publié hebdo, où il y, a, il y a plus de 90 titres sur l'ensemble du, du, du territoire. Donc c'est un très grand groupe, mais c'est tout le groupe qui appartient à une association de 1901. Euh, Quelqu'un demandait qui a créé cette association. Ben en fait, elle a été, ça a été dit par Cyril tout à l'heure, elle a été créée dans les années 90. Euh, par euh, par euh, par notre patron euh, à l'époque c'était sa volonté à lui François Régis François Lutin. Lutin, hein. et euh, et, euh, et en fait pourquoi parce qu'il avait il avait peur d'une prise de contrôle extérieure ah oui il ça? avait peur d'une opa hostile ah, c'était l'époque où vous aviez un certain nombre d'opérateurs en fait qui rachetaient des, des journaux de presse quotidienne régionale et qui les qui les, les démantelaient en ouais. fait et qui les revendaient par, par appartement en fait donc euh, donc l'idée c'était de c'était d'échapper une, une prise de contrôle et de, de, de garder son indépendance mais tout le monde parle de l'indépendance de la presse mais en fait euh, le West france c'est vraiment l'archétype le, 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 du groupe de presse qui est totalement indépendant à la fois des, des puissances politiques et de l'argent etc enfin je veux dire c'est un c'est un, un, un montage unique, c'est assez, assez exceptionnel. Euh... J'aime bien cette question. Euh, si tu devais, euh, imaginons que tu sois président de la République, euh, tu bascules de l'autre côté. Tu <laughs> non, moi, 2000... de... Imaginons, quelles mesures tu prendrais pour améliorer euh, la presse et l'information de façon globale, ce serait laquelle Moi, je, je reformule la question. Il y, a, il y a, pour une partie de la population française, une défiance, une méfiance vis-à-vis -vis des médias et de nos journalistes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour améliorer cette relation, cette image Qu'est-ce qu'on peut faire Déjà, moi, je, bon, ce qu'on essaie de faire ouais. ici, ben oui, c'est un élément de réponse. Moi, je pense que c'est un, d'abord une première chose, c'est d'en de, parler librement, effectivement, de montrer comment on travaille, de montrer qui on est, comment ça se passe. Je, je comprends qu'il y ait une espèce de grand fantasme sur euh, euh, cette espèce. Il y a beaucoup de gens qui voient, qui voient l'ensemble le, le, des, des, des médias ou des rédactions comme une, des espèces de, de grosses boîtes noires où il ouais. se passerait des choses euh, secrètes et assez peu avouables. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Ce qui est marrant, enfin, est, non, d'ailleurs, c'est pas marrant du tout, mais euh, il y a cette espèce de, de mythe qui consisterait à dire qu'en fait, le, les réseaux sociaux, comme c'est la liberté, il y a une, une espèce de liberté totale d'expression, d'échange, etc., serait bien plus fiable que ces rédactions tout, sous, sous contrôle. La vérité, c'est que c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que euh, si, les gens qui pratiquent ce métier, qui connaissent le, les médias, ou les, les, ils savent comment ils fonctionnent, sont, de, sont dedans savent pertinemment que euh, vous ne faites pas faire n'importe quoi à une rédaction. Une rédaction, c'est un groupe de journalistes. Les gens se parlent, travaillent ensemble, etc. Et il y a un certain nombre de lignes rouges que vous ne que vous passez pas. Chez nous, elles sont très bien définies, puisqu'on euh, a non seulement cette indépendance, mais on a un certain nombre de chartes, etc., un certain nombre de principes qu'on a édictés euh, et qu'on a rédigés collectivement en, en toute transparence. Ça a été évoqué par... Par, par Cyril tout à l'heure, sur, sur l'environnement, sur le traitement des faits divers, sur la traçabilité de l'info, sur, sur la place des femmes dans le journal, etc. Enfin, on a des engagements très forts, donc on a un cadre qui est, qui est, qui est fort, et il n'y a, y a pas de... Y a, y a pas de... Si on a un qui, qui franchit la ligne rouge, qui fait faire une bêtise, qui prend, je dis n'importe quoi, hein, mais qui voudrait prendre un chèque, etc., ouais. ou, ou faire de la, de la com, ou de la propagande, ou... Ou, ou vendre ses services entre guillemets comme ça a pu arriver dans d'autres rédactions il, il, il sera repéré euh, et il, il sera sorti du jeu par les collègues mais par le collectif par les confrères par le collectif sur les réseaux sociaux ce collectif là il n'existe pas comment vous faites pour 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 voir qui avance avec un fné qui est un troll qui bosse pour les russes qui est payé par qui est qui, les influenceurs qui sont qui sont payés par telle marque de cosmétiques ou de ou de bagnoles ou je sais pas quoi enfin c'est et c'est l'inverse. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que du coup, on a l'impression qu'en fait, ce formidable espace de liberté que constituent les réseaux sociaux serait parfaitement fiable, alors qu'il y a une espèce de défiance naturelle qui s'est montée vis-à-vis -vis des rédactions. Les rédactions, elles, et les titres de presse ont des garanties par rapport à la, par rapport à la, à la, à la qualité de l'info, à la traçabilité de l'info, à la sincérité, parce qu'il y a un contrôle collectif. Qui n'existe pas sur les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est tout l'inverse. Et comment changer, ce, comment changer cette image-là, comment réparer ça Ben je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il on voit bien qu'il y a une puissance de feu des réseaux, des réseaux sociaux qui construit une, une espèce de perception collective qu'on qu a, qu a beaucoup de mal, nous euh, euh, journalistes, à, à corriger. Quoi. Après, il y a une espèce de biais. On je, va voir je, dans, dans le détail de l'enquête de, de la Croix là, par exemple. On voit que les Français sont aussi dans leur majorité. Hein. Euh, très méfiant aussi vis-à-vis -vis de l'info sur Internet, enfin l'info sur les réseaux sociaux, euh, encore plus que l'info qui vient des, des médias traditionnels. Donc ils ne sont pas complètement euh, euh, dupes euh, non plus, mais c'est plus sur notre travail à nous peut-être qu'on a un travail de transparence, de montrer comment on travaille pour que les gens se rendent compte que on n'est pas euh, à l'abri d'erreurs c'est un travail ah oui, humain vrai, émission, et hein. on se et on se trompe et parfois on publie les, bio les, les, les biographies de gens qui sont pas morts et, euh, et on fait des erreurs c'est un travail humain et parfois on travaille trop vite et plein de choses oui enfin ça ça arrive une fois ah. ça arrive une fois en 70 ans oui. donc, mais pas je pas veux dire mais, mais la démarche derrière c'est une démarche d'honnêteté quoi alors c'est pas une, une démarche toujours euh, de où on se trompe jamais mais il y a une démarche d'honnêteté. Et encore une fois, il y, a le, il y a un mot que tu viens de prononcer qui est traçabilité, que je trouve très important. Mmh. Euh, C'est une info traçable. C'est-à-dire qu'en bas de, ou en haut de l'article de Stéphane, euh, il y a son nom. Voilà. Euh, ici, Stéphane Vernet. Vous savez que les infos écrites ici sont décrites par Stéphane Vernet. Vous pouvez l'interpeller, vous pouvez l'engueuler, vous pouvez le poursuivre oui, arrive, en justice, oui. même si vraiment tout ça ne fait. va pas du tout. Ouais. Et euh, si Stéphane Vernet ne répond pas à vos messages, vous pouvez euh, vous en prendre à son journal. La traçabilité de l'info, c'est ça. Au moins, vous savez d'où vient l'info. Et, et vous pouvez, si vous la critiquez, vous savez euh, où la critiquer et comment la critiquer. Alors que sur la plupart des, des infos qui, qui popent sur les réseaux sociaux, euh, et, et bien, bah, vous, vous ne savez pas dans quelles conditions ce travail d'information a été fait. Si la personne est seule, mmh. si le travail de cette personne a été relu, corrigé par des confrères, mmh. par des collègues pour vérifier les infos, voilà. Alors qu'en rédaction, on le fait tout le temps. Mmh. L'article d'un journal dans un, dans, à West france ou ailleurs, il va être lu, il va être, un... être relu. Tout pas... ce qu'on publie et que ce soit dans, sur, sur le papier ou dans l'univers numérique, tout fait l'objet euh, à minima de deux lectures. Enfin, voilà. voilà, il y a une relecture, correction éventuelle, etc. Donc euh... Euh, par, par, par un, un, un poste particulier qui est celui du secrétaire d'édition. Ouais. Donc, tout est relu. Et euh, ce qui permet de, de corriger les, les fautes d'orthographe. Enfin, on laisse passer quelques-unes, mais, Parfois, mais il aussi d'intervenir bah, sur oui. le contenu en disant, ah, bah, là, c'est pas compréhensible ou il y a un problème. Donc, euh... quand, quand Samuel Etienne vous dit un truc sur, sur Twitter ou ailleurs, qui l'a relu, Samuel Etienne Personne. Donc, donc euh, que, quel crédit on peut lui... A, lui a... Juste la parole de Samuel Etienne. Dans, dans, dans le cadre d'une rédaction, tra le travail est beaucoup plus... Euh encadrer et euh, vérifier. Il euh, y a plusieurs remarques. Je sais pas si tu veux te prononcer là-dessus. De gens ici qui estiment que le modèle des chaînes d'infos continue à abîmer euh, l'image du, du journalisme. Euh, C'est quelque chose qui revient beaucoup. Je sais pas si ce que tu en penses. Ouais. Alors moi je veux pas. Je veux pas, conf, je veux pas critiquer les confrères. Et puis euh, mais. Enfin. Euh, alors ce que, ce que je peux dire sur ce mais sujet. La, toi, la, la course à la vitesse quoi. Ouais. Alors. D'abord, il faut quand même réaliser que dans notre pays, il y a un nombre délirant de chaînes d'information en continu. Parce que quand on parle de chaînes d'infos en continu, les gens pensent à celles qui sont les plus connues, ouais. c'est-à-dire euh, BFM, BFM, CNews, LCI, et, euh, France et Info. LCI, mais il y a France Info ouais. aussi. Il y a France 24. Il euh, y a France 24, il y a TV5 Monde, il euh, y a Public Sénat, LCP. Et, et, enfin, et. Donc ça, ça, fait quand même, ça fait quand même beaucoup de gens qui, euh, qui traitent de l'information. Euh, euh, alors, plus ou moins en direct, plus ou moins en continu, mais c'est vrai qu'il y a une course à l'échalote entre les, les trois chaînes de, de tête, mais qui est très intéressante. Et alors, enfin, juste un mot euh, BFM fait la course en tête depuis très longtemps, avec des moyens et une spécialité qui est celle du direct. Dès qu'il se passe quelque chose, priorité donc, au direct. Priorité oui. au direct. Voilà. Donc, ils ont des journalistes qui sont très mobiles, qui peuvent aller sur le terrain, etc., qui prennent le micro, qui racontent, oui. priorité au direct. On a le sentiment qu'on va avoir l'info euh, là-bas avant euh, de l'avoir sur les autres médias. C'est ce ce la faut, promesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces news en fait, euh, pour faire concurrence à BFM, la concurrence à l'audience, parce que c'est ça le, le, la problématique, c'est qui aura le plus d'audience pour avoir la pub, pour avoir, enfin, ouais, il y a de gros enjeux. CNews, pour pouvoir faire jeu égal avec BFM, euh, ils se sont dit nous, on n'a pas les moyens, on n'a pas autant de journalistes, oui. on ne sait pas faire. Et donc, ils ont choisi un autre, ils ont, ils ont pris un autre parti pris. Qui est celui de faire une chaîne, euh, de, avec des, une chaîne sans journalistes. J'explique. Le modèle de CNews, c'est de créer voilà. du débat, du talk show, et de faire de la. Ils invitent des polémistes. Ils ont énormément de polémistes, donc des gens qui vont commenter l'actualité. En, en plateau. En, en plateau, ouais. en direct. Notamment parce que ça coûte moins cher. Parce qu'en ben gros, ça. ces gens, souvent, ne sont euh, pas payés et pas défrayés. Et, et mettre quatre personnes autour d'un plateau pour commenter l'actualité euh, avec divers avis, et ben, euh, ça coûte beaucoup moins cher que d'envoyer des journalistes sur le terrain, en France ou à l'étranger. C'est ça. Et ça marche très bien. Ils le font très bien. Ça crie très fort, etc. On est dans le clash, le spectaculaire, etc. L'outrance quand il faut. Et, et donc, vous avez, ça a permis à, en fait, à CNews de grignoter des parts de marché et de se rapprocher de, de BFM. Et puis vous avez euh, LCI qui se retrouvait entre le marteau et l'enclume en disant mais nous on va si on ne trouve pas une, un moyen de se différencier et de se développer autrement, on va se faire écraser. Bien sûr. Euh, entre ces deux, ces, deux, ces deux, là qui sont en train de se, se tirer la bourre, euh, comment on fait pour pour, pour exister Et donc le parti pris de LCI ça a été de dire nous on va se spécialiser sur l'international notamment. Sur. L'Ukraine, l'Ukraine, ouais. l'Ukraine, l'Ukraine. Depuis le 7 octobre, euh, Israël, Gaza, etc. Voilà. Et un peu, un coup, un, coup, un coup Ukraine, etc. Et donc, ces trois chaînes se sont euh, spécialisées chacune dans leur genre, mais parce qu'elles sont en concurrence euh, directe et en fait, elles impriment des tonalités et des contenus qui effectivement sont, sont très forts. Il y a, il y a une marque euh, très forte et euh, et euh, je ne dirais pas qu'elles ont abîmé le paysage médiatique, mais, euh, mais elles l'ont elles l'ont coloré, elles l'ont teinté d'une certaine manière. Okay. Ça, c'est clair. Et si, et si on consomme l'info ben, que par une de ces chaînes, on va avoir... Un prisme de l'actualité, moi c'est ce que je vous incite à faire. Pour moi, il n'y a pas de mauvais média en soi en France, euh, mais ce qu'on doit faire, nous en tant que consommateurs d'infos, c'est de, de changer de source régulièrement pour pas regarder toujours les mêmes choses et pas s'informer dans une bulle. Euh, un mot sur France Info, qui est la dernière année des chaînes d'infos en France, qui dans cette équation a une mission qui n'est pas facile parce que, effectivement, il y, y a BFM qui, est, qui, a, qui a longtemps été archi dominante avec cette notion de priorité au direct. Il y a CNews qui s'est inventé ce modèle de chaîne. Qui est quasiment plus une chaîne d'info, qui est plutôt une chaîne d'opinion bon, hein, aujourd'hui, avec le succès que l'on sait. Il y a LCI qui a réussi à, à trouver ce créneau très international, très guerre en Ukraine notamment. Et France Info, qui justement, jusqu'ici, n'a pas voulu choisir. Et a voulu répondre à l'ADN d'une chaîne d'infos, c'est-à-dire ben, donner toutes les infos les plus importantes euh, voilà, en y apportant un peu de lumière. À un moment, euh, s'est retrouvé dans cette situation où il était compliqué de, de s'inventer une ligne éditoriale mmh, mmh. euh, très, très nouvelle par rapport à tout ce qui avait été créé euh, jusque-là. Sinon, à copier ce que faisaient les autres, et quand on copie en général, on mmh, fait moins bien. Mmh. Mission difficile pour France Info, je connais bien parce que j'y ai travaillé sept euh, ans. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis en tout cas, je remercie les, les amis de West France qui sont dans le chat parce que je vois que ça débat et ça répond euh, à toutes les questions. Il y avait une question sur les faits divers, par exemple, de West France tout à l'heure. Mmh. Et il y a eu un débat très intéressant avec euh, les amis de West France là-dessus. Peut-être qu'on pourrait avoir un mot sur le... Il y a, y a un, un sujet qui revient souvent, c'est celui de l'info positive. Ouais. Parce qu'on parle de faits divers, etc. C'est, mais pourquoi est-ce que vous passez votre temps à parler de, de, de faits de divers, drame, de spectaculaires, ouais. etc.? Euh, euh, et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas euh, des, 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 des journaux ou des infos avec que des infos positives Que des bonnes donc, nouvelles. Voilà, il existe le média positif, par exemple. Enfin bon, bref. Euh, C'est intéressant. Sauf que quand vous lisez un journal comme Ouest France, euh, vous avez une part très importante, mais quasi dominante sur l'ensemble de nos pages et de nos contenus, qui concerne des initiatives locales de proximité, ouais. positives, solidaires. Euh, innovante. Enfin, on ne parle pas que des trains qui arrivent en retard ou que des accidents mortels. Bien au contraire. Je veux dire, il y a un, il y a un grand équilibre. Le, le problème, c'est que on a, tous un, on a tous nos propres biais. Euh, quand on demande aux gens qui ont lu le journal du jour ce qu'ils ont retenu, ils vont d'abord vous parler du, du train qui a déraillé, de l'avion qui est tombé. Euh, euh, de du, du, du plan social euh, euh, dans, dans le vide à côté ça. alors qu'ils ont vu aussi ils ont eu aussi le reste donc on a no notre, notre regard est naturellement attiré par ce type d'infos et on va avoir tendance à retenir une musique un bruit de fond une, une impression générale qui consiste à dire il se passe que des choses déprimantes dans le monde ou alors les journalistes il y en a marre ils nous parlent que des choses qui ne vont pas bien en fait non on parle, nous on parle de tout mais y a ce, on a tous ce biais-là qui fait qu'on va se concentrer, euh, concentrer là-dessus. Ce, ce que tu disais juste, parce que moi, ce matin, en lisant l'Ouest France, euh, en intégralité euh, ce matin, euh, je vous mets le, le West France euh, du jour. Donc, euh, j'ai vu des pages euh, info-monde, euh, France, euh, Europe, politique. Euh, là, on est sur la région Bretagne. On est déjà page 9. Voilà. Euh, là, on a des, des, nou des nouvelles fortes. Hein. Il se bat pour sa ouais, femme ça atteinte d'Alzheimer précoce, papier, par exemple. Ça, ouais. Alors on parle d'éducation. Voilà. Et à un moment, tu vois, je, suis, je suis page 11, je n'ai toujours pas de faits divers. Et à un moment, je suis tombé sur des faits divers. Quelques brèves de faits divers. Et effectivement, mon regard a aussitôt été attiré. Euh, C'est humain, euh, voilà. Voilà. Et donc je continue, je ne suis toujours pas. Un, mais je vais les trouver et, et je sais que j'ai passé du temps sur ces nouvelles de faits divers, euh, qui pourtant ne mais représentent oui. qu'une part assez réduite du journal, parce que bah, mon cerveau d'humain a été attiré par un crime, par de, des dégradations. Tu vois, je mais les oui. cherche toujours, mais à un moment je vais tomber dessus. Tu ne sais plus où elles sont. Alors ils sont, ils sont, ils sont plus, ils sont plus, 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 avant ils sont, plus. Je ai ouais, ratés, ça. tu vois. Bah, comme Là, à la fin du journal, non, mais, ils sont, sont plus au départ. Comme, euh, comme quoi, euh, en termes de d'importance dans le journal. Non, bah non, oui. Notamment dans les locaux, il faut aller chercher dans les locaux. Ah, bah, bah, on va les Rennes. trouver, on les cherche. Ah, la Bretagne ah. en bref. Voilà. Ah, c'est ça. Alors, ouais, allez, allez, je, suis pas, je, je suis passé dessus tellement. Euh, voilà. Effectivement, la page 6 J'ai un, deux, j'ai trois faits divers. Viola Quimper, un homme de 26 ans en garde à vue. Euh, J'ai une bombe, et encore là, ce pas des faits divers crapuleux, hein, une bombe mise au jour sur la base navale de Brest. Après Lorient, le dépôt pétrolier de Brest a été bloqué hier. Et puis si je poursuis un petit peu dans le en journal, local, dans les le, pages local locales, oui, j'en ai trouvé. Voilà. En, euh, en pleine nuit, il volait des voitures devant les maisons. Bon, c'est des gars, en fait. Ils il cherchaient des maisons qui n'étaient pas fermées à clé. Ils trouvaient des clés de voiture dans l'entrée d'après l'article j'apprends qu'il y a plein de gens qui ferment pas leur maison la nuit par exemple donc c'est des toutes petites brèves et pourtant je les ai lues oui, et là on a les deux sœurs qui avaient agressé une élue c'est un contre-rendu de justice ah oui, exactement euh... et en fait c'est une toute petite part du journal et pourtant mon cerveau ce matin est allé dessus mais oui mais c'est humain <laughs> et, euh, et pour terminer sur ce sujet là on a, on a eu des expériences de journaux qui disaient nous on va faire que de l'info 100% positif, c'est très dur à faire ça exister. marche pas ben non ça marche pas ben non. Les gens, les, les, les gens en vrai ne vont pas dessus bah ben voilà je prends toujours le même exemple. Il y a Canal, où à l'époque je bossais à Canal, il y a très longtemps, qui a lancé un journal des bonnes nouvelles. Ils sont, dit, ils ont, ils sont partis de ça, ils disent les gens se plaignent, il n'y a que des mauvaises nouvelles, nous allons faire un journal des bonnes nouvelles. Tous les midis, à la même heure, une mmh. demi-heure, je crois, ou une heure, le journal des bonnes nouvelles. Victor Robert, un super copain, et Estelle, une copine, euh, voilà. Un bide. Mais oui. Mais ils ont arrêté tout de suite les gens les ne gens veulent pas, en fait, un journal des bonnes nouvelles, c'est pas vrai. Alors, ils disent qu'ils veulent. Ils disent qu'ils veulent. Mais, en fait, mais non, c'est pas, pas non. ce qu'ils veulent. Donc, il faut trouver un compromis. Mais c'était drôle, c'était drôle. Voilà. Euh, les amis, je veux pas abuser du temps de notre invité. Je vous donne, Allez, je vous donne encore deux questions. Euh, que je vais... Laisser, on, on va, en, on va, tr on va tr trouver deux questions euh, pertinentes dans le chat, qui peut être dérangeantes aussi. Hein. Euh, et puis, euh, je libère mon invité. Et je vous libère aussi euh... je remonte dans le chat ah, y a, je vois j'envoie une quel est le changement dans la rédaction quand une info importante sur la veille de la sortie c'est à dire et ben ah oui. donc, qui bouscule ben, on refait nos pages en fait. Ah ouais. Ouais. on a ça a failli nous arriver hier parce que on attendait on avait préparé plein de choses sur le remaniement ouais qui sont dans le journal de, 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 de ce matin Oui. Mais euh, le remaniement qui devait euh, être annoncé euh, par un communiqué euh, euh, dans le cours de l'après-midi euh, n'est pas tombé dans le, le cours de l'après-midi. Après, on nous a dit, ce sera pour 19, avant 19h. À 19h, il n'y a toujours rien. Ce sera avant 20h. <laughs> il n'y a, toujours... a, oui, a rien. Il a, il a rien. Et, euh, et on commençait, donc on, on échangeait par téléphone. en se disait, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi Donc, à un moment, ouais. c'était, bah, tu que... laisses tomber le papier de une, on va casser la page, on va mettre autre chose, quoi, s'il y a... Parce que, ah, on, on se disait c'est pas possible finalement le, le remaniement on l'aura que, que, que vendredi que le lendemain. Parce que enfin... Le problème c'est qu'il y, y a des délais techniques c'est-à-dire que pour que le journal ah, oui, puisse oui, confirme, être notamment mais. imprimé mmh. il faut que l'info arrive avant une certaine ah, heure. Ah bah oui on n'imprime pas des pages blanches donc. Que, euh, puis, euh... Quelle est l'heure du alors est un mot alors, technique, mais du bouclage c'est-à-dire si, si, ju jusqu'à quelle heure on peut envoyer un article à la maquette pour l'imprimerie. Alors c'est intéressant parce qu'on a 41 éditions différentes. Et en fait, le, le, le plan de roulage, c'est-à-dire les horaires auxquels on va boucler et commencer à imprimer, ouais. il dépend du temps qu'on met entre l'imprimerie, qui est basée au siège, et le, la boîte aux lettres de notre lecteur final. Puisque l'idée, c'est que, le, que le, le journal soit euh, acheminé par des porteurs. On a 4000 porteurs qui travaillent pour nous toutes les nuits. Mmh. Et qui mettent le, les journaux dans les boîtes aux lettres dans de nos abonnés, lettres, ouais. il faut que le journal soit dans la boîte aux lettres avant 7 h du matin. Okay. Et donc, ça veut dire que plus vous êtes proche du site d'impression et que le temps de déplacement, enfin de transport du journal imprimé est court, bah, plus, vous serez, euh, plus votre journal sera imprimé tard dans la nuit. Et donc, en fait, bah, comme le temps de. Par exemple, euh, il faut un certain temps pour aller en camion de Rennes jusqu'à Brest. Eh ben, le, les éditions du Finistère, elles vont boîter le premier niveau. Avant. Donc, celle-là, ça veut dire qu'il euh, faut, faut que toute la copie soit euh, mise en page, corrigée, euh, euh, contrôlée, etc. À main, et envoyée euh, à l'impression pour être, pour être roulée dès, dès 22h. En fait. L'impression commence à 22h. Ah oui. Et Rennes, qui est l'édition les, 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 que tu as aujourd'hui, euh, ouais. en, en numérique, euh, en papier, elle c'est la dernière imprimée. Elle peut être imprimée à 2h, 3h du matin. Euh, voilà. et donc en fait, euh, parfois, euh, on a les éditions, on n'a pas le même contenu entre les éditions de premier niveau et de et de dernier niveau. C'est notamment vrai pour le sport. Les matchs qui se terminent un peu tard, et eh oui. eh ben les comment, on peut faire attendre jusqu'à un certain point le, 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 le roulage, mais en général, euh, il peut y avoir s'il y a des prolongations, des tirs au but. Il a pas de résultat. Et eh ben, eh ben les gens qui sont les plus loin par rapport ouais. à nous. Mais, mais dans, la à, papier, par, dans la version papier, parce que dans la version bien sûr sur Ouest France et sur euh, tous les sites euh, des, des journaux, vous allez avoir évidemment le dernier résultat, la dernière info. C'est là où Internet est, ça, est, ça. est aussi un outil formidable pour, pour les journalistes. C'est-à-dire que si l'info n'est pas dans la version papier, en revanche, elle va être. Euh... Alors je vais même te dire, même, même euh, pour les abonnés, euh, pour nos abonnés ouais. numériques, euh, il y a le, ce qu'on appelle l'édition France, qui est, un, un, qui est un, le condensé des pages. Euh, des premières et des dernières pages du journal, celles qui sont partagées partout, plus les pages régionales, qui sont montées les premières. Euh, c'est disponible sur le Feuilleter la veille dès 22h30. Oui, très très tôt. Donc Tu peux lire le journal du lendemain dès 22h30 la veille en fait. Et ce faut, Moi, moi j'aime les télécharger les versions PDF des journaux auxquels je suis abonné. Et c'est vrai que certains journaux proposent des téléchargements dès 22h, dès 23h, parce qu'en gros c'est parti euh, au print, alors que les versions papier vont sortir que quelques heures après. C'est magique. C'est là je la prends pour moi, Trappiste, parce qu'elle est bien ta question. Trappiste manque. Si la presse est aussi libre que vous le dites, je, alors moi je ne dis pas que la presse est libre, je, je dis qu'il faut, faut regarder la, la situation de chaque média, chaque journal. Moi je ne suis pas le défenseur de la presse, je vous incite, je vous invite à aller vérifier média par média quelles sont les conditions de la liberté de la presse de ce média-là spécifiquement. Je dis aussi que c'est pire dans certains pays qu'en France, je dis aussi que c'est mieux. Trapistement, tu dis, si la presse est aussi libre que vous le dites, comment expliquez-vous la 24e place de la France dans le classement mondial de la liberté de la presse selon RSF bah Parce que selon Reporters sans frontières, cette association, il y a des pays où la liberté de la, de la presse, pour X et X raisons, s'exprime mieux que notre pays. Alors Je ne dis pas que nous sommes les champions du monde. On ne peut pas être champion du monde en foot, en volet, en basket et en, et, en, et, en, et, en, et en liberté de la presse. Non, je blague à part. Euh, il y a pire que nous. Eh bien, il y a mieux. La preuve, moi je ne dis pas que tout est parfait chez nous. Je dis... Je dis qu'il faut regarder média par média. Je dis certains médias font mieux leur travail que d'autres, évidemment. Voilà. C'est à vous aussi de vous, de, de vous faire votre white list hein, des médias qui font bien leur travail, de ceux qui le font un peu moins bien. Et il y a sûrement des exemples à, à l'étranger dont on peut s'inspirer pour faire mieux en France. Je ne dis pas autre chose. Hein. Je ne dis pas que nous sommes des parangons de, de la liberté de la presse et de l'excellence dans, dans ce, que, ce que nous faisons. On peut aussi améliorer la, la façon dont on travaille. Donc je n'ignore pas ta question. Euh, mais je n'ai jamais dit qu'on était non, non plus euh, exempt de tout reproche. D'ailleurs, en venant ici répondre à vos questions, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, de répondre euh, à vos questions. Quoi. Allez, une dernière question pour la route. Alors, bah, à Ouest-France, il y a des chartes, par exemple, hein, des engagements euh, qui sont des, des engagements solennels de la région en disant bah, voilà, sur telle, telle, telle question, l'environnement, euh, la parité, euh, notamment, bah, voilà nos engagements et on essaye de, de tendre euh, vers ça. quoi. Donc pour rentrer tôt à la maison, il faut mieux être journaliste pour le finistère. Euh, exactement. <laughs> C'est ça. <laughs> ben voilà. <rire> exactement. <laughs> <Voilà. coughs> J'étais à la rédaction des sports. C'est un vrai travail le soir. C'est Jeannot ouais. qui, est, euh, qui est ou un ancien de, la, de West France ou qui est toujours. On, On pousse, pousse jusqu'au jusqu bout, jusqu ouais, bout ouais. pour avoir l'information sur le journal, mais tout parfois les fait. matchs se terminent euh, trop tard. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand vous lisez la presse nationale, vous allez voir un résultat de match par exemple qui va être dans certains journaux et qui, qui va pas être, pas être dans eh d'autres. Oui, tout oui. simplement parce que ce journal eh oui. va plus tard à l'imprimerie concrètement que d'autres. Voilà, c'est ça. Donc, ça, euh, si, le, si vous les lisez ces journaux régulièrement, vous allez voir que certains journaux. Ben, S'imprime plus tard, donc euh, et on, on peut donner les derniers résultats. Quoi. Euh, une, un, de, un dernier mot pour vous, euh, merci pour tous les messages sympas que je vois dans le chat. Euh, vous rappelez que si vous tapez point d'exclamation promo, vous avez une opération qui est géniale, qui permet, et pas d'aujourd'hui, hein, depuis des années déjà, à euh, n'importe qui âgé entre 15 et 25 ans de s'abonner gratuitement à Ouest France, sans carte bleue, juste avec un, une pièce d'identité. Voilà, donc euh, potentiellement, euh, tu as 15 ans, tu as 10 ans de lecture de West ça. France devant toi. C'est ça, c'est pas mal. Ça. Hein. Ça, ah devait pas, vrai, top. ça devait pas exister à mon époque. Mais bon, <laughs> je disais celui de papa moi. Donc c'est top. Alors bon, euh, si tu as 20 ans, tu as 5 ans de lecture devant toi. Si tu as 24 ans, tu as un an de lecture. Euh, si si, si tu es plus âgé, bah, c'est râpé pour cette fois. Mais c'est pas grave, lâche-toi le West France de temps en temps. Mais en vrai, c'est cool. J'espère que vous serez nombreux à vous abonner pour ceux qui sont concernés par l'âge. Pour l'exclamation promo. Euh, merci Stéphane. Bah, ben, c'est moi qui dis merci. Ouais, c'est super, c'est génial. Twitch, tu connaissais Tu connaissais Euh. Moi, <laughs> je, je suis un peu vieux, en fait. On, on a le même âge, Je, pense, pas, hein. je devrais pas, je devrais pas. Ouais, non, mais ouais, mais on moi, c'est dans la tête, en fait. <laughs> je devrais pas le dire. Mais... T'es joueur de jeux vidéo ou pas T'es gamer ouais, Oui, oui. Ouais, oui, oui, si, si, mais. Euh, mais... T'es joueur de jeux vidéo Ouais, mais pas. Mais, tu tu mais... joues à quoi ah, le PS4, euh, tu as plus, plus des conneries sur mon téléphone. Aussi, des, mais, mais des, un jeu en particulier qui, qui, que euh, aimé En ce ou... moment, en ce moment, je, j'aime bien le, j'aime bien le jeu du mois sur, sur la PS4, euh, quand tu t'es abonné PS4. C'est quoi, voilà. c'est quoi euh, Ça, ça s'appelle Nobody Save the World. Vous connaissez Nobody Save the World C'est euh, euh, v... très graphique, c'est très marrant, c'est très, voilà, je, je. je ouais. Et vos avis, vos avis sur Nobody Save the World c'est validé ou pas Je suis tout seul, Pire, ou euh... Bien, ah. non parce qu'il y a un petit élève, il faut que les gens écrivent. Hein. Bien, très sympa. Ok, parce qu'on a un public ici qui aime plutôt cet univers. Moi, c'est un. Je me suis. Fait, tu sais, je me suis fait happer par cet univers, moi. Je venais pour parler de presse. Finalement, je me suis retrouvé à jouer, moi. Je joue toutes les nuits maintenant. Hein. C'est affreux. Hein. Ah, mais moi, j'évite parce que sinon, euh, je, déjà, enfin, bon. <laughs> c je faim. C'est validé. Hein. C'est validé. Euh, Al euh, Alex, le serveur, euh, donc le spécialiste des, des jeux vidéo chez vous, valide. Ah, le jeu, ah Stéphane. Bah, oh <laughs> bah, c'est Lou. Il faudra qu'on en parle. Et Lou, il faut qu'on se parle aussi, parce que Lou, en fait, c'est celui qui signe la, la plupart des papiers jeux vidéo dans Ouest France. Voilà. Et euh, voilà, qui, qui a aussi animé des, des lives Twitch, je crois, sur la chaîne Twitch de Ouest France. Euh, donc, et Lou, euh, moi, j'ai déjà lu ses papiers. Il a d'excellents des, des papiers sur le jeu vidéo. Je me demande si ça ne pourrait pas être un bon invité, Lou, d'ailleurs, en Sampley. Sampley, c'est mon émission de dimanche. Ah, moi, je pense ce que c'est ouais. il, il valide Le chat vous en pensez quoi Est-ce que Lou, <laughs> de West France, que j'ai croisé à Rennes il n'y a pas longtemps, est-ce que ce serait un bon invité pour Samplay Vu qu'il doit bien connaître cet univers. C'est validé Je vois du oui. Lou me dit, je viens quand tu veux. Très bonne idée. Oui, 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 me dit Sarah. Sarah Molly. Voilà. <laughs> Les petits, Les petits pseudo que j'aime, c'est validé. Est-ce que le stagiaire joue à Valo C'est Armand. Armand, Armand. Armand, tu joues aux jeux vidéo ouais, Tu joues à quoi euh, Smash Bros. Smash Bros. Euh, Mario Kart, Mario Kart. Mario. et Mario en général. Armand, stagiaire en troisième, meilleur stage de ever, actuellement en <laughs> West france joue à tout ça. Tu joues pas à Valorant il joue un petit peu à aussi. C'est un bon. <laughs> merci beaucoup euh, à Stéphane, à Cyril, à Armand qui nous accompagnait euh, aussi. Euh, voilà, moi j'aime bien ce rendez-vous du vendredi là où, euh, eh bien plutôt que moi vous, vous raconter comment la presse écrite euh, fonctionne et marche et pourquoi je l'aime, eh bien donner la parole aux principaux euh, concernés, intéressés, ces journalistes de, de presse écrite qui la font vivre euh, au quotidien. Donc euh, merci d'avoir été aussi nombreux à suivre ce rendez-vous. Stéphane, bravo. À bientôt. Ouais, merci, merci voilà. beaucoup. Le, le, le la semaine est terminée ou tu as des trucs sur le feu euh, Non, je vais je vais essayer de rentrer, je vais je vais essayer de rentrer chez moi euh, cet après-midi. Je ouais. voilà. Je suis pas parisien en fait. Je travaille à Paris, mais je je vis en Bretagne. Tu vis ah, trop bien Bah ouais, Je rentre à Rennes. Ok. Tous les tous les Comment tu fais ben, alors ouais, ouais. Bah je prends le train. Non mais je veux dire, <laughs> tu fais genre des allers-retours sans arrêt ou tu fais lundi vendredi Non, non, ah, non, bah, non Les allers-retours sans arrêt, c'est mortel. Je pourrais pas en fait. Donc, trop donc non non de non. Ta... non je... Non, non, j'ai 30 mètres carrés dans le 14e. D'accord. Euh, voilà, et donc j'arrive le, le dimanche soir et je, je repars le vendredi après-midi. Bon, bah bon retour à Rennes alors. Ouais, la Bretagne euh, me manque. Les amis, merci. On va faire un truc qui est super important, euh, Stéphane. Euh, maintenant, c'est qu'on va faire un raid. Tu sais, à la fin d'un live, on peut faire un raid. Ça, alors le raid, le mot est un peu belliqueux, mais en fait, il est super sympa. cest qu'en fait, on fait basculer tous nos viewers. Ici, là, il y a un peu plus de 3000 personnes. Et on les fait basculer sur une autre chaîne. Ah ouais, c'est comme si à la, okay. journa, à la fin je prends toujours le même exemple à la fin d'un journal de 20h par exemple euh, Laurent de Delahousse disait bon écoutez là il y a un petit programme sympa sur Arte ou sur M6 ou que sais-je on va tous y aller voilà c'est ce qu'on fait en fait ça permet de d'éclairer le travail d'autres créateurs de, de contenu est-ce qu'il y a des gens les amis euh, en live euh, que vous aimez bien là euh, ah ouais ouais ah bah si il bah, y a Clément par exemple alors c'est intéressant de Clément Clémovitch, Clément Victorovitch, ouais, oui, oui, c'est oui. un, ah, ouais. un politologue ouais. que tu connais. Ouais, on, on a Stéphane qui est journaliste spécialisé euh, de politique. Ça peut être sympa d'aller voir Klemovitch. Euh, ah, il y a Citron Violet aussi qui est très sympa. Qui est un Français qui vit au Japon. Euh... Clément, il finit son stream Alors, on me dit que Clément est en train de finir. Alors, je vais montrer à notre invité. Tu vois, on va aller sur, euh, on va aller voir les petits copains. Tu vois, là, assez <laughs> Ça c'est nous. Ça c'est nous. On va voir. On va voir par exemple. Donc, qui est Clément Vitorovic. Hop, il est là, il est en live. Voilà. Et on me dit qu'il est en train de terminer. Il est en train de terminer, Clément ou pas C'est la fin de son live. Sinon, avoir citron violet parce que c'est bien aussi. Il est en train de terminer. Bon, alors les amis, du coup, on va voir Citron Violet, qui est donc un Français. Je crois qu'il est enseignant Citron. de Français au Japon et qui fait beaucoup de stream IRL beau, au Japon. Hein. Ouais. Et voilà, et là par exemple, il est en train. Wow, attendez, on va faire ça. On va au Japon, les amis. Citron Violet est en train de nous faire vivre IRL, un spectacle pour l'année du dragon. Puisque là, c'est là en ce moment. Ah oui, excellent. Ouais, 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 en ce moment, c'est ouais, les festivités, ouais. vous savez. En direct ouais. 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 Mais écoutez, on va faire ça. C'est plutôt pas mal. Ça nous dépayser. On change de fuse d'horaire pour le coup. Et regarde, tu vois, Stéphane, on tape tout simplement la chaîne ici. Euh, citron. Voilà. Sans faute d'orthographe. Et hop, voilà. Et là, on a 372 viewers sur la chaîne de Citron Violet faites lui un grand coucou c'est un gars formidable il a un super contenu il est rel et le raid est en train de se charger il se lance dans quelques ondes je vous souhaite une belle fin de semaine voilà euh, profitez euh, bien de cette fin de semaine qui arrive un beau week-end soyez heureux rendez les autres autour de vous je vous retrouve sans doute ce soir pour un petit Valorant parce que ça fait au moins deux jours que j'ai pas joué et ça me manque n'oubliez pas ça me plaît Dimanche, avec Alpha Cast qui nous fera découvrir l'univers de Baldur's Gate 3. C'est un jeu dont tout le monde me dit beaucoup de, de bien. Je pense que ça va être un chouette moment. Euh, merci d'avoir été avec nous ce matin et maintenant, on va au Japon. Bye bye. Hop. Hop.